Salut à tous! J'espère que vous allez bien et bienvenue. Je vois que les logos sont pas dans les écrans. J'ai envie de évidemment, j'ai encore géré ça comme un cul. Mais j'espère que vous êtes prêts, puisque il est 15h pile. Oui, comme d'hab, on est à l'heure. Franchement, je pensais qu'on serait bien plus en retard. Moi aussi. Et nous avons un beau plateau, puisque autour de moi pour ce live caritatif pour tout le monde contre le cancer, nous sommes avec Rofelos. Comment ça va? Oh, je suis content que tu commences par moi, même si c'est pas, je suis quand même assez humble à la base. je retiens. Je vais mettre les écrans, s'il vous plaît. Oui, ça va très bien. On est sur une petite nuit. On est sur une petite nuit, puisque du coup, j'ai dormi chez Maxildan. On a fini la partie d'hégémonie hier à 5h du matin. Ah, mais t'as joué à hégémonie? Ouais. Tu as joué ou pas, toi? Non, pas encore, mais c'est, je croyais qu'on y jouait jeudi. Oui, bah. Au moins, c'est déjà fait, je vais y arriver. Et franchement, c'est trop bien. Mais malheureusement, le capitaliste l'a emporté face au Le Pen prolétariat. Ouais. Bref, donc ça, c'était hier. Et du coup, levé ce matin tôt, parce que du coup, la femme de ménage est venue à midi sonner à ma porte. toquer à ma porte. Donc, je suis un peu fatigué, mais j'ai hâte d'en découdre, notamment pour pouvoir voir un petit peu si vous allez tout donner pour récupérer nos boosters. C'est la première fois qu'on fait ça, et en vrai il y a un double intérêt aujourd'hui. C'est évidemment de lever des fonds pour une bonne cause. Ça m'arrive assez peu, je dois le dire. La dernière fois c'était sur le Battle 4 et j'étais pas celui qui était le plus impliqué, on peut le dire. T'es arrivé vraiment à la fin. Voilà. Donc là je suis là au début, je resterai jusqu'à la fin. Et l'autre chose c'est que si jamais le principe vous plaît d'ouvrir des boosters de vous voir ouvrir des boosters et d'enchérir, peut-être qu'on pourra faire ça sur des événements où ça nous rapporte à nous. Ah bah ça on verra plus tard, pour le moment. Pour l'instant. Je sais pas si c'est la meilleure intro. C'est vraiment le pire. Non mais quel enfer. Il y a un scoot sur le bon coin. Vraiment des packs. En attendant. Ça va très bien. Je suis ravie d'être assise. T'es en bonne compagnie. Table autour de vous. Voilà, entre nous. Tu es bien entouré, effectivement. Et ouais. On va ouvrir pas mal de boosters. D'ailleurs, on remercie. Alors, nous, on va fournir pas mal de boosters, mais on remercie aussi Ravensburger qui a fourni un display Lorcana. Du coup, il va y avoir quelques boosters. Réimprimé ? S'il vous plaît, Max, ton micro n'émet aucun son. Oh, bah, c'est super. Super. Alors, on t'entend via quelqu'un d'autre, je pense. Test. Oh, bah si, moi, il faut que je le mette plus près. Ah, mais c'est parce que je parlais loin, je l'avais pas. Oh, bah c'est ouais, bon, tranquille, va bien. Fake news. Non, c'est gobelet de bière, il soupiche. comment ça va, mon bon Ted? Eh ben, ma foi, après un bon mafé, on s'est fait ce midi tous les deux en amoureux, avec Rofelos qui est bien sûr venu piquer dans nos assiettes. Eh ben, ma foi, je suis requinqué et prêt à en découdre avec le chat pour eh bien pour la bonne cause. Le chat est gigantesque. Ah oui, c'est gigantesque. Ah bon, là, on le voit, non? Ah ouais. Bah, moi on le voit, oui, c'est vrai. Moi je le vois pas, il y a un truc devant là, je sais même pas. On va présenter le truc après, chaque chose en. Bref, peut-être tu es repu. Je suis repu et c'est peut-être là un peu de la sieste, mais il va falloir donner de la force et de l'énergie. Alors, j'aimerais vérifier d'ailleurs si ça marche. Normalement, on est bien d'accord que vous avez du coup un lien, un scan là, qui vous permet de donner avec votre téléphone. Vous pouvez également cliquer sur le lien qui est sous le live et qui vous permet de faire des dons pour participer évidemment à cette petite levée de fonds. J'expliquerai un petit peu en détail aussi à quoi va servir cet argent. J'avoue que normalement j'ai testé avant, je crois que ça fonctionne, je crois que les alertes s'affichent. S'il y en a un qui a deux balles à lâcher pour vérifier si ça marche aussi chez vous, ça me sert bien. C'est bien le principe. Je rappelle que l'argent n'est pas pour moi, d'ailleurs. On t'offre un booster à celui qui veut bien, limite. Ah, mais non. C'est pas. Et hop, on vous a niqué. Précision, oui, l'argent ne transite même pas par moi. C'est-à-dire que l'argent va directement sur le compte PayPal de l'association. Donc, on ne peut m'accuser en aucun cas d'un quelconque vol, puisque rien ne va dans ma poche. Et si le PayPal de l'association, c'est Rofelo, c'est normal. C'est une question. Le mec a changé le riff pendant l'émission, en début d'émission. Tiens, tu peux montrer le QR code? C'est juste pour. Ah, le QR juste code. Juste pour vérifier que tout fonctionne. Comment va Wonderhook? Ça va. Très très bien. J'ai beaucoup enchaîné aussi là avec l'Orcana chapitre 2. Il y a eu des petits tournois, des petits trucs à droite à gauche. Mais ça fait plaisir d'être là. Là, ça va être Noël, ça fait plaisir. Quel son? Eh ben, ouais, le son est bon. J'espère en tout cas que. Parce que toi, t'en as vendu du booster. J'ai hâte de rouvrir des boosters parce que j'ai déjà beaucoup ouvert. Je suis à 35 displays pour le moment sur l'Orcana chapitre 2. Ah ouais! Dont déjà 8 du chapitre 1 en réimprimé. Donc en un mois, j'ai ouvert beaucoup.
Mais il y a encore du plaisir ou pas? Il y a du plaisir à avoir de l'enchanté. Honnêtement, très honnêtement. Pour te dire que les dernières, je les ouvrais, je regardais juste la rare. Enfin, la brillante. Ah ouais? Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Parce que quand tu ouvres 20 displays en un live, à un moment donné, c'est un peu long. Et pourquoi en un live? Mais t'aurais dû faire un live. Non, j'ai fait un dongle en fait. On avait fait un truc avec les abonnés. Et c'est monté jusqu'à 20. Un dongle. C'était pas mal. C'était assez cool. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un dongle. Un dongle. Mais c'est pas pour nous. Oui, là, c'était pour moi quand même. C'est un peu ça le bail. Marie, est-ce que ça fonctionne? C'est compliqué, hein. Ah bon? C'est vrai? Dit, le QR code ne fonctionne pas chez moi. Ah merde. Mais vous avez le lien au pire. Non, ok, alors, essayez via le lien en dessous, parce que si ça marche pas, c'est chiant. Le QR code, on aimerait qu'il fonctionne quand même. Au prix, vous avez mis le lien dans le chat. Excusez-moi, mais en fait. C'est pas moi, c'est elle qui s'approche. Je comprends pas. Deux animaux. Non, ça ne marche pas. Ça marche. Tu vois, il fallait être sur moi. Quel enfer. Ah, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, ça marche. Je devrais quand même revérifier. C'est bon. Il marche, ça marche. C'est bon. Merci. Peut-être qu'il est trop petit, je peux l'agrandir peut-être. Peut-être que c'est plus simple. Il y a plein de choses qui peuvent s'agrandir à cette table. Ouais. Comment va Marie? Eh bien, moi, ça va très bien. Et donc, le truc, c'est le chat de Cheshire de Alice au Pays des Merveilles. Bah ouais. Parce qu'on va ouvrir de l'Orcana. Excuse-moi, mais moi, je vois un mix entre Porcinet et la Panthère Rose. Ouais. Oh, pire, c'est pas grave. Quel et encore, la Panthère Rose, que Porcinet. Oh là là. Mais c'est bien, et tu sais quoi aussi. Évidemment que je te vanne parce qu'on aime bien se vanner, mais tu as fait un effort vestimentaire, c'est très bien. Mais je préfère l'effort vestimentaire de ma voisine. J'ai mis une robe, on s'excuse. Et je suis extrêmement mal à l'aise. Non, mais c'est terrible, quoi. Sympa, mais je suis contente d'être parmi vous. T'es toujours aussi belle. Voilà, merci Marie. Fan. J'adore en plus. Au pire, on peut faire gagner le costume qu'on signe tous et tout. Par contre, juste avant qu'on lance sur Maxildan, là, je vois qu'il y a un objectif optimiste, très cool, de 1 500 €. Ouais, attends, j'ai mis gros, j'ai mis 1 500 parce que c'est un but qui permet d'offrir 100 cadeaux à des enfants. C'est génial. Oh, c'est bien. Avant, hein, et si on arrive, le but c'est de faire le plus possible. Si on fait 100 balles, je m'en fous. Le but c'est de dire, ok, on essaie de faire un truc et c'est cool si on ramène des sous. Vas-y, Marie. Si par exemple quelqu'un donnait 1 500 € comme ça, est-ce que par exemple il pourrait repartir avec toutes les cartes? Genre, alors Marie, cartes, bah non. Attends, parce que je sais très bien où tu vas. Le but, ça va être aussi de faire participer les gens qui ont peut-être un petit peu moins d'argent, mais un peu plus de, comment dire, pas forcément plus. Ils ont aussi la volonté de nous aider, et donc on va mettre booster par booster. Mais je veux vous aider. Si quelqu'un veut mettre 500 balles pour un booster, grand bien lui en face, il y aura d'autres boosters pour les autres. Voilà, bon, ça. Je vais vous demander d'animer un peu parce que je vais te laisser prendre la main, mon bon Rof. Tout va bien se passer. Déjà, je vais vous faire écouter le message de la directrice générale de l'association, Hélène Météro, qui va vous en dire un petit peu plus sur l'action Sans Noël dans 100 hôpitaux. Ça, c'est la première chose. Et 100 hôpitaux. Ouais, d'accord. Et la deuxième chose, c'est que je vois qu'il y a déjà des dons qui sont en train de popper et ils ne s'affichent pas à l'écran. Ah. Ça me donne envie de me couper le bras. Ouais. Donc, je vais essayer de régler ça. Ouais. Mais en attendant, on écoute ce message, évidemment. Donc, je ne prends pas la main. Quoi. Pas tout de suite. D'accord. Vraiment, c'est Hélène qui prend la main. Dans là. Quelques instants. Vas-y, Hélène. D'abord, on va écouter Hélène. Du coup, je vais vous demander de ne pas parler pendant qu'elle parle. Merci. Ah bon ? Bonjour, je suis Hélène, la directrice générale de l'association Tout le monde contre le cancer. Et je viens vous parler de notre action qui s'appelle Sans Noël dans 100 hôpitaux. Sans Noël dans 100 hôpitaux, c'est quoi ? C'est apporter la magie de Noël à l'hôpital. Cette année encore, il va y avoir 4000 enfants qui vont être hospitalisés au moment de Noël et qui vont passer Noël, du coup, à l'hôpital. Et chacun d'entre nous n'a pas de difficulté à imaginer que passer Noël à l'hôpital... c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On a tous envie et besoin d'être dans la chaleur d'un foyer et de vivre ce moment joyeux dans un environnement qui le permet. Et, du coup, avec l'association, on a décidé de transformer l'hôpital pour permettre à ces enfants et aussi à ces adultes qui sont hospitalisés au moment des fêtes de vivre un Noël presque comme à la maison. Ça veut dire quoi, presque comme à la maison? Ça veut dire qu'on transforme l'hôpital et qu'on emmène des artistes, des magiciens, des chanteurs, des caricaturistes, des musiciens pour faire la fête, de fête géante, soit en salle commune, soit on se rend aussi de chambre en chambre pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et l'idée, c'est d'apporter cette magie de Noël au plus près de ceux qui en ont besoin. On distribue aussi
plus de 10 000 cadeaux, puisque un Noël sans cadeaux, c'est pas vraiment un Noël, dans tous les hôpitaux partout en France. On a besoin de vous pour mener cette action cette année, distribuer encore plus de cadeaux et organiser de superbes fêtes pour que chacun puisse s'amuser et rire et ainsi repartir plus fort au combat. Il n'y a pas de petits dons et pour cela, je vous invite à donner en suivant le lien qui s'affiche. Je vous remercie encore du fond du cœur et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Oh là, Hélène la bosse. Wow. Oh là là, et hein, elle fait ça bien. Hein. Elle fait ça très super bien. C'est super. Bah, voilà, vous savez un petit peu du coup à quoi va servir tout cet argent. Donc effectivement, c'est à la fois pour faire ce genre d'animation directement dans les hôpitaux, mais aussi pour faire des cadeaux aux enfants. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, peut-on dire finalement aux gens que pour 15 euros, finalement, ils offrent un cadeau à un enfant? C'est ça. En gros, c'est un petit peu ce qu'on m'a expliqué quand j'ai eu le brief de l'association. C'est qu'on estime qu'à peu près pour 1500 euros, ça permet d'acheter 100 cadeaux pour les enfants. C'est pour ça que j'ai mis ce goal-là. On l'atteint pas, mais en tout cas, on va essayer d'aller le plus haut possible et après, on verra. Tout simplement. C'est très bien. Je dois régler les alertes parce que je vois que Relax a fait des petits dons et que ça ne s'est pas vu pendant que je règle ça. Bah, à la limite, si peut-être, Rof, tu veux expliquer comment ça va se passer. Bon, un petit coup avant. Alors, comment ça va se passer? Parce qu'effectivement, donc voilà, on fait ça pour la première fois, donc on s'est un petit peu demandé. Nous, on voulait faire une sorte d'enchère. On a un petit peu réfléchi, on a tryhard un petit peu le bousin pour se dire, bon, comment essayer de faire en sorte que ce soit à la fois ludique, à la fois cool pour vous, que vous quand même puissiez récupérer quelque chose de physique, et en l'occurrence, donc, des cartes. Et bien, donc, voilà comment ça va se passer. On va avoir à chaque fois des boosters. Alors, on va essayer de prendre de quasiment tout, bah, tout ce qu'on a, c'est-à-dire, on a du Flesh and Blood, on a du Magic, on a du Dragon Ball, on a du Lorcana, évidemment. Alors, c'est un petit peu forcément le truc du moment. Et on va mettre aux enchères. Par exemple, regarde, je pense que le mieux, c'est de faire un exemple. Ma chère Marie, voici ici une boîte de l'Orcana. D'accord. Oui, Marie laquelle? Parce que Non, attendez. bon. Les meufs n'en peuvent plus. Enfin, vous mettez Mickey sur un truc. Ça fait 30 ans que Magic existe. Ah, c'est pas pareil, on s'en fout. Allez. Déchire pas ma boîte, là. Déchire pas ma boîte, bon, en même temps. Voilà. Donc, mettons qu'on a un booster. Je vous enfile un chacun, vous l'ouvrez pas, d'accord? D'accord. Hop, tac, tac. Merci. Voilà, les meufs, les gars, ça arrive. Voilà. Donc elles ont un booster, elles le pressent contre elles, ce qui déjà vaut plus cher. Ça peut faire augmenter les dons. Allez, donc, les gars, je frotte. On embrasse tous les enfants qui nous regardent que, peut-être. Je veux que le papier. Je vous embrasse. Je ne peux pas les garder. C'est avant tout, si on est là pour du divertissement, bien sûr. Et donc, est-ce que ce booster-là est plus intéressant que ce booster-là, actuellement, on n'en sait parce rien. Parce que là, il y a une carte en moins, en fait. Voilà. Oui, c'est une très belle référence, Marie. J'annonce. Très belle référence. Eh bien, en fait, elles vont un petit peu se battre pour essayer de vendre leur booster, de dire voilà pourquoi mon booster, c'est le meilleur. Alors que bon, enfin bref, elles vont y arriver. Avec tous les éléments que vous pouvez. Oula, j'ai peur d'être face à elle. Et donc, mettons que, par exemple, on va être sur le booster de cette Marie ici. Eh bien, donc voilà, tu dis voilà, mon booster, vraiment, il est trop bien. Je sens qu'à l'intérieur, il y a une enchantée, c'est évident, etc. Bref, tu peux le vendre, pouvez bonimenter, c'est le but. Ce serait malhonnête si c'était pour nous, et encore. Oh, 74 balles vient d'être lâchées. Non, c'est un exemple. C'est les tests. Merci, John. John, c'est toujours les tests. Mais putain, mais moi, j'étais chaud là. Ça y est, c'est parti. Parce qu'en fait, tu vois, genre là, c'est l'âne de cœur. Je suis Chachailleur, Alice au Pays des Merveilles. Exactement. L'âne de cœur. Voilà. Je peux avoir des arguments, tu vois. Moi, c'est une toi, t'es, voilà. Vous avez de très bons arguments, les filles. Il n'y a aucun problème. Ce que je voulais dire. Pour toi, Marie, j'aurais plutôt pris celui-ci. La bête te correspond peut-être. Parce que la numéro 2. Exactement. Je peux me permettre, les amis, en attendant que j'arrive à régler ce souci d'affichage de vos noms et de vos dons, je vais remercier Amandarius qui a lâché 10 balles avec un petit message qui dit nique le cancer, oui. Ether aussi qui a lâché 10 balles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Alix qui a lâché 2 euros. Bref, j'arrive pour régler ça. Merci déjà à ceux qui ont lâché des dons. On arrive. Bon, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Si vous n'avez pas d'argent, ce qui est. Ce qui est intolérable. Fait, légitime. Normal, et en plus à l'approche des fêtes et l'inflation, etc. C'est difficile. Ne serait-ce que repartager les petites stories, les annonces, etc., sur les réseaux sociaux, je vous jure, c'est d'une très grande aide. C'est pas con ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens là qui sont peut-être désœuvrés chez eux, qui savent pas quoi regarder, et ils ratent un divertissement incroyable. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on pourrait faire une photo. C'est vrai.
Surtout que depuis hier, sur Twitch, on peut. Ouais, ça c'est un très bon moment. J'ai entendu parler de ça. Il faut que je me. Ouais, faut que tu me. Non, t'as déjà créé ta carte avec ton intro. Alors, on reste focus. Alors. Bref, restons focus. Donc, par exemple, Marie a un booster dans la main. Mettons celui-ci, là, voilà, avec Mulan. Raya. Oh là là, les personnages asiatiques. J'ai vu en travers. Bon, excusez-moi. Bon, bref, ça commence très bien cette émission. On est dégoûtés. Bon, eh bien, on va. Moi, j'ai déjà mes arguments. Tu dis quand on commence. Ouais, parce qu'en fait, là. Alors, je suis en train d'expliquer. Donc, plus vous me coupez, moins on avance. D'accord. Donc, on va commencer, mettons, par celui-ci. Ok. Eh bien, Marie va dire, ok, mon booster, c'est le meilleur, etc. Il y a un super truc dedans. Ok. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez sur le chat. Sur le chat, moi je vais vous lire, mettre le prix que vous en voudriez, d'accord ? Enfin, le prix que vous vous proposez. Avec un prix de base ? Alors, 10 centimes. 5 en vrai, euros. Ça peut être un bal, on s'en fout, ça va vite partir. On va mettre 1 euro minimum, mais ça va partir, je pense, bien plus. Enfin, en tout cas, on compte sur vous. T'imagines, ils vont partir à 1 euro. Bah oui. Alors, on va très vite voir et puis on va monter. je ne fais pas doute. Si le frais de port est plus cher, on se. Parce qu'attends, c'est combien le booster ? 6 euros. Un booster, c'est 6 balles. Bon, on va mettre 6 balles. Quoi ? Non, mais tranquille, je ne m'en fais pas, notamment sur leur canal, que on le met à 10 centimes, il va monter. Parce que notamment, comme vous êtes tous en live, enfin comment dire, on n'est pas dans une salle où on lève la main et ok, d'accord, on enchérit au fur et à mesure. Au tout départ, quand on va dire ok, ce booster, combien vous voulez, il y aura plein de messages dans le chat qui vont dire 5, 10, 20, 30, etc. D'accord ? Donc, on peut mettre une petite émote à ce moment-là, on va prendre, donc au bout de, je sais pas, 20 secondes, on va prendre celui qui a fait le plus gros. Qui a fait la plus grosse proposition. Mettons quelqu'un a dit 20 euros, ok. Les autres avaient dit 10, 5, machin. Celui à 20, on va dire, ah ok, il y a machin qui a 20, donc les autres, bah, vous pouvez réenchérir dessus. Mais en tout cas, là, on part en fait avec le maximum. Oui, d'accord. Et donc là, quelqu'un va dire, ok, je mets 21, puis 22, puis on va monter comme ça. Et au bout d'un moment, il faudra bien que ça s'arrête, ok. Bah, si jamais ça y aura d'autres boosters, de toute façon. et donc là, mettons que, je sais pas, ça s'arrête à 46, ok, on voit que le chat répond plus trop. 46 boosters, 46 balles pour un booster, c'est quand même déjà beaucoup, hein, mais on rappelle que c'est pour la bonne cause. Ça permettra 3 cadeaux à 3 ans. Et donc là, on a pas trouvé de petit marteau du coup. Si t'as une enchantée dedans, t'es rentable. Hein. Bon, il est pas dessus. Bon, on se débrouillera, mais on dira 3, 2, 1, adjugé vendu. Et donc du coup, la personne qui aura mis le meilleur, donc la meilleure offre, eh bien, on va repérer son pseudo. Et en fait, il aura quelques minutes pour faire du coup le vrai don qui va apparaître à l'écran, d'accord ? D'accord. Et à ce moment-là, moi, je vais noter sur mon petit calepin ou sur mon petit post-it, ok, et ben, ce booster-là, il est à machin. À Mandarius, par exemple, d'accord ? Un gars du chat, ok. Donc celui-ci, il a payé 46 balles, le don est bien parti, donc on a bien reçu la preuve qu'il avait bien payé. C'est pas une promesse de don à la Téléthon où je t'appelle le lendemain et tu dis « Oui, bah finalement voilà. !» J'ai changé ta vie voilà. Donc on va faire ça assez vite. Et là, ce qui va se passer... Oui, bien sûr, il y aura une limite de temps par booster, pas que ça dure... Deux heures le booster. C'est un truc une minute et faudra y aller sur le... On va mettre un peu la pression. Hein. S'ils veulent mettre 100 euros par booster à chaque fois, on n'est pas contre. Ouais, non, mais... Il n'y a pas de limite de thune. Oui, mais je veux dire, si ça continue d'augmenter, laissons-les s'enflammer. Hein. Je pense, ouais, je suis d'accord avec toi, Marie. C'est rare, hein. Oh là 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 là. Bref, et donc, une fois que le don est fait, on va y réfléchir. Une fois que le don est fait et que, du coup, eh bien, on a la validation de ce booster-là, eh bien, dans ce cas-là, vous allez ouvrir, notamment Marie va ouvrir ce booster et on va voir ce qu'il vaut vraiment, d'accord ? Parce que peut-être qu'effectivement, à l'intérieur, peut-être qu'il vaut, je sais pas, 3 euros, voire moins. Mais peut-être qu'il y a une enchantée. Qui vaut plus de 100 balles. Alors, une question, est-ce qu'on alterne Lorcana, Pokémon, One Piece, ou est-ce qu'on fait que du Lorcana dans un premier temps, que du Pokémon dans un autre ? Donc déjà, Pokémon et One Piece, ça va être compliqué, puisque nous n'avons actuellement pas de booster à proposer. Ah bon ? Ça va non, on n'a pas. On a pas. Mais c'est vrai, j'ai vu ça dans l'annonce, alors moi j'étais en mode... La fumée. Ah ouais ? Je sais pas. Parce que toi, t'as annoncé le tout premier des tweets ? Ah, j'avais cru voir ça. Vérifie. Il y a une faute d'orthographe. Vérifie, on ira chercher. Bref. Tu vas y être. Ah, t'as peut-être mis Pokémon. Ouais, pas Pokémon, en fait, on aurait bien. Mais c'est con, vous auriez dû me dire, j'avais plein de boosters chez moi Pokémon, j'aurais pu les prendre, puisque moi je m'en fous Pokémon. Et pourquoi t'as pas pris de base ? Comment ça, on s'en fout ? Parce que j'ai pas pensé. Parce que j'ai pas pensé. Alors t'as pensé à prendre du jus de banane de merde ? Oui, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est super bon le jus de banane. Déjà. Et deux dogos là. C'est même pas ça. Ça, tu en as. Moi, je les ai reçus dans le colis Asmodée, tu sais, avec le calendrier. Ouais, il y avait on a tout ouvert.
Ah, vous avez alors après, on peut peut-être vendre le truc, mais en fait, on sait déjà ce qu'il y a dedans. En fait, ce, que, ouais, ouais. Ce qui est sympa avec le booster, c'est qu'on sait pas. Bien sûr. Mettre... Même la petite boîte en métal, vous l'avez ouverte ? On a reçu une boîte en métal, Max ? Bah, il est pas là. Les gars, je suis incapable de faire deux choses à la fois. On parle pas, Max Edlal. Vous avez réussi, vous avez reçu le calendrier de l'avant avec... Ouais. Ouais. On l'a déjà ouvert. Ouais. Avant l'avant. Donc en avant. Vous avez ouvert toutes vos cases. Mais le ouais. Gigantesque moi là. Aussi, oui. Moi aussi, j'avoue. Le gigantesque. Il est comment votre idée? Bah, il était comme ça. Non, mais il faisait 2 mètres sur 2 mètres. Ah, ah bah on n'a pas eu le même. Mais c'était il y a 3 ans. Ah, c'est il y a 3 ans. Mais, ouais. D'accord, mais c'est pas mais... Non, mais. Elle aime bien avoir la plus grosse. Oui, c'est ça. Un display le jour du 25. Mais bon. Ah, bon, les amis, j'ai un problème. Alors vas-y. Ah, bon, dites-le. Je te l'avais dit, on va avoir des problèmes techniques, c'était sûr. Voilà le problème. Le truc, je ne peux pas trop tester avant parce que bon, c'était un peu compliqué. Je crois qu'en fait, je n'arrive pas à afficher les dons qui sont faits directement sur le compte de l'association. Ah oui, ah. Parce que oui, c'est pas ton compte. Bah ouais, mais c'est censé être le principe de Streamlabs Charity, oui. Donc ça me fait un peu chier que ça marche pas. Mmh. Bref, du coup, je crois que je vais être obligé de mettre mon compte pour que ça s'affiche. Et pour que après je reverse les trucs. Pas mal, hein. J'annule. Pas mal. Hein. Vous avez noté ? On a fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Non mais arrête, il y a des gens qui vont me croire. Mais non. J'ai pas d'autre solution parce que je teste tout et je ne comprends pas. Je comprends pas. Là, en gros, tu as reçu des dons. Il y a eu des dons qui ont été faits. Je viens de le dire. Oui. Non mais les dons fonctionnent. Juste, ils s'affichent pas à l'écran. Mais on s'en fout. Ah oui, mais les gens. C'est le principe du streaming, toi ? Bah ouais. Non mais si. Ok, d'accord. Le truc c'est qu'en fait, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a ce que moi je vais faire, c'est-à-dire l'enchère, etc. Et là, on s'en fout que le mec s'affiche pas. On s'en fout. C'est juste que les gens, ça leur fait plaisir de s'afficher à l'écran. Mais oui, d'accord. C'est un petit beau fait qu'ils ont envie de donner. Ce que je veux dire, c'est que donc, du coup, là, il y a deux façons de donner. Il y a la façon, on fait l'enchère, et là. Il y a donner pour donner. Ouais, donc le donner pour donner, on l'aura pas. Les gens vont juste acheter nos boosters. Mais d'accord. Quand quelqu'un va gagner son truc. D'accord. Donc, ce que mettons, je veux dire, c'est que du coup, tu perds toute une part des dons qui sont faits juste par les gens qui vont être. J'en suis. Faut monter un tout petit peu le micro à main. Et oui, c'est défiscalisé comme tous les dons à des associations. En fait, vous recevez votre attestation. Alors, du coup, c'est défiscalisé si on le fait par eux. Donc, si ça passe par moi, ça l'est pas. Moi, j'ai l'impression, Max Hildan, qu'en fait, si jamais vous voulez donner, et ben, vous donnez pour un booster. Et les boosters, on va en ouvrir. Mais ça se trouve, quelqu'un veut donner 10 balles. Et qu'en fait, si tous les boosters ils vont jusqu'à 100 balles, ils ne peuvent pas forcément donner 100 balles. Et s'ils veulent juste faire un petit don de 5 ou 10 euros, ils ne peuvent pas, puisque ceux qui ont de la thune vont faire 100 balles après, pour les boosters. Après, ça m'emmerde ce qui se passe, là, je vous le dis. Après, tu peux faire la lecture, parce qu'en soi, si en plus, ils n'ont pas la défiscalisation, en passant est-ce que parfois, tu veux que je fasse la lecture et toi, tu hostes ? Moi, j'adore lire les trucs. Je l'ai sous les yeux. C'est... Oui, sinon, on les remercie à chaque fois qu'il y a un don. Faire, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Bon, de là à là. Alors, ça va être compliqué. Hein. Ouais. On peut pas la voir ici ? Si, non. Je peux vous le mettre là. La voir ici. Comme ça, on va dire que vous en foutez du retour. Hop. Ah, je me trouvais vachement belle. Hop, vous êtes moins beau. Voilà. Ah ouais. Elle est un peu petit. Hein. On peut zoomer sur le donateur name ? C'est hyper bien. C'est un peu mieux là. C'est hyper bien. Donc par exemple, on avait Amandarius, effectivement, 10 euros, nique le cancer. Voilà. À 15h12. Vous les avez. La lecture suffit, ou même à l'ardoise pour les gains de booster. Voilà, on va le faire comme ça, mais je suis désolé sur l'affichage. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça marche pas. J'ai mis les bons liens, les bons trucs. Et en plus, quand je clique sur le truc de test. Lecture comme à la fin d'un voir... booster vendu, tu vois, c'est bien ça. Ouais, oui, t'as attends, t'as pas une petite ardoise avec un Véléda ? Et on la met derrière et à chaque fois elle se retourne pour écrire le nom. J'ai une grande ardoise. On a vraiment les mêmes idées. J'ai une grande ardoise avec un Véléda. Mais laisse, vas-y, donne. À l'ancienne. Mais bien sûr. Ah, c'est stylé de ouf. On va je valide en vide de faire noter le nom. On my way. Moi, j'ai l'impression que si je mets données sur ce genre de truc, je préférerais que les gens me citent et nous écrivent ou quoi que ce soit, que juste j'ai un truc qui pop à l'écran en vrai. On aurait pu avoir les, non, mais non, avoir les deux. Je comprends, Rof. Je pense même qu'on peut faire une choré à chaque bout. Comment que tu cesses de penser que et si toi, on c'est tout le monde. Et si on écrivait les noms sur Offlows directement? Je ne suis pas contre. Oh oui. Écris-moi sur le corps, il y a de la place. Attends, mais c'est une grave bonne idée, non? Tu peux écrire sur Rof? Sur le crâne de Rof. Tu peux écrire sur ce que tu veux. Je pense que... Non, pour de vrai. Non, pas spécialement. Alors, c'est une blague à la base. Moi, depuis hier, tu peux m'écrire sur le corps si tu veux et il y a de la place. Là, vous pouvez faire une. On a droit sur Twitch ou pas? Allez. Oui, depuis hier. Je vais te chercher ça. Il y a un indélébile juste là.
Un débile, ouais. Non, un indélébile. Je veux mon pseudo sur ce front. Moi, et bah, j'ai déjà mes balles. Il va falloir donner. Pour 150 balles, 10 cadeaux à des enfants, on peut écrire votre pseudo sur le crâne de Rofellos. Okay. Je pense que je le fais pour celui qui offre le plus gros don de toute la, de toute live. Moi, je peux le faire aussi sur mon bras. Ouais, mais surtout ça va rester. Pour 5 longtemps. Balles là, sur le bras, si vous voulez. Bah, Ouais, putain. Mais c'est bien, Marie, à force de côtoyer, tu récupères un humour. Ça, c'est à cause de Marie, quand Marie perd des trucs, je me dis. Comment ça, Marie? Mais je n'ai absolument rien dit. J'étais en train de me dire, merde, c'est pas décollé. Oh, wow. C'est super. Eh ben, je me lèverai à chaque fois. Ted, on va échanger. Ouais, on va échanger. Ouais. Je vais me mettre en place. Ah non, bah en fait, t'étais pas là. Ouais, tout pour le live. En fait. Ça va, j'ai autant de 5 L, calme-toi. C'est vrai, c'est t'en as plus que moi. Ah, c'est que moi si je ferme les yeux, je vous confonds. Je vais chercher un VLED. Attends, vas-y, stratégie. La place est chaude. Est-ce que quelqu'un a le lien, vous savez? Attends, par contre, qu'est-ce que t'as foutu avec le siège? Ah, merde. Pourquoi t'as mis un siège de nain? Mais je sais pas pourquoi il y a des. Tu peux le lever, tu peux le lever. Ah oui, c'est pour ça que t'étais petite. Hop là, alors, bonsoir. Marie, je me sens triste. Ça va, qui me. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez compris un petit peu le principe? Voilà, chacun va vendre des petits boosters en gros, et on va essayer de faire monter un petit peu la sauce, si c'est bien ce que je veux dire. Et donc, c'est uniquement. Donc, ça va se faire à la criée sur le chat. Et c'est uniquement. Ou celui qui va faire le plus gros don au bout d'un moment, enfin qui va proposer le plus gros don, qui va pouvoir avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je finis sur ça. Oui. Là, il y a deux solutions. Il y a deux solutions auxquelles je viens de penser tout de suite maintenant. Ah, il aime pas ça, hein. Mais en fait, tu vas voir que c'est transparent pour toi. Une hop fois. 6000 balles la table. Ouais, mais t'inquiète. Attends, attends, qu'on voit le spectacle. Ouais, attends. Dis donc, elle est solide cette table. Amanda, on squat là. Amandarius, c'est ça. Hein. Amandarius. Oui, mais attends, on n'a pas commencé le truc là. Oui, ils ont donné de l'argent, ils ont le droit d'être sur le tableau. Ils ont donné de l'argent pour le tableau. Non, mais elle écrit déjà A avec mes trois quarts du tableau. Bah, t'es baisé. Ou alors, tu vas effacer au fur et à mesure. Oui, mais en même temps, ça veut dire que je m'en relèverai pour l'efface. Marie, tu as une très belle écriture. Merci, c'est adorable. C'est vrai que t'écris bien. 10 euros. Voilà, avec un petit. T1, on dira des 7, mais on garde. Ça s'affiche ou pas? Ouais. Ouais, ouais. Ça, ouais, ça s'affiche ou pas? J'ai une crampe. Remonte tes bottes à 700 balles, là. Attention, tu les fais gagner sur le chat. On a Swigs qui vient de lâcher 50 balles. Oh, efface Amandarius. Efface. Non, comment ça s'écrit? Swigs. S-W-I-G-Z-S. Et alors, est-ce que celui-ci veut des boosters à 50 balles là? Bah attends, de toute façon, on va y aller là, non? Bah oui, c'est vrai. Ah, mais go! Moi, je suis en problème technique, m'attendez pas. Alors, je finis sur l'explication, j'en étais là. Oh. Je finis sur le fait que donc, une fois donc, que le mec a donné, on voit qu'il a donné, on ouvre le booster, d'accord? Mm-hmm. Et là, le gars a deux solutions. Soit le booster lui plaît, et dans ce cas-là, on lui envoie, je ferai moi-même les envois. Il n'y aura pas de souci. Mm-hmm. Soit éventuellement, vous dites OK, c'est de la merde. Dans ce cas-là, ça me fait économiser un envoi. Vous pouvez le dire, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est si jamais et ça on, vous plaît on pas, les garde. On les garde et on saura quoi est-ce en faire. Que, est-ce que je peux remercier le prochain ton parce que c'est une vieweuse de chez moi? Non, oui. C'est Ted qui va le faire. Non, mais c'est une vieweuse oui, de chez moi. Vas-y. En biélo, qui est là tous les matins sur mes live Twitch parce qu'en ce moment, je Twitch tous les matins et elle est là tous les matins en biélo. Eh ben merci d'être venu cet après-midi parce que ce matin pendant mon live j'ai dit aux gens de venir ici. Ah. Eh ben merci d'être venu et merci d'avoir donné 10 balles. 10 balles, ah ça fait 2/3 d'un cadeau, c'est bien. En biélo, merci 2/3 d'un cadeau. Merci, ça me fait plaisir de te voir là et ça me fait plaisir. Surégal. Ouais, deux ailes, ouais. Et donc Swig lui a payé quand même 3 cadeaux à des enfants et ça c'est merveilleux, vrai. Merci à vous. Vraiment, à partir au-delà de 50 euros, j'écris avec ma bouche, hein, je vous le dis. Donc on est d'accord qu'on offre un booster à Swig, ce 50 balles le mais booster. Mais non, arrête de vouloir offrir des boosters. Mais il a fait 50 mais balles. Mais non, bah non, c'est pas le truc. J'ai levé ma reine. Ah ouais? Ben oui. D'accord. Le but c'est ça. Si quelqu'un veut donner 100 balles et pas prendre de booster, il a le droit. Il n'y a pas de problème. Bah mais moi, c'est le jeu, c'est le jeu. Bon. Si jamais on dépassera 50 en balles. En parlant de jeu. Bah, c'est possible. On commence ou pas? Oui, moi, j'ai plein d'arguments pour mon booster. On a fait le coucou général, c'est bon? Ouais, tout le monde s'est présenté, machin. On est bon, merci Ambélio qui vient de lâcher 10 balles. Allez, ouais, merci. On l'avait remercié, mais on peut la remercier encore. Oh le lag. C'est une youtubeuse de chez moi. Elle a... C'est parce que c'est cool. Elle était là ce matin et je lui ai dit. On est dans un jour sans fin. On devrait réexpliquer les règles. Elle en a fait. Elle a quand même profité pour dire oui, parce que moi, je suis en live tous les matins sur Twitch. Qui ouvre le premier booster? Moi. Alors, ensemble. Ensemble, bah non, mais du coup, mais ça marche pas. Mais pas du tout. Okay, c'est moi le chef des enchères. D'accord. On va commencer par celle qui me fait le plus beau compliment. Oh bah, vas-y, Marie.
À toi l'honneur. Dis bonjour à Wonder. Quoi? Oui. C'est pas sûr. C'était pas sûr. J'ai dit. Bien sûr que oui. Marie, qu'est-ce qu'il y a dans ton booster avec, on le rappelle, pas Mulan? Alors, si vous étiez sur le dernier live où on était tous ensemble pour justement ouvrir des boosters Lorcana, vous vous souviendrez certainement de la chatte légendaire que j'ai lorsqu'il s'agit d'ouvrir des boosters. C'est-à-dire que je prenais des cartes, je dis « Oh, c'est marrant, elle brille, il y a un petit logo orange, paf, enchanté. » Enchanté, mais légendaire. Enchanté. Légendaire, pailleté, etc. Donc, voilà, oui. Allez, je pense on va que mettre un chrono. Ok, c'est parti. On a Relax qui dit « 1 euro, je suis convaincu ». Ah, bah allez, je suis convaincu. Donc, okay. Donc c'est parti, donc, relax, 1€. Début de l'enchère à 1€. Qui veut mettre plus? En plus, allez, on est plus. Sur Raya. Ok, vous avez, je mets quoi, 2 minutes pour le premier? Ouais, 2 minutes, c'est bien. Allez, 2 minutes, c'est parti. Donc là, vous balancez dans le chat, si jamais ça vous plaît, vous faites des promesses de dons. Vous dites, ok, ce booster-là m'intéresse, je sens que Maria de la chatte, on est à 2€, ça monte. Il faudra plus. Ok, on a 5 euros pour Maxime. Après, regardez, j'attire la chance, je frotte. 10 euros pour Banana. 10€ pour Sweet. Tu vois, Banana, il aime le jus de banane. C'est sûr, c'est un bon. 12€ Panda centilitre, ouais, c'est vrai qu'il était chaud. 11€, 12€, on est sur 12€. Ok, 12€ pour un certain Ted Etienne qui a vu que le frotte. Attends, attention, parce qu'évidemment, les dons fonctionnent aussi. Pas mal, pour Relax. Allez. Relax qui finalement est passé à 20€. Frotte encore. À 20€. Ouh là là. Ce booster est à 20€. Je peux vous dire qu'il y a toutes les cartes dans ce booster. Toutes les cartes de leur tirage. Banana qui va à 25. Il est lourd. Banana 25. On est donc sur un guerre entre Relax et Banana. Visiblement, ça, ouais, pas mal, on a toujours 25 pour Banana Panda. 20. Alors, on va arrêter les petits malins. Il n'y aura pas de centimes parce que sinon ça va être très long. Donc, c'est vrai. Soit tu arrondis à 26, soit tu restes. Enfin, soit tu arrondis à 26, soit tu te tais à jamais. Alors, pour l'instant, toujours Banana. Pendant que 25, c'est déjà hyper. Ah, mais comment ça va? Je hume. Vas-y, tu le humes, tu le humes. Là, il y a de la grosse carte. Toujours 25 pour Banana. Quand on avait ouvert le display, j'ai eu une carte à 100 balles sur le premier booster. C'est pas improbable. Il y en a vraiment qui ont tout compris parce que des gens disent mettre 13 euros, 5 euros pour moi. Alors, on est à 25. Faut mettre plus. Je crois qu'en fait, 25 c'est pas mal pour un booster. C'est bien, pas mal. Sevra, qu'est-ce que tu veux arrondir à 26 ou est-ce que tu restes ou est-ce que tu passes ton tour pour l'instant? Relax. Relax. Passe à 26. 26. Allez. Wow, 30 pour Banana. Et donc deux cadeaux à des enfants, 30 balles. Hein. Là, on est Ça tombe dernier moment parce que regarde, 10 secondes, il reste 10 secondes. Alors là, Banana. Hey, 40 balles pour un booster Arcana, faut qu'on fasse ça plus souvent. Bah après, s'il y a des cartes à 100 balles dedans, il est rentable. C'est vrai, hein. c'est vrai. Je propose qu'on le fasse sur une minute, ça me semble. Une minute, en fait, parce que les gens vont souvent attendre la fin. Pour le premier, c'était bien de prendre alors, un peu de temps. C'est le premier, oui. Non, attends, peut-être attendre qu'il fasse le don. Effectivement, effectivement. Donc là, on va lancer un deuxième. Un deuxième booster. Non, en attendant le tien. Alors, attends, juste ce qui se passe, c'est que donc, bien joué à toi, Banana, on attend ton don qui va donc normalement popper. Enfin, t'as vraiment 2-3 minutes pour faire ton don pour être bien sûr que ce soit à toi qu'on l'envoie. En attendant, on va du coup vendre un autre booster. Voilà, oui, on va voir si jamais ça a plus de succès. Déjà, Banana mérite quand même qu'on écrive son nom. Hein. C'est vrai. Let's go. Déjà, premièrement, je suis déguisée en Chachaïeur. C'est la reine de cœur, tout ça, Alice. Donc, je le sens bien. Ensuite, regardez, tu vois, il y a déjà un bug sur le booster. C'est-à-dire qu'il est mal poinçonné là. Ah, donc. Et moi, je pense que ça se trouve. Non, c'est peut-être bien. Ça se trouve, il y a une carte peut-être discard. Mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui a pris une carte et qui l'a refermée discrètement en l'échange? Ça sent la carte. Je me dis, tu sais, il y a les cartes discard. C'est super rare les cartes discard, c'est encore plus rare que les cartes. Est-ce que ça sent la colle ton booster? Du coup, je me dis, tu vois, petite anomalie, moi j'aime bien un petit peu ceux qui sont différents des autres. Moi je pense que là, il peut y avoir On est déjà à 7 balles. 7 balles, donc déjà, on est. Et bah, c'est bien. Voilà, 8. Attends, tu peux remettre 10, à 0. Je vais remettre à 0. Ouais, en fait, je pense que l'argumentaire ne doit pas rentrer dans le temps. Okay, ça me va, ça vous pouvez monter, voilà. Okay. Donc là, on est déjà à 10 balles. Là, on est à 13 balles pour ce truc. Je sens qu'il est très lourd aussi. Ouais. Et on sait très bien que s'ils sont plus lourds, ils sont mieux. Pose-le là.
Ah, je le pose là. 15 pour 16. Karan, Yann, pour l'instant 16 pour Swigs. Et voilà. Et si tu veux, je lui fais des petites caresses. Je le sens bien. Frotte le Marie. Frotte le. Oh là, il est frotté. Je lui fais un petit bisou. Ah, il est. Oh là. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle l'a mis sur son bras. Et après, elle a dit non, ça fait pas de chose. On est à 20 balles. Ah là là. 20 balles pour Karan, Yann. Merci, Karan, Yann. C'est bien, c'est top. On est pas mal. On est pas mal. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, il reste 20 secondes. Est-ce que ça vaut que la moitié du booster de Marie, c'est ça aussi qu'on peut voir. Oui, c'est possible. Oh, est-ce que wow. 22. Ça augmente. On a Sevrac à 22. Alors attends, je mets 50. 22 pour Sevrac. 22, il reste 8 secondes. Il reste 8 secondes. Ah, vous avez pas vu, putain, c'est dans le plan large. Attends, je vous régale. Ah, wow. Je suis derrière. Qu'est-ce qu'il y a chier derrière ce tableau? Pousse le panneau. Mais oui, putain. Non, la pauvre, non. On a 25 pour Jean-Baptiste, ça pourrait rester le dernier. Jean-Baptiste. Il l'a mis à la fin, le saligo. Donc, c'est très, très bien. Sur moi, tu notes. Oui. C'est très très bien. Non, en fait, j'attends le don que le don ça fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va vérifier évidemment que ça a été craqué. Alors, est-ce que le don. Est-ce que le banana il a suivi? Oui, banana, on va pouvoir ouvrir ce booster en attendant. Merci, banana. Let's go. Alors, banana on panda. C'est bien passé, bien sûr. Je te propose, c'est à la limite, attends qu'ils aient fait le don pour le noter. Ça t'évitera de noter des mecs pour les effacer s'ils le font pas parce que c'est des trolls et machin. Non, mais ils sauront ce qui les attend. Donc là, c'est parti. Vous avez ouvert vos boosters. Par ici, dans le centre. Franchement, franchement, si t'es un troll avec les enfants, c'est vraiment que t'as pas d'amour. Oui, ouais, c'est franchement, t'as aucune race, t'as aucune race hein, vraiment. Alors, je l'ouvre face cachée. Non, c'est dans le bon ordre. Comme d'hab. Okay. Tiens-le. Je vais aller vers toi. Pour éviter que ça glisse. Ouais, ce sera mieux. Voilà, on va venir vers toi. Je m'approche de toi. Le booster de Rof va valoir pas plus que 2 balles. Ah ouais, tu vas voir. Ok, donc là, on a Gaston qui est un petit jeu absolument. Yes. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les 8 premières. Ouais, on va accélérer. Non, non, ils ont. C'est le leur. On est pas pressé. À 18h, on carapate ou quoi? Ok. J'ai envie de te dire. Moi, je suis pas pressé. Jimmy Cricket. Là, on est à 5, 6, 7, 8. Et là, ça commence à devenir intéressant. Okay. Voilà, ça. Voilà. Donc là, mets bien là, parce que ça, voilà. Alors, on est sur le prince. Non, ça, on s'en fout. C'est là que c'est devient bien. C'est pas mal. C'est bien. Ratigan. Ratigan. Oh, une légendaire. Une légendaire. La bête. Je l'avais dit ou pas? Oh, la légendaire. Pas mal. BG. Il a remboursé ses 40 balles, hein. Donner aux enfants, magnifique. Voilà. Et la bonne fée et en foil. Bravo. Et voilà, bravo. Alors maintenant, ma chère Marie, GG. Si tu peux les remettre proprement dans le booster et coller ça dessus, ça permettra de savoir à qui on l'envoie. Bravo, bravo. Je sais que le cadrage est à l'envers. J'essaie de vous le mettre à l'endroit pour les prochaines, évidemment. On va se régaler. Ça va tourner. Ça va tourner. On va et maintenant, alors, est-ce que le don a été fait pour celui de Marie ou pas du tout? Alors, est-ce qu'on est prêt? On va refresh tout ça. Voilà, on refresh. Et après Banana, nous avons Jean-Baptiste à 25 et Arthur M qu'on remercie qui a lâché 10 balles sans merci aucune Arthur. Raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur. Merci. Jean-Baptiste 25. Attends. Banana qui dit ah mais vous envoyez les boosters, oui c'est le but. C'est pour vous après. Oui, Banana qui c'est pour vous. Banana c'est encore plus beau parce qu'il avait donné 40 euros. Il pensait qu'on allait garder les boosters. Mais en fait peut-être que je me suis mal exprimé parce qu'en fait dans ma tête c'était de base évidemment qu'on vous envoie ce que vous achetez. C'est si jamais vous voulez le laisser, c'est possible. Voilà, si jamais, par exemple, là, oui, le booster, si vous est... en foutez, là, le booster, regarde, là, le booster est cool parce que vraiment, il y a une légendaire. Donne le crayon. Parce que attends, c'est Banana Panda. Non, mais t'en as certains, par exemple, qui vous avez autre chose à ouvrir après ou c'est que du Lorcanin? Non, okay. Par exemple, s'il y a des gens qui ouvrent pour un jeu qui ne les intéresse pas, bah, ils vont se dire, allez, bah, gardez-le, je m'en fiche. Oui, c'est ça, pour soutenir, quoi. Par défaut, on vous l'envoie. Et d'ailleurs, est-ce que c'est facile de me chuchoter quelque chose dans le chat? T'es connecté sous quel nom? Peut-être les modos, non? Je suis sur rien. Max Tildan, je pense. Tu peux parler dans le chat. Mais est-ce que c'est pas mieux qu'il m'envoie? Est-ce qu'on peut facilement chuchoter sur Twitch quelque chose à quelqu'un qui n'est pas sur le live? J'en sais rien. Non. Ils envoient à moi, c'est pas. Mais oui, ils envoient. Du coup, après, je vais récupérer l'adresse sous ton truc, c'est un peu con. Autant qu'ils envoient directement. Mais non, mais les chuchotements, quoi qu'il arrive chez lui ou pas, on s'en fout. Je sais dire, je te file un mailog. Oui, voilà. On a à foutre. Bon, bah, vous envoyez un message à Max Tildan avec. Là, ce qu'on veut, c'est que les gens ils s'amusent et qu'ils lâchent un maximum de dons. Il faut que ce soit simple. Ah, très bien. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Eh bien, on attendra évidemment vos adresses. Mais à la limite, effectivement, ça, on peut le faire après. Oh, donc, Gaston aussi. Hein. Je passe après Marie qui vient d'avoir une légendaire. Ouais, mais bon.
C'est parti. Donc les 8 premières ont. Moi, c'est vrai que je tiens à dire, j'ai pas eu beaucoup de chance sur les ouvertures de l'Orcana. Mais oui. Justement. Désolé, mais merci à Jean Bat qui a un peu cru en moi. Non, mais attends. On commence avec Gaston. Ouais. La marmite. Dormeur. Ça, c'est bien. J'ai très envie de dormir. La légende d'Arthur. Raya. Raya. Hein, et pas Mulan. Ça va, ça va. Tiana. Raya. Si, légendaire. Ellie. Donald, qu'on aime Attention. Beaucoup. Ouais. Et là, on va et commencer. Là, ça y est, rare. Okay. Alors, je lumière. Le sens pas, je le sens pas, je crois que c'est encore une rare Elle décide ouais. de bouger à chaque fois. Oh, oh c'est une légendaire Encore incroyable. La bête La bête, mais une autre bête. Voilà, Jean-Bat, t'as bien fait de me suivre. Oh, mais c'est un truc de ouf quoi. Incroyable. Et Benja en foil. Et voilà, regarde-moi ça, Putain. Qu'est-ce que j'ai contente. C'est beau. Attends, si c'est là, attends, je veux la frotter moi aussi sur vous. Je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Et ben voilà, j'ai bien fait de le frotter. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? J'ai encore une meilleure idée, je crois. Ouais. Vas-y. Avec sur ce petit post-it, d'accord. Merci tu à Poufi qui a lâché 10 balles. Merci. Coup, merci. Merci. C'est toi qui va marquer le nom à chaque ouais. fois du pseudo et tu peux mettre un petit message gentil. Comme ça, je le mettrai avec dans l'envoi. Plus petit Donc, post-it du monde. Ça fera une petite dédicace. Vas-y, donne un post-it alors. Ouais, t'as pas un post-it un peu plus gros, Max ? Donne un stylo. Bah là, non. D'accord. Non, mais non, c'est bien. Pas... Il pose des questions. Non, mais tu me réponds. Oui, il est en haut sur le bureau, je vais le chercher. Arrête de prendre tout mal dès que je te dis quelque chose. Donne un stylo pour Kélos que j'adore, je t'aime. Merci, donne-moi merci, un stylo, merci. Du coup, un stylo. Donc alors, est-ce que c'est à nous de nous frotter maintenant ? Tu te frottes comme tu veux, mon frère. Nous, on se frotte aussi. Là, on se frotte. Allez, on se frotte. Il marche ou pas? Non, mais ça a l'air de marcher. Alors, putain, si on se frotte sur les 24 boosters, 24 légendaires, je le fais tout le temps, moi. Voilà. Et il paraît que la carte de Marie était plus chère. Oui, c'est oui, vrai. Non, oui, celle de Marie. Celle de Marie. Celle de Marie. Celle de Marie. Ça va, ça va. Là, et bah, Marie, qui Marie, celle de Marie. Marie le chat. Devant. Il paraît que c'est plus cher que celle de. Et bah voilà. Voilà. Il fallait mettre plus d'argent sur mon booster. Moi, je vous l'avais dit. Bonne affaire pour Jean-Bat. Oui, c'est remboursé. Il marche pas. Jean-Bat est remboursé. Mais j'en sais rien, moi. Je connais pas. Il marche les larmes. Allez, prends le. Il va se faire engueuler. Mais oui, je me fais engueuler tous les côtés. Je cherche des solutions simples. Mais non, moi, je ne pas. Voilà. Bon, bah pour la peine, du coup, c'est la tête de jouer. Voilà. Alors, allez, vas-y. Tête. J'ai pris un booster La Bête. Voilà, parce qu'elle me ressemble en termes de pilosité. On est pas mal. Donc, je frotte. Je frotte à fond. Allez-y, donnez tout. Attention, on part sur la minute. Let's go. Let's go. Alors, c'est parti. Donc, c'est parti. Un booster qui 2 euros, semble, je suis convaincu, nous dit Relax. 15 parce que vive la Sarthe. Oh, vive la Sarthe, mes petits loups, les rillettes. On sait qu'on Tu vas voir aussi tous les gens. 16. De saucisson. Eh oui, les amis du saucisson, là, c'est le moment. Régalez-vous. 16 pour H. Verkesne. 17, 20. Franchement, 20 pour Karen. Oh là 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 là, mais merci. Karen. Allez, on veut au moins que ça dépasse Marie Grandjeu. Et il y a Woufi qui a fait un don de 10 balles en dehors des enchères. Merci. Merci à vous. Un cadeau pour les enfants, merci. Comment ça s'écrit ? Karanian pour l'instant. Tiers, 22 pour le saucisson, 23 pour Sevrac. Merci, ça c'est beau, c'est ça qu'on veut. Un beau booster La Bête. Bon, j'espère qu'après deux légendaires, 30, on va être 30. Dans la même. 30 balles. Oh ! 30 balles. Donc en fait, c'est vraiment moi. Attends que j'arrive. Ils mettent 10 balles, c'est le bout du monde. Il n'y a aucun ratio de respecter dans la saison 2, donc on peut tomber sur plein de légendaires. Ah bah oui, oui, oui. Je suis tombé sur une boîte avec 9 légendaires. Il est en haut du chat, en épinglé. Il est également sous le live. Il y a un bouton avec écrit. Pour le moment, nous sommes à 30. 30 balles Allez. Et ça va rester à 30 balles. 30 balles, c'est 30 balles. 30 balles. Bravo. 30 balles. Ah, 35. Oh, bah 35. Attends, mais attends, parce que. Elle a surenchéri sur elle-même. Alors, il a le droit du coup. Il a le droit. Bah oui, c'est validé. On va pas le refuser. Allez, 35. Karanian, merci beaucoup. Merci, c'est validé. T'es vraiment le meilleur. On attend ton don et pendant qu'on attend ton don, on va lancer les enchères sur un deuxième booster. Yes. Wonder, c'est à toi. Alors, c'est Raya. C'est Raya, c'est. Alors, il y a un cheat code sur les Raya, c'est qu'en général, ils ouvrent plus de. D'enchanté. C'est voilà. Oh là 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 là, regarde-moi, il sort la stade de son cul. Et non, parce que j'ai quand même ouvert 15 enchantés en live, donc si vous voulez, peut-être une enchantée de plus. Véritable information que tu viens de dire là ? Non, véritable. C'est par rapport non, par rapport au ratio, effectivement, plus enchantés sont sortis des. Et est-ce que les Mickey dans la saison 1 ouvraient plus ? Moi j'ai l'impression. On sait pas, mais c'est juste que dans, en fait, dans l'Orcana 2, il y a eu un problème d'imprimerie, donc il y a eu des bugs visiblement. Ah ouais ? Et qu'il y a eu plus enchantés dans les Raya. Putain, mais attends, je m'en réserve un pour tout de suite après. Donc si jamais. Voilà. Ok, et ben on a déjà voilà, Maxime voilà. qui le met à 5, bon, qui est le prix, on va dire, oui, le conseiller. De... Donc pour l'instant, on est un truc. Okay. Ted Etienne, 15 balles. Parce qu'il s'est dit... Il s'est dit, tiens. Il s'est dit, il vient il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Le pseudo pour l'autre. Relax, 20 euros. 20 euros pour Relax. Pour Relax.
Allez les amis, on va faire un. C'était le chrono, on a oublié de chrono. Karanian. En fait, encore merci. Max est en train de gérer un chrono qui va être. Essayer de faire un truc un peu propre. Qui va être propre. Karanian, c'est fait, 35 balles. Merci pour 35 balles, Karanian. C'est deux cadeaux aux enfants que tu offres. Merci. Tu vas pouvoir la Sarthe en force. Utiliser du coup le petit post-it, je sais pas où il est. Tiens. Ok, ouais, donc du coup ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Et on est pour l'instant toujours sur Wonder. On est à 20. Est-ce qu'on finit à 20? Ils vont, allez, les gens, allez, ils veulent le chrono, c'est pour ça. Je vous mets 20 secondes. Je vous mets 20 secondes. Vous avez 20 secondes, les amis. Vous avez 20 secondes. Est-ce que quelqu'un veut l'enchanter? On a 20 là pour le moment. 25 balles pour Marie. Ah, ça va se battre entre Ted et Marie. J'étais à deux d'y aller. Pour l'instant, on est à 25 balles. Est-ce que quelqu'un dépasse la proposition de Marie Palot qui est à ma droite? 35 balles pour Rila. 35 40 balles pour Marie. Ouais, ben, moi j'ai plus de limite. Le problème c'est qu'il se bat avec la pire. Donc t'as déjà perdu. Bon, après tu peux, en vrai ça peut être une strat si tu sais qu'elle arrête jamais. FFE, bah tu vois, tente un 100 pour rigoler. Non, mais FF. Tu peux tenter un 41 après. Et bien, tu sais pas, à côté de 50 oh là là. 50 vous fie 50 balles, vous fie qui a déjà mis 10 balles en arrivant, qui a dit bah merci, attendez, on joue en plus, on peut jouer. Merci 50 balles, c'est pas mal. 50 balles, ça va, tu laisses je Marie. Laisse ta main, ça Marie, sera je pense que c'est pas mal. Bravo, 50 euros. Bravo. C'est quoi, je vais essayer le plan comme ça, ça va tourner entre nous, ça va être ouais, on va se régaler, on va se régaler. C'est très très bon. Bien. Maintenant, faut pas qu'on les déçoive. Alors, c'est parti. Alors, juste avant, vous fie du coup, on te laisse, merci beaucoup, frérot. Faire ton don du coup de 50 euros et ça te permettra d'ouvrir celui de Wonder Hook. Et là, actuellement, on va donc ouvrir celui qui était pour qui? Donc, c'est pour celui qui est de. Karanian qui nous a merci pour les enfants et merci mon bon Ted. Et ben j'espère que je vais te régaler la Sarthe en force. Ouvre le pas, je vais pour l'emballer. De quoi? Pourquoi tu veux pas que je joue en entier? On le re-range après. Ah oui, oui. Sachez les amis que je trouve que c'est une super ambiance. C'est une très très bien. Bonne ambiance. Ça marche excellent bien. Ambiance. Alors, je suis désolé, j'étais un peu stressé au début parce que quand ça marche pas, on est là. C'est pas grave. Donc on y va. Est-ce que t'es dessus là? Ça commence par la reine de cœur. Moi je dis que ça va être un bon booster. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, bah, c'est préférable pour les gens, non? Mais moi, c'est monsieur. Le mec est tellement à l'aise. Oh, c'est pas grave. Allez, vas-y. Alors, attends, je mets sur toi. Ah, du coup, tu nous as mis un petit timer pour le prochain, c'est magnifique. Voilà. Donc, alors, c'est parti, on y va. La reine de cœur. Duke, joyeux. Oh, ça te va bien. Je suis coincé. Oh, Tigou. Jafar. Madame Mime. La reine de cœur en doublette. Chang, oh oui. Et c'est parti. Lucifer. Cendrillon. On y va, on continue. Aïe, 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 aïe. La pierre de dragon. Peut-être la légendaire derrière. Et alors, on y va. Allez, on y va. C'est pour toi, mon petit. Allez. On y va. Oh, c'est pas mal. Et c'est un dingo foil. Voilà, on a 3 rares dans ce booster. On s'organise. Comme tu le dis. C'est voilà. Pour dire que c'est voilà, c'est. Eh bien, tu vas pouvoir. Alors, en fait, en vrai, plus le booster est décevant et plus t'as intérêt à mettre un mot sympa sur le. Ah bah oui, je vais te mettre un mot. Donc, mon est-ce que vous pouvez à chaque fois passer le pack de post-it et le stylo? Mais le stylo orange, il est pas terrible. Ouais, terrible. En fait, il y a aucun stylo qui est bien, quoi. Il y en a voir qui. Essaye le. Le feutre noir là-bas. Non, il marche pas celui-là. Le feutre noir là-bas. Alors, les gens demandent si on peut alterner après. Wonder, un autre jeu de cartes. Bien sûr. Histoire de pas faire que du Lorcana. Ah oui, comme ça, ouais, on fait un tour de table. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est pour ça que je vais faire ça, mais du coup, après, tu le plies et tu le fous dans le booster. Comme ça, il y aura un petit mot en plus. Voilà. Ça sera peut-être mieux comme ça. C'est vrai que le post-it est un peu petit. J'en ai pas de plus grand. Vous, quoi? T'as dit quoi? Je voulais dessiner un éléphant de dos. Je ferai ça pour le prochain. Alors, pourquoi un éléphant? Passe-moi un crayon qui marche. Oh putain, mais y'a rien qui marche. Ah ouais, mais là, c'est le seul truc que j'ai dessiné. Attends, je regarde. Ce que je dis pas avec la charpie, c'est que ma poubelle aussi. Non, non, ça devrait aller une charpie. Ouais, ok. Mais attends, on a pas de bouchon là-dessus. Oula, Messas par la Ruego, ça s'ika là. Ça va faire une tâche. Hey, mon copain! Ah, le petit dédicace, c'est magnifique. Ouais, en fait, je pense que le côté dédicace, c'est cool. Au début, on hésitait peut-être à le mettre sur le booster ou machin, mais en fait, avec un petit papier, comme ça, il en fait ce qu'il veut. Ça me semble pas mal et ça permet de garder, du coup, le pseudo de la personne. Ok, vous voulez qu'on passe, du coup, à autre chose? Allez, attends, on a bien lâché ses 50 balles, GG, merci. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Et donc, je mets ta dédicace dans le booster, mon poulet, hein. Ah, vas-y, je veux faire pareil. Ouais, faites ça. Ok, vas-y, passe-moi une petite Je vais sur Wonder. Ouais. Alors, c'était toi, c'est Jean-Baptiste. Ouais, t'as mis ta main. Il faut juste que je te trouve. Ouais, je t'ai trouvé. Alors, ce qui est bien, c'est que la dédicace coule pile.
Si tu l'as pris en deux, c'est bon. Ah ouais, bah, on est parti. Ah, merde, je vais juste inverser la cam et on est parti. T'es prêt? Let's go. Allez, vas-y, tu peux commencer. Petite enchantresse. Petite glace à l'eau. Celle-là, elle est horrible en tournoi scellé. Je déteste les gens qui jouent ça contre moi. Enchantresse? Non, la glace à l'eau. C'est une des cartes les plus jouées en scellé, putain, elle me tue. Hein. Peignons les roses en rouge. Merlin en crabe. Balou. Le balou. Le dernier canon. La boîte de sardines. La réponse qui est très jolie. Merci. La Madame Mime, encore une fois. Plus ardent que le feu des volcans, qui est une carte très jouée, très sympa. Et qui est illustrée par Alex Accorsi. Alex Accorsi, un petit français. Oh, exactement. Madame Tremaine, qui est une des cartes super rares, les plus jouées. Bon, on n'a pas de légendaire. Et. C'est un peu mieux que Ted, mais c'est pas mal. En vrai, ça va parce qu'il y a plein de cartes jouables. C'est pas une enchantée. Oui, non, mais. Celui qui va pêcher l'enchanté, il va quand même être bien, bien content. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, les deux légendaires, c'est Marie et moi. Oui, oui. Parce que vous êtes des personnes légendaire. Si le tour de table. Moi j'ai l'impression que c'était le bon plan, mais bon, je crois que tout le monde s'en foutait de nous. Pas de vous, enfin surtout de Maxildan. Allez Maxildan. Ah d'accord, tu regardes pas la pochette, t'es rien pas. À la foutre. Ah ouais. En fait, ok. Ma chance naturelle fait que je n'ai absolument pas besoin de vos super. Ça va de toute c'est façon comme ça, tu le vois. Très très bien. Je mets 10 euros immédiatement. Je vais lancer le chrono tout de suite. Il y a 10 euros qui est mis de la part de Marie afin de commencer cette enchère. Et on va voir si... Parti. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas eu d'enchanté. C'est peut-être le booster de Max qu'il a. On est sur la reine de cœur ici et je peux vous dire que la reine de cœur... On avait Relax qui a mis 15 balles, mais 15 balles. Karan qui a enchéri avec 20. Oui. Et un nouveau pseudo, alors je ne sais pas comment on dit, A-H-R-Z-V-K-N. Ouais, okay. Ou alors tu dis VKN quoi. Je vais l'appeler VKN, c'est bien. Je vais t'appeler HR. Et ce sera 25 balles. Pour l'instant, c'est HR. 25 balles pour le Karan qui est passé à 26. Je crois que vous avez oublié que j'étais quelqu'un qui avait énormément de chance. C'est vrai qu'il a de la chance. Il a beaucoup de chance déjà de nous connaître. On peut le dire. C'est vrai. Merci à tous d'être là d'ailleurs. Moi, je mets 27 pour ce star qui contient une enchantée. 27 balles pour Marie. Est-ce que. Karan qui dirait. 28, voilà la Sarthe. C'est comme ça qu'on répond. 30 Disneyland TV. Oh là là. 35 pour Karan. 40 pour Marie. C'est pas cool. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que nous, à partir de 10 secondes, on devrait plus avoir le droit parce que eux, ils ont le délai. Si les prêts à les mettre. Est-ce que quelqu'un va enchaîner par-dessus 40? C'est le dernier mot. Ah, elle est en mode. Est-ce qu'il s'aligne à 40? 38, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il s'aligne à 40? Effectivement. On vous donne un petit time. Nous, on arrêtera de parler après 10 secondes parce que sinon, avec le délai, ouais, c'est pas juste. C'est galère. C'est vrai. Sinon, c'est vrai. On joue dans le chat aussi. Ah, ou au pire, on. Moi, j'ai joué dans le chat, moi. Alors, est-ce que. 38 pour Karanian. Est-ce que. Ouais, en fait, j'avoue que pour la prochaine fois. Tu t'alignes à 40 dans le. Est-ce que tu vas à 40 ou pas? C'est le mec, il est à 38, il fait non, mais non, en fait. Non, mais Karanian a déjà donné. Ouais, c'est pour ça. Karanian, un vrai frérot. Franchement, tu rinces pour les enfants, ça fait plaisir. Je suis là pour la carte Flesh and Alors Blood. Alors oui, effectivement, sachez que Flesh and Blood, en la personne de l'œil de Fidia, ouais, et donc Romain et Pedro, qui mettent en jeu une carte promo spéciale de Flesh and Blood, qui a une petite valeur, parce que je crois que sur le marché, elle vaut... j'ai regardé un peu, je crois que c'est minimum 60 balles. Ah ouais, ah, ça fait intéressant. On passera peut-être à Flesh and Blood tout à l'heure. Karanian qui pour le moment, Karanian a bien arrondi son don à 40 balles. Et donc, eh bien, c'est merci Karanian. Merci beaucoup. Karanian. Romain, Pedro et Aurélie. Pardon, Romain, pardon. Pardon, effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Effectivement, il va falloir que je vous affiche ça dans quelques instants, parce que c'est pas du coup une carte qu'on va... Là, il n'y a pas de chance, c'est juste... Elle est là, elle existe, vous savez quelle carte c'est juste est-ce que vous la voulez et pour combien et ça, ça va être assez cool, effectivement. Et je tiens à dire que pour le moment, la Sarthe représente très fortement dans ses enchères. Karanian, 2 fois 40 balles, ça fait plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors évidemment, on va vérifier que le don a été fait, mais en attendant, Rof, c'est à toi de... Bon, les gars, ce serait drôle que ça ne monte pas au-dessus de 10 euros. Ça me ferait énorme, personne ne m'en renchérit. Faites taire ce genre de rumeurs. Moi, je vais chercher. Moi, je vais le choisir. Ça me ferait rire. Moi, je vais le choisir. Attends, mais non. On a dit d'abord, on vend et après, on lance. Attends, j'ai pas encore vendu mon boost. Attends, c'est d'en faire un paquet. Quand est-ce qu'on accorde les centimes sur ce. Chacun a pris son temps. Moins 10 euros, c'est très très drôle. 1 euro symbolique. Bon,
J'ai pris, j'ai fait la strat de l'ami Wonderland. Voilà, ça fait très drôle. J'ai pris une. Comment elle s'appelle déjà celle-ci? Raya. Raya, très bien. On est à 7 euros. Cette Raya-là, elle était au fond. Et pourquoi elle était au fond de la 10 boîte euros, n'allez pas tout simplement parce que la gravité de l'enchanté, ouais, évidemment, l'a mis tout en bas. C'est long. On a 10 balles pour Outil Lander. Donc déjà, Marie-Palo 15, Marie-Palo la sœur. Marie-Palo 15. Marie-Palo, heureusement que tu es là. Pour m'aider, relax, c'est à 16. Je suis à 20, moi. Faites-moi mentir, c'est salope. Steve 25 balles, enfin. Voilà, là, on voit les vrais. En train de vous planter. Là, on voit les vrais. 50 balles pour Vito. Tu vas faire quoi? Oh là là! Evito le boss! Non, faut pas je dire qu'il vaut n'importe quoi, Evito! Mais... Je te mets ma semence à l'intérieur, Evito, si tu veux! Tu vas te faire voler! 51 Evito. Pour Rilak! 51 pour Rilak! Ça n'a aucun sens! C'est bien! Au moins la livraison est directe! C'est bien! Bon, 51 pour Rilak, c'est déjà pas mal! C'est déjà. Il y a des pubs qui viennent de se lancer. Ah bah bravo, ah bah bravo, bravo. Marie-Palo, 52 balles pour Marie-Palo. 53 pour Rilak, c'est bien les gars. Je vous laisse encore. Vous avez 10 secondes, 54 pour Marie. Marie, tu ne peux plus voter maintenant puisque sinon il y a le délai du chat. Rilak pour 55, ce sera Rilak qui va l'avoir. Evito, t'es sûr, tu veux pas mettre 60 balles par exemple? Et à l'intérieur, je te donne tout dedans. On va pouvoir recoller le booster directement. Bravo. Ah. Rilak 55. Ah, c'est beau. C'est très beau. Très très beau. 55. GG à beau, toi, merci, mon Rilak. Frérot. Merci à Maria d'avoir joué. Merci à Evito. Rilax. _ Voilà, parfait. Nous avons Jeanne P qui a lâché 5 balles. Merci Jeanne P. Et Karnian qui a honoré son don de 40 euros. On va donc pouvoir ouvrir ce booster. Yes. C'est parti. Jeanne P, hein, vous avez dit. Ok, donc alors moi je fais mon petit truc. Je marque Rilak ici et je t'envoie Jacques, comme le post-it. Et ça, est-ce, donc t'as fait ton petit ta petite dédicace. Moi j'ai déjà fait. Qui a donné combien? 10 5 euros. 5 euros. Il n'y a pas de petit don, ça prouve que voilà, alors, même 5 euros c'est déjà super. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup. Jeanne, je lève ma robe pour toi. Hop là. Donc dommage, alors, on a bien Karnian qui a filé les 40 balles. Donc on va pouvoir ouvrir le booster. On va pouvoir ouvrir le booster. Et après, de on passe donc à du Flash and Blood, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. On passera à du trag. Le live est trop bien. Félicitations à toute la team. Bah, écoutez, ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et évidemment, ça fera aussi plaisir à beaucoup de monde dans les hôpitaux. Beaucoup de gens. Okay. Ce qui régale. Ouais. Encore une fois, 15 euros égale un cadeau. Que je te le tienne. Pour les enfants. Okay. Moi, je veux bien. Ok, nous avons un petit Donald. Nous avons ici un maître hibou. Nous avons Ne bougez pas, la bonne fée. Comment m'as-tu nommé? Perdu dans l'hiver. Excellente chanson de la Reine des Neiges. Alors, Donald, Merlin, doucement, et doucement. Gaston, c'est maintenant. Ça, c'est maintenant. C'est maintenant. On va faire des slow rolls. Allez, vas-y. Allez. Ok, une petite rare. Bébé noir. Qui est insupportable quand on. Elle est bien en objet. Oh, c'est mon fils, ça. Oh là 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 là, c'est pour l'instant le pire qu'on peut faire. Attention, une commune. Dans 3. Oui, le booster de merde. Bravo. Attends, non, Blanche-Neige, j'ai joué. Hein. C'est de la merde. Blanche-Neige, j'ai très joué. Je suis un peu déçu pour mon ami Karnian qui a lâché 40 balles pour des communes, quoi. Eh ben, c'est pas grave. Mais il l'a fait pour le plaisir. Ah, il l'a fait pour les enfants. Il l'a fait pour les enfants. Super mot avec. Ah oui, applique-toi pour le. Ouais, c'est ça. Ouais, applique-toi. J'ai m'appliqué. Dis-lui que c'est le boss, etc. En tout, il a donné pour 5 cadeaux d'enfants quand même. 5 enfants grâce à lui vont avoir un cadeau et ça. Plus parce qu'il avait eu 80 balles en tout. 80 balles. Ouais. Bah, je te laisse. Je mets ça fait bien. Ouais, mets le plan sur moi, puisque Rilak dit. Je suis balèze. Rilak me met une petite pression. Rob, j'espère que je récupère mon argent. Je vais tout donner, merde. On va tout donner. Moi, je pense que t'as fait une grosse erreur, Rilak. Attends, il a fait le don ou pas? Tu me confrontes sur nous ou pas avant? Bah attends, il a pas fait le don, j'ai pas vu. J'avoue. Il faut que tu confrontes un peu sur nous avant. Évidemment. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire frotter. La foil. Non, c'est d'un tenter, on va pas. Regarde, hop là, regarde. Regarde, là, il y a la foil, là. Tu la regardes pas, tu la frottes bien. Je la. On remercie Stéphane7 qui a lâché 5 balles, force à vous, les enfants. Ouais. Et Rilak qui a bien lâché 55 euros, merci. Bravo! Alors, il dit quoi, dealer Olivier? Elle sent un petit peu la carte, mais bon. Petit coucou de Cherbourg et force pour de beaux projets. Enfin, merci Rilak qui vient de Cherbourg, c'est un frérot de la Manche. Oui. Tu fais partie de la famille. Okay. Attention, c'est parti, Max, tu es sur moi. On est tu le frottes pas sur ton crâne. Non, j'ai laissé Marie le frotter comme il fasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'en a rien à foutre. Ok,
C'est parti pour la première. Judy. Allez, on y va. Une rare de merde. Un Sherkan, c'est joué, hein. C'est joué. Déjà, j'ai une très rare. Isma. Oh, Isma. Et surtout. Mais c'est pas une légendaire. Et surtout, avec la trace de Marie Palo, je vous propose. Intimide. Timide, folle. Bah, il était un peu impressionné. Ouais, bah, après. Voilà. Timide, après ce qu'il a vu, je peux te dire qu'il tourne. Je vous avais dit de ne pas croire en gros. Ça va, ça va. Il y a quoi, une petite Isma, elle est bien, hein, faire ouais, Isma, Isma est incroyable. Le meilleur booster, c'était celui de Marie. C'est vrai. C'est et la, voilà, oui. Et c'est celui c'est qu'on a vendu le moins cher. C'est vrai, c'est comme vrai. Quoi. C'est la Isma de Marie Grandjean comme le matin. Comme quoi, Jean Bat, bien joué d'avoir voté, enfin d'avoir chéri sur mon truc. Ouais, bah, c'est quoi, je vais te faire un beau petit mot, t'inquiète pas. Alors, vous pouvez, en vrai, on peut peut-être lire nos petites dédicaces. Hein. Tu mets quoi, toi, Max ? Est-ce qu'on peut demander au chat, peut-être, qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'on reste sur leur canapé pour encore en fait, le chat, on les emmerde. On va changer. Parce que c'est bien de varier. L'Orcana, c'est un petit peu, je pense, le truc un peu phare. C'est trop bon. Et donc, c'est bien si on change, on fait peut-être des jeux qui sont un peu moins hype, on va dire. Et derrière, on revient sur l'Orcana. D'accord, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de bouger un petit peu. Qu'est-ce Jimmy, que tu as mis désolé, frérot. Jimmy, merci, frérot. Désolé pour les communes, mais surtout merci pour les enfants. Oh, c'est beau. Voilà. Alors, je veux bien avoir le truc. Pile en moi deux, aussi. Ça passe. C'est incroyablement bien fait. Ouais, ça passe. C'est pile. MDR, tu nous dis appliquer pour la dédicace. Le mec a mis 55 euros. Non, mais sérieux, quel quoi. Chacal. Je me rajoute un petit cœur. Tu peux au moins le lécher. Non, mais vas-y, donne, oh, mais c'est n'importe quoi. Mais je sais pas bien écrire, moi. Vas-y, donne, je vais lui faire un petit éléphant de dos. Arrête avec tes éléphants de dos, c'est quoi le truc? Tiens, Wonder, est-ce que t'as mais un petit coup mais parce que c'est le seul truc que j'ai dessiné. Bon, t'auras un éléphant de dos en plus. Ouais, tu sais faire c'est des éléphants ce et que de vous dos faites, surtout. GG, on nous dit. Non, mais... Pour 55 euros, il aura un petit éléphant de dos avec un petit peu fais d'herbe. Voir. Attends, on va. Après, tu me donnes ça que je puisse voir un peu le truc. Il y a de l'herbe qui vole là quand même. Compliqué. Ouais, pousse. Tu vois. Ah voilà, t'as gagné un éléphant de dos. On ne sait pas s'il pue ou si c'est vraiment de l'herbe. Je vais rajouter ma petite touche à ton éléphant de dos. Non. C'est très bien. Et il y a une petite dédicace en plus. C'est vraiment refait, j'ai l'impression. Mon cher. Ok, ça, donc c'est pour... Relax, on est d'accord. C'était relax. Ah, il y a un petit bisounours dans le chat qui dit « Marie fait que des éléphants ». C'est quelqu'un qui est venu en festival me demander un autographe. J'ai paniqué et je lui ai fait un éléphant de dos. Très bien. Ah, il y a un micro. Il y a un micro, tout le monde dit micro. Il y a un micro qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Micro à LED. Alors attendez. Attendez, je me mute parce que c'est certainement moi. Ah. Je sais pas, est-ce que ça grésille encore ? Quelqu'un tape de dos. Bon, là, il n'y a rien. Là, y a... Ah. Non, allô, allô, allô. C'est peut-être moi qui est avec le micro-main. La barbe d'or. Regardez, là, il n'y a plus rien. Ça frotte dans le dent. Est-ce que Marie, t'as, ouais, t'as gardé ta boucle d'oreille hein. Ta boucle d'oreille Prada, je pense non, que... Mais ça, non, c'est... Pas sûr que ça touche. Non, je pense pas que ça touche. C'est genre ce genre-là non, qui... Non, là, c'est soit une barbe, soit... Non, mais je pense que c'était moi. Regarde, c'est tout bon. Ouais, c'est mon okay. micro-main. Bon, d'accord, ok. On c'est tout attention, bon. Vous savez quoi ? Vous m'entendrez mal, mais je vais parler fort, c'est pareil. Parce que ça là, va. Vous m'entendez tout pareil. Hein. C'est quoi ah oui. tape, là, comme c'est son voisin qui refait la baraque. Des murs. Ah, il est en train de faire une villa à côté. Il veut son booster l'Orcana aussi, le gars. On passe sur Flesh and Blood, mon cher Max Hildan. Ouais, allez. Ils sont là. Alors, je tiens à dire que Flesh and Blood, je n'y connais rien, donc je ne sais pas la hype qu'il faut avoir autour de ce jeu. Je connais rien du tout. En fait, c'est pas compliqué, personne n'y connaît quoi que ce soit. D'accord. Donc, on va juste ouvrir, on va vendre et on verra bien ce qui se passe. On vous a promis du Flesh and Blood, on vous a c'est joli. Flesh and Blood. En fait, on va voir le Bratlai qui est la dernière en place. Ça marche. C'est ta barbe. C'est ta barbe qui. À moi ouais. Ah bon ? Bon, peut-être. C'est quand Rof parlait ? Ah, bah... Ouais, c'est peut-être des... Légère interférence, ouais. Ok, on va faire un truc. Je vous propose que si les problèmes de micro sont supportables, on fasse avec. D'accord. Mais là, en fait, tout le monde a commencé à dire micro, il y a un problème. Ouais, c'est bizarre. Alors, les gens, ils disent, let's go pour Earth of Fjandal. Ah oui, Nightcrash, qui du coup connaît... Qui est un qui connaît effectivement Flesh and Blood, et qui va peut-être nous aider pour savoir si on a ouvert un truc bien ouais, ou pas. Mais oui, ça, c'est la bonne boîte, ça, alors c'est la bonne boîte, je crois. La bonne boîte. Ouais, Brightlight,
Brightlet, c'est la dernière en date, effectivement. On va regarder un peu ce que ça donne. C'est en VF ou pas, il demande. C'est en VF, effectivement. En VF. Flesh and Blood est un jeu qui est sorti il y a... Il y a le petit machin, je ne sais plus où. Flesh and Blood, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais c'est assez récent, ça a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, c'est un peu plus. Il est sorti en français il y a peu, je crois que c'était il y a un an. Et avec Maxilian notamment est tombé amoureux de ce jeu. Un très bon TCG, avec évidemment une licence beaucoup moins forte que Disney, mais avec de très belles cartes également. Donc là, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à la beauté des cartes. Mais Max, tu peux changer ton petit plan. Waouh. On part où là ? Je suis où ? J'essaye d'être là. C'est chez qui ? C'était chez Marie là. C'est chez Marie. C'est bon. Là. C'est parce que c'est à l'envers. Là, à chaque fois, je retourne la caméra. Là, c'est moi, là, par exemple, tu vois. Hop là. Hop là. On va voir si vous êtes bon pour vendre des produits qu'on ne connaît pas. Que vous ne connaissez pas. C'est vrai, parce que là, pour le coup, c'est pas mal. Je vous dis ce qu'on cherche quand même. Ouais. Vas-y. Je vous dis ce qu'on cherche. Oui, il faut qu'on voit. Dans un booster, l'Orcana. Bah, tu sais, Max, tu veux que je fasse le premier dans un booster, Flesh and Blood. Ce qu'on recherche, je pense, en termes de valeur, ça va être les cartes Fabled. C'est-à-dire qu'en bas de la carte, vous verrez un petit losange jaune. Si vous avez ça, vous pouvez hurler vos grands-mères. Non, attends. Max Hildan, on est d'accord que le reste de la boîte, on va l'ouvrir pour nous. Oui. Ouvre peut-être un booster qu'on va garder pour montrer un petit peu ce qu'on a. Regarde, elle en peut plus. Elle est très, très aggro. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah, donne-lui son truc. Non, pas celui-là. Donne la croquette. Tu veux quoi ? Moi, je prends celui-là. C'est toute la boîte. Vas-y. D'accord. Ah, c'est marrant, la texture du booster n'est pas la même. Ça a l'air différent du papier. Oui, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Je vais faire ce que je proposais. Et moi, je peux le faire, hein, c'est sûr. C'est pour le plaisir d'ouvrir. J'ouvre ce booster, il est à moi. D'accord. Donc, ça sert à rien d'en chérir, il est à moi. Mais attends, laisse-moi en chérir un peu. Non, j'ouvre ce booster, il est à moi. C'est juste pour montrer le truc. Max, est-ce que tu peux venir sur moi, s'il te plaît ? Max, est-ce que je vais donc vous montrer ce qu'il y a dans un booster, l'Arcana. Voilà. Donc, c'est Flesh and Blood, les gars. Ouais, c'est Flesh and Blood. Allez, on annule, tu me donnes ce booster. Excusez-moi, j'ai lapsus C. Ok, j'imagine que c'est le petit C ici qui montre que c'est une commune. Ok, je sais. Je pense que c'est ça. On va regarder, ou alors c'est peut-être le copyright. Il y a Adibou qui est. On est d'accord, donc du coup, ici. Ouais, j'arrive. Il va arriver sur moi. En fait, en bas, effectivement, il y a un petit C. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes avec le petit C, ici, là. Ouais. Ensuite, j'ai récupéré une carte avec marqué R, donc probablement rare. Rare, donc c'est la 12e carte. J'ai une 13e carte avec aussi un petit R ici. Et j'ai, en fait, un petit peu à la manière de l'Orcana, une carte qui est folle. Alors, je ne sais pas s'il y en a un dans chaque booster, mais en tout cas, j'ai une commune foil. T'as encore des cartes avec un T qui doit être un petit, je pense, que le principe de token. Oui, exactement. Voilà. Et un autre token. Voilà. Donc, on a 15 cartes. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours pareil, mais en tout cas, à la fin, il y a deux tokens. Et t'as une foil par le booster. Et on a les fameuses. Donc, ce que je comprends, en fait, il n'y a pas vraiment d'unco. On a des communes, des rares. Il y a communes rares, il y a une autre rareté derrière. Ouais, que j'ai pas eu. Il y a légendaire avec un L. Okay. Il me semble, et Fabled. D'accord. Et donc, Fabled, il y en a genre. Et donc il y a bien une foil par booster. Les très grosses cartes sont placées à la place du premier token. Ah, donc en fait, ça veut dire que une fois que vous avez votre foil, peut-être qu'à derrière, vous avez un. C'est vrai qu'on a joué à Flesh and Blood, on a présenté le jeu et tout, mais on n'a pas fait beaucoup d'ouverture et du coup, on n'a pas forcément les bails de dans quel ordre elles sont, quelle rareté elles sont. Clairement pas. En tout cas, elles sont. Commune, rare, majestique, légendaire, Fabled. Elles sont fort jolies, ces cartes. Et si vous voulez du contenu Flesh and Blood, eh bien, on va. On en a déjà fait sur la chaîne, notamment. Et à la fin de ce petit tour de Flesh and Blood, on fera aussi, on vous mettra en jeu la carte qui est mise en jeu par l'œil de Fidia, qui est une carte particulièrement rare promo, que je vous afficherai à ce moment-là, le temps que je fasse mon petit bail. Je vais faire ça moi en premier, si vous voulez bien, de sorte que derrière, je puisse justement aller chercher la carte de Romain, Aurélie et Pedro. Zira qui arrive en disant, j'ai vu le message de Romain sur le Discord, je suis venu faire un tour, c'est que l'opening où ils font un scellé après. Non, on est vraiment là pour un live caritatif d'ouverture, où en fait on vend aux enchères certains boosters. Beaux, là on est sur Flesh and Blood, on était sur leur canal tout à l'heure, on fera Magic, il y aura aussi Dragon Ball. Bref, on vous propose ça, mais on fera sûrement du scellé. Bref, du contenu Flesh and Blood plus tard. Pour le moment, on est sur
effectivement une ouverture. Ça se joue encore Dragon Ball ? Hop là. Dragon Ball, ça se joue un petit peu, j'imagine, mais effectivement, ouais. C'est pas au summum de la hype. Il se trouve qu'on a des boosters, quoi. C'est pour la collecte. Ouais, hein, enfin, tu veux récupérer ton enfin de live. Les amis, pour ce premier booster, Flesh and Blood de la collection Bright Light, qui est la dernière en date, évidemment, puisque la prochaine arrive d'ici quelques mois. C'est un set qui est basé notamment sur les mécanologistes. Ah, donc, oui. Je vous invite, si vous aimez Iron Man, aka Tony Stark, à enchérir là-dessus, puisque normalement, c'est votre famille. Alors, on envoie. Vous avez une minute, let's go. Marie Palot, elle enchérit alors qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est juste pour le plaisir. Okay. Ça commence à 5 balles de la part de Marie. On a Relax qui passe à 6. Alors, Relax, il a du pouvoir d'achat. Il vient de claquer 55 balles. Oh, 10. Marie Palot à 7. On a Noro qui est à 10 balles. 10 balles pour Noro. Relafé, c'est ça, Relafi, ou je ne sais pas trop comment on dit, en tout cas, c'est toi qui pour l'instant a récupéré le booster de Max Hildan. On rappelle pour les enchères, vous avez juste à spammer dans le chat ce que vous avez envie de mettre, et ensuite vous allez faire un don pour l'association, et une fois que le don est validé, eh bien, c'est bon, on pourra passer à autre chose. Marie Palot qui a gagné, c'est vrai que pour l'instant il n'y a rien. Akishomos, 15 euros, c'est parti, il vous reste 20 secondes. Bien. Le prix d'un booster de base, je crois que c'est 50 euros, donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez 15 cartes, dedans, ça c'est du booster. Hein. Et 16, alors, ça, 16. 16. Ça c'est vrai. On a 15 euros pour Akishomos pour l'instant, 15, ça fait 1 euro la carte, 4, ça va, c'est tranquille. 3, je mets 7, 2, 16 pour Marie Palot, attention, 0, 17 pour Relax. Oh. Et je crois que c'est Relax qui l'emporte, bravo à toi Relax qui a enchaîné les boosters. Ouais. Relax, on compte sur toi, et en attendant que tu aies le temps de faire ton petit don, eh bien nous allons, enfin ton petit don. Pardon, quand même 17 balles, on va tout de suite donner la possibilité peut-être à Rofelos, on va le faire dans le sens inverse. Ouais, tout à fait. Avant ça, je tiens à dire que Nightcrash, qui l'on connaît bien, Flesh and Blood, dit la carte la plus chère à choper dans ce booster est autour des 600 euros. Ah oui. Donc il y a quand même. Il n'y a rien de tout ça. Il hein. y a quand même. Ah, mais oui, c'est parce que vous ne connaissez pas le jeu. Bien sûr que c'est là qu'il faut en cher, les gars. Bah, c'est vrai qu'entre nous. Je crois qu'il faut mettre un large quand même. Marie. Voilà. Offre-nous un large. Oui. Oh là là. Marie. Putain, relax, tu te fais. Relax avec un i. Oui. Installe-toi. Non, mais maintenant il y a le droit sur Twitch. Oui. Est-ce que pas la bonne catégorie. Faut peut-être qu'on mette la catégorie du coup. Combien relax. Attendez, je réécris. Relax. Hey, Marie, elle a une nouvelle carrière qui s'appelle. Marie, elle le sent. Marie, est-ce que tu peux me prendre le premier booster qui de la. Non, pas toi. Oh waouh. Marie Palot. Oui. Est-ce que tu peux prendre le booster tu vois là-bas qui est là-bas, mais avec la bouche, s'il te plaît. Non mais. Ah ouais, j'arrive. Combien ? Te fais pas mal. Trop de diversité. Est-ce que tu peux me passer celui-ci, s'il te plaît ? C'est sûr. Oui, celui-ci. C'est certain. C'est celui-là que je veux. Je le sens pas. Alors, donne-moi celui que tu sens. Celui-là. Ok, mon booster, c'est Marie qui l'a choisi. Il y a une meuf dessus qui a l'air bien badass. Regardez, elle est ici. C'est la même sur tous les boosters. Hein. Non. C'est... Vous mentez. Ah ouais. Alors voilà, on balance des contre-vérités ici. Oh waouh. Ce booster, comme par hasard, on vient d'en parler juste avant. On parle d'une carte qui était, alors visiblement pas à 600, mais plutôt à 450 balles. Et si elle était dans ce booster, et bah pourquoi pas, monsieur Ted Etienne. Je ne saurais même pas si je l'avais dans les mains, si c'était cette carte. C'est Marie qui l'a choisi avec son instinct maternel. C'est vrai. Ouais. Et c'est moi qui vais vous l'ouvrir avec un super mot, comme j'ai l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas, allez-y, enchérissez. Je crois qu'un booster de base, c'est à peu près 400 balles, quelque chose comme ça. Je veux au moins le triple. Sinon, je le garde pour moi. De quoi ? 17 là ? De 5. Ça va. Bref. Il y a quelqu'un qui nous dit vous devriez rajouter 10 secondes à chaque enchère pour éviter les enchères au dernier moment. Ça fera juste des enchères au dernier moment. On a déjà Miak Miak qui a mis 16 balles. Donc déjà, c'est validé. Allez, on est sur quelque chose. N'hésitez pas, on rappelle que Marie Palot 17. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, je sais. C'est vrai que Marie Palot. Oh, 20 balles. Marie Grandjeu, je rappelle, est une pince et donc ne mettra pas un seul centime. On a derrière, entre cher bourgeois Max, j'espère que tu auras du lourd, effectivement, relax, on va voir. Marie Palot, pour l'instant, à 17, est-ce que c'est son booster, est-ce qu'elle le garde ou est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Il vous reste un peu plus de 30 secondes, n'hésitez pas, notamment ceux qui ont fait un don tout à l'heure, enfin en tout cas ceux qui ont proposé quelque chose, dont on a 18 pour... 18, bah, relax, il va racheter le plateau. Qui a lâché aussi 20 balles sans raison, mais merci beaucoup à toi. Merci. C'est très cool pour les enfants, merci beaucoup. C'est qui ? N'hésitez pas à lâcher des dons si vous le souhaitez. Mais il reste 20 secondes ici 20 pour secondes. Ce booster Flesh and Blood. On est sur une extension exceptionnel. On est à Vécart qui vient de mettre 20 euros. 20 euros pour Vécart, merci à toi.
Est-ce que tu vas pouvoir avoir la carte à plus de 400 balles? C'est pas impossible que là 400 balles. Vous passez peut-être à côté de 400 balles. Et on a 21 pour Myak Myak. Je crois que Myak Myak est du coup le dernier à avoir enchéri. Oui, je crois que c'est Myak Myak. Alors, un petit peu à la fin, mais... J'ai compris ce que veut dire le gars. C'est que, bah, du coup, en fait, c'est le dernier qui enchère et qui a quelque chose. Non, en gros, quand on arrive dans les 10 dernières secondes, oui. Dès qu'un mec fait une enchère, ça rajoute 10 secondes. Pour laisser le temps je aux crois autres que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas con. Je crois que c'est pas mal. On peut mettre la clim. On fera ça. On a Max, on a Ted qui a chaud. C'est comme sur d'autres. Ok, d'accord. Sur Shiny ou Vogue. Oui, en fait, on n'est même pas obligé de mettre autant de temps. En fait, limite, on fait la moitié du temps. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui est en chérie, bah, tu rajoutes 21. C'est pas mal. Ok, donc 21, mon cher Myak Myak, on te laisse faire ton nom. Ça, c'est ça, évite de remettre. Fais ton nom sur. Via, tu peux cacher ça sous via PayPal hop. Et ça va permettre de faire qu'on ouvre ce booster devant toi. Effectivement, tu reset à 50 secondes s'il y a moins de 5 secondes. Le problème de 5 secondes, c'est que il y a le délai du chat, donc on va. Oui, bah dis, oui, ça oui, paraît pas bête. Mais effectivement, on va faire ça. Ça qui est bien, c'est qu'on apprend en s'amusant, même temps, en direct. S'amusant, en direct. On avait envie de faire ce truc-là. Max, ça fait un petit moment qu'il y pense. Et on savait que ça allait être fun. Le concept est fun, ouais. On savait que ça allait être cool, mais on s'attendait aussi à des petits problèmes de. Alors attends, ça c'est peut-être pas trop réglé, machin. Maintenant, je crois que c'est à peu près propre. Non, c'est à peu près propre. On est pas mal. Je crois qu'à part les noms qui s'affichent pas. On est pas mal. Eh bien, Max, est-ce que tu peux vérifier que Relax a bien. Relax, il a payé, il a lâché ses 17 balles, il dit non. Je connais rien. J'espère que c'est cool. J'espère que c'est cool. Eh bah, ben, vas-y. On va te dire ça maintenant. Tu vois que c'est très cool. Et, pardon, je continue en disant. Ouais, c'est bon, on attend toujours le don de. Alors, c'est qui toi qui alors, moi, Myak Myak. Mon gars, c'est ça. Myak Myak, on attend ton don pendant ce temps-là. Max, je te laisse ouvrir ton booster de Flesh and Blood. Alors, attendez, bougez pas, je fais ma sauce parce que je suis au four au moulin. Ok. J'enlève ça et on est parti. C'est en cours, pas de souci. On te laisse quelques minutes, le temps que Max ouvre son booster. Ce système est pas oui, si non. C'est quoi je le dis les gars, il y a aucun stress, c'est-à-dire que même si vous mettez essayez d'aller vite parce que ça nous arrange, mais même si vous avez besoin de 5 minutes pour faire votre don, on fera d'autres enchères. En fait, on a mis ça pour faire en sorte que ce soit clean. Pour l'instant, il y a eu aucun troll ou quoi que ce soit de bah tiens, le mec oui, pour le moment, il y a pas de il met 100 balles, il se casse. On sait à peu près à combien est la cagnotte globale pour l'instant ou pas? C'est vrai que ça doit monter un petit peu. Mine de rien. Je peux te dire, mais je crois qu'on a pas mal avancé. Attends, ah je peux te dire ça. Ah, tu peux avoir un. Ouais, on est à 416. Hein. Ah, c'est bien! Déjà, c'est très bien! On est déjà un tiers à peu près de. Ça fait combien de cadeaux, les enfants? Beaucoup, ça fait. Bah, divise par 15, bonne chance. Bah, je sais pas, non, mais ça, c'est. Ted, il est chaud pour ça tout à l'heure. 30 cadeaux. 50, ça fait 30 cadeaux. 30 cadeaux à peu près. T'es trop fort? Bah, non, c'est normal. Ah non, c'est normal. C'est, non, mais 10 cadeaux, c'est 150 euros. C'est vrai, que tu multiplies par 2, 300, que tu remultiplies par 2, ça fait 450. En vrai, on est à 28 cadeaux, mais c'est très bien déjà. T'es bien. Moi, c'est les mecs forts en maths, ça me fait quelque ça te fait quelque chose ouais. Ça me fait quelque chose. Ah, et bah, tu connais la racine carrée de 2 fois 2 fois 2, 4 fois 4. Bien. Vas-y, mon bon. Est-ce alors, que tu as ouvert en boucle, une cold foil. Oh, vilebrequin qui sont séparés. Eh oui. Emballé le moteur. Bah, tiens, avec vilebrequin, ça marche bien. Ah, elle est cool cette carte, pardon. Grosse Bertha, ça permet des gens infusés. Oui. Le titane, faire le plein. Énergivore, j'aime trop cette. En fait, je découvre les cartes parce que j'ai jamais ouvert de carte de ce set. Mm-hmm. On va s'y mettre, mais pour l'instant. Envie de jouer ce set. C'est très méca. Bouclier dissolvant, protocole de sauvegarde. On va peut-être commencer à arriver à des cartes qui, peut-être, valent des trucs intéressants. Ah, une rare. Ah. La presse hydraulique, ici en rare. Derrière, on a encore une autre rare avec le gigawatt. 200. Ah, une commune folle, je suis. Quel plaisir. Déçu, et des tokens. Et des tokens. Ça ne marchera pas autant que je voulais. Ok, je vais vous montrer ce que c'est qu'un bon booster, mon cher Sidan. Alors qu'effectivement, tu n'avais pas ton micro. Oui, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. En fait, je sais pas si c'est problème. Ça... Oh, il y a ma maman. Bonjour, oui, maman. Oui, c'est pas un problème, bonjour, les amis. Bonjour, c'est juste que... bonjour la maman. Madame Jordana. Bonjour. J'ai un micro main et du coup, quand je le pose, vous ne m'entendez plus. Mais normalement, vous m'entendez quand même. Je vous m'entendez de loin. Pendant que tu. Oui, je te le tiendrai. C'est qui ta maman? Nathalie. Nathalie qui te suit énormément sur les réseaux TED. C'est vrai? Ouais, mais je te l'avais déjà dit même que tu l'as suivi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Nathalie.
Je la présenterai. Elle t'adore. Elle a pas du tout hâte de rencontrer Rof. Par contre, toi, elle apprécierait beaucoup. Bah, alors moi, j'ai la cote chez les beaux-parents. Je viens de te le dire. Bien, je fais un gendre idéal. C'est ouf. Moi, c'est la belle-mère de Marmotte qui me suit de fou. Elle m'écrit plein de. De Bess Marmotte. Ouais. La mère de Marmotte. Du coup, non, la belle-mère, et il m'a DM en mode, je suis en désolé, je suis en mode, mais elle est trop mignonne, c'est trop chou. Et peut-être qu'elle est sur ce live parce qu'elle aime beaucoup les jeux de cartes. Ah, eh bien, d'accord. Madame Marmotte. Ah, il y a Adibou. C'est un petit coucou, salut Adibou. Coucou, moi, dit. J'espère que tu vas bien. Ça fait une heure qu'il est là. Ah, bah, j'ai pas vu, moi, putain. Vous faites pas gaffe, vous regardez pas. On va faire l'enchère suivante parce que. Non, je veux bien que du coup, tu. Oui, j'ai refresh. Ah, t'as refresh ? J'ai pas encore. Eh bien, moi, je propose que ce soit moi. J'y connais aussi rien du tout en Fashion Blood. Par contre, en regardant les cartes que Max a ouvert, j'ai trouvé les illus hyper cool. C'est très propre. Ouais. Franchement, les illus sont magnifiques. Donc au pire, si jamais vous n'y connaissez rien, vous pouvez les afficher chez vous, sur votre mur. Ça va. Mais quel exceptionnel argument que vous avez là. Ce que vous allez faire surtout, c'est que vous allez regarder nos vidéos, apprendre à jouer et que du coup, vous allez kiffer ce jeu. C'est vrai. Supplie, je veux vraiment. Et bien moi, en fait, vous savez quoi ? Je suis très chaud. Allez, on accélère. Je suis vraiment. Oui. Les gens, ils ont envie de faire des dons d'avant des cartes. On va accélérer de ouf. Je lance le chrono et vous vous démerdez pendant le chrono pour faire vos. En vrai, pour de vrai, je suis hyper partante pour faire une initiation avec vous et pour apprendre. Si les cartes sont en français, il n'y a pas de souci. Moi, à l'époque, quand c'est sorti, c'était en anglais et du coup, ça m'avait vraiment freiné. Les amis, je suis à 13. Gobeoma est à 14. Gobeoma est à 15. Marie-Paulo est à 15. Jean-Bat à 17. De l'argent pour 18 ce booster. Pour Gob. Allez-y. Souvenez-vous, Marie Grandjeu a un pack le plus gros booster. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. J'ai eu le meilleur. Mais du coup, t'as grillé ta chance. 40. Mais merci, incroyable. Le timer est bloqué, c'est quand même dommage. C'est quoi ? Ah bah 49, ça l'a choqué. 27, il reste 25 secondes. Ether, incroyable, wow. merci, c'est magnifique. Voilà, j'espère vraiment. Au pire, tu te prêtes une super dédicace. Pas du tout. Est-ce que tu pensais un jour vendre ton booster de Flesh and Blood plus cher que ton booster Lorcan? On a plus les. Mais c'est vrai, putain. C'est pas grave. Merci pour 40. On est à 40 balles pour l'instant avec Ether, ce qui est quand même pas mal pour un booster de Flesh and Blood dont personne ne sait ce qu'il y a dedans. 2, 1 et top. Bien joué. Pendant que je vais aller chercher la batterie du PC, je vais gérer ça. Et vas-y, moi je vends le mien. Tu peux mettre un là, si tu veux. Profite-en. Je peux vendre, si tu veux, mon booster. Alors c'est parti. tu as mis le décompte. Alors, on a eu Miak Miak qui a bien lâché ses 21 balles et qui va du coup avoir son ouverture. Et on a Bisounours aussi qui a lâché 10 balles. Et merci qui est aussi un de mes viewers de ce matin qui est venu parce que je leur ai dit de venir. Ce matin en live, j'ai dit venez, ça va être chouette, on va donner de l'argent pour les enfants. Et bah, cool de voir mes viewers. Sans toi, il n'y aura eu personne. Il se laisse pas battre, lui. Il est en mode je lâche 40 balles, comme ça je calme tout le monde. Oui, c'est vrai, ça calme les gens. Attention, Ether, c'est dangereux. Je te laisse faire. Alors c'est parti, je vends mon booster et après on ouvrira celui de Rof, donc qui a été bien Max, vendu. Tu veux que j'aille chercher ton. En fait, c'est pas à toi de partir, c'est pas à toi d'y aller. Il est où ton truc? On cherche quoi là? On cherche le batterie PC. Il est au niveau de la table à manger. Ok, ça marche. Tu me mutes? Ouais, merci. Allez, c'est merci parti beaucoup, mec. Pour le mutage. C'est vrai que j'ai tendance à rien demander, mais. Je pensais à un booster de. Puis que celle d'un booster d'Orcana, non, j'ai pas vu les prix du nouveau set. Merci. Je crois, Romain, effectivement, qu'il y a plus de cartes intéressantes en termes de tarifs dans Flesh and Blood pour le moment que dans Lorcana. Mais Lorcana serait tardé. Voilà, mais on va voir. On n'a plus le temps. Donc, c'est encore, c'est ce qui est parti. J'ai un booster 7 à lancer le timer. Attends, presque. Il est où ton booster? Dis-moi le temps. Il est là. Il est sublimement là. Vraiment, régalez-vous. Okay. C'est l'homme à moustache. Vraiment, une dinguerie. Je n'ai qu'une chose à dire, Nathalie, c'est peut-être le moment. Et t'auras une super dédicace. Non, ma mère, elle ne saura pas faire un don sur PayPal. Ah merde. Bon, bah, je joue pour elle. Allez, 20 pour Marie, 21 pour Hilax. Hop, ça s'enflamme tout de suite. Le Techlogol, c'est parti, 22. Je tiens à le dire. Tu peux me frotter un petit peu sur le pec. Je peux me le frotter sur le pec gauche, bien sûr. Ça part pour un 25. Voilà, toujours la gauche. Ça, c'est un 25. Voilà, et un peu la droite, parce que voilà. Marie, elle range sur elle-même. 25 balles, merci. Tu t'es emballé. Est-ce que je l'ai frotté sur l'autre pec ou quoi? Ça t'a frotté sur l'autre pec, que ça va le. Je fais l'entre-pec si tu veux, même en plus. Bon, c'est là où les flux sont les meilleurs. Et là, c'est mi 26, je suis sur le coup. 27.
27, voilà, c'est parfait, je se régale. 29 pour Ida. Je tiens à dire que vraiment je suis face à l'inconnu, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Quand on va refaire du Lorcana, je suis là, le Flesh and Blood. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu perdu aussi, mais c'est pas grave. On est là pour les enfants, n'oubliez pas que 15 euros égale un cadeau pour les enfants. 4000 enfants. Donc là, c'est deux cadeaux. Marie, t'as fait deux cadeaux. Régalez-nous. Marie, c'est pour toi, il laisse. Alors, Marie, c'est pour toi. Oh, Marie, si c'est pour toi, on se régale. Incroyable. Alors attention, on est combien sur le timer? Attends, c'est pour Marie là? Eh ben c'est pour Marie. Ah, elle a gagné l'enchère. Oh, Marie, bravo Marie. 30 bouliches. Voilà, Marie qui va devoir se mettre à Flesh and Blood. Exactement. Alors Marie, est-ce que comme tu es là directement avec nous, tu veux qu'on ouvre ce booster? Alors attendez, il y a un truc. Nathalie a mis 31, qu'est-ce qu'on fait? Ma mère, elle a rien compris de toute façon. Eh oui, mais alors attends. Attends, Nathalie, maman, 11, 10. Maman, je t'ai dit d'acheter du Lorcana, pas du Flesh and Blood. Ouais, non, mais Nathalie, t'inquiète, on va laisser à Marie et on va envoyer après à Lorcana. Ouais, parce qu'elle comprend. Ouais. On fera sur Lorcana. Elle a pas compris. Elle a pas compris, elle a un peu. La peur, le truc. Je t'aime, maman. Mais on t'aime, mais oui, c'est le principal. Bon, en tout cas, on a les 21 balles de Miyakon, donc on va pouvoir le faire après. On a les 42 éthers, merci à toi, frérot. Et derrière, bah, du coup, Marie, elle est déjà là. Donc, on peut faire toutes les ouvertures. C'est parti. Eh bien, c'est parti. Eh bien, moi, j'ai. C'est les 40 euros d'Ether qui sont là. Ok, ok, ok. Les 40 balles. Normalement, c'est parti. Le petit don. Est-ce que tu peux me. Ah, la bosse, la bosse. Alors, est-ce que j'ouvre celui de Marie, puisqu'elle est là avec nous en direct? Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Marie, j'espère avoir la main heureuse bouge pas. Pour toi. on est bien d'accord que toi ni moi n'y connaissons quoi que ce soit. Est-ce que tu mets mon nom sur le tableau? Vraiment bien. Ça veut dire que oui. Sérieux? Tu peux te faire plaisir. Tu veux que j'écrive ton nom? Ah oui. Alors on y va. Ah là, s'il vous plaît, attendez. Oh là là, vous allez voir la petite le chat. Le chat Cheshire est en train d'écrire mon nom. Que j'enlève ici là. Ouais. Oh là là. Oh là là. Un large. Donc après ce sera effectivement. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai un booster après. C'est Wonder qui effectivement fera le booster. Wonder recule, regarde. Ah ouais, cette petite queue. Oh là là, ça twerk le chat. Il a vraiment une queue. Mais oui, ouais. Mais oui, évidemment qu'il y a ma petite queue là. Magnifique, magnifique. T'imagines, tu le mettrais dans l'autre. Oh, la canette. Oh, elle est vide, t'inquiète. Elle est vide. Ah, l'enfer. Oh, le coquillage sur la queue du chat. Avec des petits cœurs. Et merci, Marie-Marie. Ouais, bravo, Marie. Allez, c'est parti. On y va. Donc alors, c'est où le R et tout ça là? C'est là, tu vois. Ah oui, commune. Okay. Ah ouais, putain, faut avoir des lunettes. Un mes textes. Partir en boucle, une grosse Bertha, un frappeur du comité, un énergivore. T'es contente, hein? Un compenseur de ferraille. Wow. Un rechargé. Incroyable. Un évotorse de base sentinelle. Un protocole de sauvegarde roux. Roux, c'est pour moi. Une grenade boom. Oui. Et on est toujours sur un évo tyrolienne, on est sur des communes. Ça y est, on arrive au rare. Oh la putain. Un évo sale des machines. Ça te fait plaisir, ça. Hein. Ouh, une artillerie lourde. Ouais, l'artillerie lourde. Oh oui, une belle artillerie lourde. On est sur une commune folle et c'est tape à l'œil. Attention, bah, derrière. Et c'est encore un booster de mer, bravo Marie. Non. Est-ce que je peux avoir un petit mot dedans? Ah bah alors, attends, bouge pas, je vais te faire un petit mais mot. Mais ça, c'est vraiment bien. Oui, tu peux avoir un petit mot avec le... Je vais y mettre mon 06, même si elle l'a déjà. Bon, est-ce que je peux montrer au monde ce qui est un vrai booster de Flesh and Blood, s'il vous plaît? Allez, vas-y. Ok, donc c'est pour Miak qui a mis, et on l'a vu tout à l'heure, celui qui avait mis le moins, c'est celui qui... Oh putain, je suis en train de défoncer le booster, par contre, je suis vraiment un connard. Parce qu'après, on va devoir le renvoyer dedans, je suis navré. Je vais passer assez rapidement... Ça va, mais c'est pas compliqué, je lui mettrai les petits bouts comme ça. Avec un mot, j'ai essayé les petits bouts. Ether, je te promets que je ferai mieux que ça. Un petit mot minimaliste, on n'en parle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parce qu'on n'a pas le temps. On a un gros bonnet. C'est parfait, un gros bonnet. Ça ne dérange pas de parler pendant 10 minutes. Par contre, montrer les cartes que les mecs ont achetées. Gros bonnet. Ah, une M comme mythique peut-être. C'est mythique, en tout cas, c'est quelque chose qui vaut plus. Pour l'instant, du coup, je suis celui avec le marchand de ferraille. Alors, qui mythique au-dessus, il y a légendaire et fable. Ne vend aucun rêve. Montre pas la cam. Majestic, pardon, pas mythique, majestic. Majestic, très bien, majestic. Attention. Une petite commune, tape à l'œil, bien sûr. Et peut-être alors un truc de fou. Malade. Ne t'es. C'est vraiment un token. Et bah, attends, c'est quoi le M-Booster? Pour l'instant, c'est le meilleur booster. Non, j'ai le meilleur booster parce qu'il y a un 06 là-dedans. Ah, wow. Si tu mets 50 balles, je lique. Ah, merde. Ah, ouais, mon pote. Moi, je vais l'ouvrir proprement.
pour un booster. Pensez à bien mettre le nom du mec dessus. Mythique ouais, ouais. Par rapport à l'Orcana, c'est du quoi, du super rare? Ah, c'est majestique, ils disent. Majestique, ouais. Majestique, ouais, si tu veux comparer à l'Orcana, voilà. Ça va être l'équivalent très rare. De très rare. Très rare. Je okay. Te l'ouvre bien. Vas-y. Pour voir. Dévaster, grosse Bertha, explorer les données. Hors circuit. Oh, les illus sont vraiment sont très belles. Hyper les illus, jolies, hein. Les illus sont belles. Ouais. Franchement. C'est, en fait, il n'y a pas de licence, donc ça ne vous parle pas. Mais. Mais c'est magnifique, c'est vrai. Ouais, je vais les mettre comme ça. Voilà, moi, je trouve ça magnifique. On arrive bientôt aux cartes apparemment intéressantes. Une rare. Ok. Presse la fameuse presse hydraulique qu'on a eu tout à l'heure. Une rare également. Le pare-feu. Une commune en folle, mais apparemment il peut y avoir des trucs sur les tokens. Ah chier, merci, merci beaucoup. Ah, il est aussi cool que le mien. Il peut y avoir des trucs sur les tokens. Mais ça ne ouais, marche plus. Il reste non, ils ont mais ouvert. Mais c'est ouais. Des très bonnes cartes quand même. Allez. Si tu veux jouer. On a tout on ouvert. Ouais. Non, il reste deux, mais on n'a pas encore enchéri. On n'a pas enchéri sur celui de Wonder. Marie et moi. Je vais te faire une belle dédicace. Tu commences encore. Est-ce que t'es chaud pour qu'on enchaîne chacun sur le pack de l'autre? Bah vas-y, mais j'y connais rien à ce jeu. Moi non plus. Ce n'est pas une condition. Je mets 10 euros sur le tien d'entrée. Voilà, ça. D'accord, ok. 10 balles bah, déjà pour 10 commencer. 10 balles d'entrée, on part sur celui de Wonder. Ouais, allez-y. Vends-le et c'est parti. Allez, go. Wonder, pourquoi ton booster serait bien? Eh bah parce que je n'y connais rien et la chance du débutant, quand ouais, j'ai commencé mal, à Magic, j'ai eu Jay Sculptor d'esprit, Jay premier Semaine booster. Sculptor. Ça peut être... ça peut être le moment fatidique. Le moment fatidique. Ton premier booster de Magic, c'était une carte à plus de 50 balles. Et là, on ça, peut être, que ça peut être quelque chose. Là. Alors, en tout cas, il y a déjà. Tu te souviens de son premier booster Magic? Non, mais c'est, je viens de le dire. C'est lui, il vient de le dire. Attends, enfin, moi, c'était creuser des mondes en ultra-mythique. C'est pas mal creuser des mondes. Relax 21 pour Relax qui est vraiment le boss du game. Relax, non, mais l'autre, elle écrit un roman que... là. Ouais. Moi, j'ai écrit mais... un PPG et on en parle plus. Il a mis 40 balles. On est à 25. Évidemment, je t'écris un beau roman. Gobé Oma, 25. Laisse ton mail. Là, on aura une enchantée. Alors, je me trompe de jeu, mais on aura une enchantée quand même. Il y aura un Mickey enchanté dans le booster aussi, les gars. Ce serait énorme, ce serait énorme. Ce serait pas mal. Let's go, les gars. Avec tous les problèmes d'impression qu'il y a eu, tu vois qu'ils sont... En fait, les cartes tellement drôle. Qui étaient perdues dans le booster de Marie la dernière fois. Ouais. Allez, se retrouve là. Arrête avec tes éléphants de dos, ça ressemble à rien. Mais je t'emmerde. Et c'est fini, et bah, bien c'est joué. Terminé. Gob qui a mis 60 balles. Est-ce que le. Pardon, 25, c'est déjà pas mal. Pourquoi j'ai pensé 60? Je suis très fatigué. Excusez-moi, je suis fatigué. On est tous très fatigués, d'accord. Est-ce que du coup le jeu est agréable à jouer? Il est trop bien. Mais, non, mais c'est vrai que non, c'est un très bon jeu. C'est un excellent jeu, notamment assez initié dans le sens où ouais, on n'est pas là pour jouer avec. C'est pas pour jouer avec des enfants. Attends, est-ce qu'on enchérit direct sur le mien ou on fait du opening direct? Non, c'est vrai. Sur le tien, sur le temps. Alors vas-y, c'est vrai. Ouais, on a pas le don. Sur le tien. C'est vrai qu'on a absolument pas le don. Ouais. Je ne connais pas du tout ce jeu, mais je peux vous dire que dans ce paquet, j'y mettrai quelque chose. Et bah moi, je mets 15 euros directement. Voilà. 15 euros, il y aura du lait maternel dans ce paquet. Okay. Tu as quelque chose de personnel, tu vas faire quand tu vas lécher une carte. Du lait maternel. Mais t'as pas genre un tampon sur toi? Mais oui. 50 000. Je peux mettre un cheveu de mes extensions de femme de l'Est. Oh là 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 là. Ah, il y a des fétichismes cheveux. Hein, eh ben, je crois. Mais un peu. Eh ben, il y a un plan pour toi, Rof. C'est le chat. À la fois, ça me fait rire, ça me fait pleurer. C'est non, mais parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de chance, globalement, quand je joue. Tout à l'heure, on témoigne sur. Relax. C'est parti. 16 pour Relax. Sur l'Orcana, tout à l'heure, j'ai eu légendaire. Et là, je la sens qu'il y a une F. Une F, il y a c'est quoi une F comme fabuleux. Fable. Akshomos, 17 euros pour le cheveu de Marie. Sky Walter. Faut pas le rater celui-là. 20 balles, 21 pour Relax. F comme frotte-moi ça. F comme oh là là, Dieu. Ether, je t'ai mis un petit mot dedans quand même. J'ai fait un effort. Ça part dans le soutif. Allez, on va chercher le frotte. Ça peut être un F comme frotti. Attention. Oui. Je crois que il est au contact. 26, hein, là, le 26, booster, là. 26 pour Relax. Relax, il était vraiment dans un tchouch. Ouais. Je peux te dire que oh, ce booster avait des choses. Hein, oh mon dieu! 28 oh, oui, éthers. Regardez. 20 balles pour. Ah, sinon, qui vient de nulle part, mais qui a entendu l'appel du cochon.
On s'en fout, c'est pour les enfants. Alors c'est comme ça qu'on vous chope. Allez, c'est bien, gosses, pouvoir, c'est bien de pouvoir être bon comme ça. On mettrait que des meufs qui ouvrent des trucs en maillot, ça, c'est en train de se frotter, ça ferait 10 fois plus de dons. Et à la fin, ces enfants qui sont contents. Voilà, c'est ça. Ça se régale. Ça part pour Sino 707. Et bah, c'est bon, c'est fait. Sino 707 balles. 707 balles, d'après ce que j'ai compris. Bien joué à toi. Sino. Nous allons partir sur l'ouverture de Wonderhook. On va juste vérifier évidemment que les dons ont été honorés. Le premier, ouais, le mien. Gobeoma, bien sûr, qui a lâché 25 balles. Merci à toi. On est bon sur ça. Merci à tous. Je tiens quand même à vous remercier grandement parce que il n'y a pas eu de troll. Vous jouez grave jeu. Grave. Les dons hip-hop, comme promis, dans le chat, c'est sage et tout. Ouais, c'est vraiment c'est très cool. bien. J'avais très peur. Que ce soit le zoo. Ingérable. C'est nous le zoo en fait. Et en fait, c'est nous le zoo. Donc c'est cool. C'est bien, c'est notre boulot. Merci, merci à vous, c'est très très cool. Et on y va du coup pour. Yes. Pour Gobeoma. Ouais. Allez, c'est parti. C'est affiché. Villebrequin. Tu peux y aller. Expédier. Partir en boucle. Faut me dire ça, quand c'est rough, ça s'arrête quand c'est liaison de données. 8 ou 9 cartes. Infuser la titane. Moissonneur de ferraille. Les cartes sont magnifiques. Hein. C'est de très belles cartes. Un petit côté steampunk et tout. Jambes de base, grenade boom, torse de base, collisionneur de hadron. Ok, c'est là. Ok. C'est où ? Ah oui, c'est là. Rare. Script de pénétration. Ok. Oula. Ça rare. Tiens. Presse hydraulique, tout le monde l'a eu. Hydraulique, tout le monde l'a eu. Rare, mais c'est une rare. Ah, c'est une commune folle. Attends, parce que derrière, à la place du top, elle est belle. Oh! C'est quoi? C'est bien? C'est, bah c'est pas un token en tout cas! C'est pas un token, une majestique! Ah, c'est bien alors! Ouais. C'est bien! C'est un peu plus rare! Parfait! Voilà, on nous dit very nice! Et bah nickel! Voilà! Ah bah attends, on remonte la Majesty, je sais pas quoi là! Bah, je sais pas, Majesty, je sais pas quoi! D'accord! La lame enhardie! Et donc ça vaut une pesetas, c'est ça? Bah en tout cas, c'est une des raretés les plus rares. Ah, joli Flesh Wonder. And Blood, merci. Impeccable. Pour ça, donc n'hésite, donc voilà, n'oublie pas de bien marquer le nom et un petit mot pour la personne qui le derrière, c'est joli. Hein. Okay. A gagné cette enchère. Non mais c'est boostable. Quelle carte est en jeu? Enfin, on va mettre la carte de l'œil de Fidia en jeu. Donc on a Aurélie et Pedro qui ont accepté de mettre une carte en jeu, les amis. T'as Marie qui a pas ouvert. C'est vrai? Ouais. On va peut-être finir par ça. Je suis un connard. Ok, donc juste après l'ouverture de Marie, on fait ça. On met une carte qui vaut. Je crois qu'elle vaut minimum 60 balles. Hein. Ouais. Tu me confirmeras en main. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça valait très cher parce qu'on pouvait l'avoir nulle part. Ouais, c'est beau ça. On peut l'avoir chez nous. Nulle part sauf ici. Voilà ce qui se passe. Et c'est ça, merci au. Romain, si tu peux nous donner des détails sur la valeur de la carte que vous mettez en jeu, ça m'intéresse. Et sur le comment on peut normalement la voir, etc. Ouais, ouais. Bref, si tu peux nous faire un peu l'historique de la carte, ça peut être cool. Aux gens, tu vois. Alors sur Marie, on nous demande si tu reçois un sexto, ça va se voir. On nous demande que sur des cartes très rares, on peut les sniffer ou pas. Ah, est-ce qu'on peut les sniffer quand on a des cartes très rares pour pas les abîmer? Oui, à partir de légendaire, majestique, oui, bah, je m'en fous. Je peux aller chercher un petit. En fait, c'est juste qu'après, il faut les foutre dans le booster. C'est qu'on peut pas les remettre dans le booster. Ouais, mais je vais sauf si t'as une perfect. Je vais faire les deux. On va prendre une perfect size et du coup, effectivement, les très grosses rares. Ok, ça me va. Ça peut être possible. J'essaie de faire ça proprement, mais. Fais ça proprement, mais on préfère quand tu fais du sale, Marie. Le booster était nul, mais j'ai ouvert le meilleur booster. Oui, c'est vrai, ça fait. Sur l'Orcana ? Non, là, c'est propre, tu vois, proprement. Ah oui, ça c'est clair. Après, ça va, il n'y a pas des petits bouts comme chez Rof. Ouais. Mais voilà, ça c'est pour Sino 707. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est chaud ? On est chaud. Tu es affiché, tu peux y aller. Ok, on est bon. Alors, on a partir en boucle, revenir en boucle, c'est toujours off. Liaison de données, frappeur du comité, tir en rafale, faire le plein, régime, tête de base, téclo, protocole de sauvegarde et vos bras de sentinelle. Et là, je crois qu'on va commencer à rentrer. Réglage de couple. Tiens, est-ce qu'on peut régler des choses? Est-ce qu'on peut se régler? On a ensuite fabriqué. C'est une couleur qui n'est pas... Cool. C'est majestique, ça? Ouais. Marie qui a toujours pas compris, c'est la légendaire ou du Fable. Donc là, on est sur une commune et là, on est encore sur une M. Bah oui, elle est. Oh là 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 là
Action, grimoire de la Sinon 707, bien ouais. Ah, oh la dags. Nightcrash, il en peut plus. Il dit oh un tome. Apparemment les tomes, c'est la genre, meilleure c'est M du set. La meilleure M du set. 40 balles la 40 M. Balles la M. Bravo. Oh mais là, sous perfecte attention, ça fait pile la taille de la carte. J'ai donc, trop mais là, de chats. Mais là, oui, avec, douceur, avec douceur. Avec douceur. Voilà, oh. Avec douceur. Et ce booster vit des choses, on le rappelle. Parfait, ça c'est pour l'autre. Oh là là, ça valait vraiment le coup. Hein. Eh bien, GG, tu as ouvert la meilleure carte du set. C'était, enfin, en tout cas, une des meilleures cartes du set. Ça se protège pitié. Ouais. Le dernier booster, voilà, nous l'avons protégé avec une perfect size. On l'a protégé. De façon à ce que ce soit cool, ça sera remis dans un booster et envoyé sous enveloppe à bulles. Donc, normalement, est-ce il y aura que vous avez bien problème. Pensé à écrire le nom des mecs Ouais, et d'ailleurs, en fait, je veux bien que vous me passiez vos. Je veux bien regarde, que vous me passiez moi, j'ai vos vraiment boosters. Fait. Je suis une bonne élève. C'est très bien, Marie, tu auras une médaille. Cool. Ouais. Hop là, donnez-moi tout okay. ça. Ouais, donc là, qu'on est tout bon sur tout. Alors, on va faire un petit peu le point sur les dons qui ont été faits. Moi, ça rentre pas parce qu'il y a trop de rats, en fait. Ça rentre pas. Il y a trop de... Force, Marie, Steve, force. En fait. Il manque un booster l'Orcana, je crois que c'est, ouais, c'est Marie qui l'a pris. J'arrive, il y a mon petit mot. En tout cas, si nous avait bien lâché effectivement les 30 balles, merci à vous tous d'avoir carrément joué le jeu. Ouais. On regarde un petit peu où on en est. Alors... On est à 550 ah, euros. Joué, bien, Ted, beaucoup. Combien, combien de jeux? Beaucoup. Combien Ted. Là, 33. Ouais, du coup, 550, on peut même en rajouter. 4. Ouais, 5. C'est ça, 30. 5. Allez. Allez, c'est cadeau. Ça, c'est ok, très bien. Donc, ça, c'était sur la partie Flesh and Blood. Et alors, avant de passer à un autre jeu. Il va se passer quelque chose. On vient à l'Orcana après. Bon, oui, arrête avec l'Orcana, c'est à la fin, l'Orcana. On est quand même trois à connaître que ce jeu-là, alors c'est pour ça. Moi, ça mais les gens qui regardent, ils connaissent d'autres jeux, t'inquiète. Il y en a qui sont taqués sur Magic, il va y avoir des trucs. Ah oui, il y a du Magic aussi. Ah, il y a Magic, je croyais que tu m'as dit qu'il n'y en avait pas. Il y a non. Tout, sauf One Piece et Pokémon. Sauf One Piece et Pokémon. Ah d'accord. C'est un truc que t'as dit. Et des trucs. La sauce, c'est tous contre le cancer. C'est vrai, c'est ça. Le but, c'est ça. Non, c'est tout le monde. Tout le monde, voilà. Oh putain. Ok, je vous mets le large et je vais vous afficher en fait la carte en question. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble cette carte. Ouais, ouais, bah moi aussi, les amis. Attendez, bougez pas, il faut que je vous l'affiche comme ça. Vous allez voir des trucs bizarres, c'est pas grave. Oui, bonjour, c'est les dons que vous avez faits. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous afficher la bonne fenêtre, à savoir ça. Waouh. Ok. Et ça, c'est combien d'argent? Minimum, là, je vois marquer 76$. Ah. Ouais, alors tu vois, non, market price, $63. Ok, donc là, on est vraiment sur une vraie carte ouais. Qui va donc vous être envoyée par, enfin, en tout cas, c'est eux qui l'offrent, la chaîne L'œil d'Ophidia, qui est notamment la chaîne de Pedro, qu'on avait reçu ici pour parler de Flesh and Blood, c'était très cool, la chaîne de Romain, on avait fait la même chose. On n'a pas reçu encore Aurélie Violette, mais que je connaissais un petit peu notamment, parce que c'était une arbitre de Magic, que j'embrasse au passage. Et en tout cas, il joue le jeu, il voit pas, ça fait plaisir, ça s'affiche pas. Rien. Ah. Parce que du coup, t'as pas le, oui, le retour. Normal, bougez pas. Voilà. Non. Voilà. Cette carte qui, du coup, est très rare et qui va vous permettre, quoi qu'il arrive, si jamais vous ne jouez pas spécialement au jeu, eh bien, vous pourrez rembourser une partie de votre, de votre don. Et ça, ça fait très plaisir. On va commencer les enchères à peut-être... 50 balles, oui, j'imagine que c'est... J'imagine que c'est... Ted a mis 45 pour le moment. Bon bah voilà, Donc, déjà Ted, Ted a compris, il ouais. connaît pas les jeux, mais il connaît, on l'a vu tout à l'heure, les mathématiques. Il sait que 45 c'est plus bas que 60. Il a... Il a compris on a un live qui met 50 balles. Alors oui, elle est en anglais, mais elle n'existe qu'en anglais, les amis. 80 pour Céline. Ah ouais, pour Geoff qui effectivement est bien parti pour remporter cette carte exclusive. Alors Crash qui a abandonné. Il ouais, y a un mec qui met direct GG. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que l'annonce Moonboat a passé 1500 balles et j'ai fait waouh. Quelqu'un a mis 1500 120 balles pour Geoff. 125 pour Zirak Gaming. Oh là là là. 130 Geoff pour deux personnes. N'oubliez pas, c'est Noël. Faites-vous plaisir. C'est le moment. 100 What the fuck. Participez là. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas mettre Marie le chrono 200, pour éviter 200, ce truc, il a raison tout à l'heure, il faudrait qu'il continue. T'inquiète pas, on est là en tout Let's cas go. Pour battre 150 s'il 150. Faut se lever tôt. Je donne un rein, il a dit Ether. Wow. Allez Ether. 175 balles pour Zirak. Allez Ether. Allez Ether. 180. 9. 8. Allez, 7, 200 pour les 6, enfants, allez, 200. 5, 4,
3, 2, 1. GG 180 balles pour Geoff. Eh bah, bien joué. Beau cadeau, hein. Merci l'œil de Bravo Fidia. Les gars. Ça fait 12 Alain, cadeaux pour plaît, les enfants. Alain. 12 GG. Cadeaux magnifiques. Il va. Incroyable. Il convertit en cadeau les enfants. Je convertis tout. 12 enfants qui vont se régaler grâce à toi. Ah waouh, Geoff. Ça fait plaisir. Qui, tu peux l'écrire en énorme là. Ah bah là, je vais l'écrire avec ma bouche. Ouais. Mais je veux bien que t'écrives Aurélie, Romain et Pedro aussi parce que c'est eux qui ont fait le don de cette carte. Merci beaucoup à l'œil de Fidia. Allez checker leur chaîne YouTube. Ils vous expliquent plein de trucs. Sur la chaîne Bloodcast tournoi et ceux qui nous ont présenté ce jeu dont on va vous reparler grandement en 2024. Alors, on va te régaler mon ami. 9-7 en tout cas, cette belle carte et donc alors elle est vraiment très rare. Alors j'ai un peu de lore du coup sur cette carte si vous voulez en savoir un petit peu plus puisque Romain nous a fait un petit topo. C'est une carte promo qui a été envoyée uniquement aux créateurs de contenu du jeu l'année dernière. C'est une excellente carte en Ultimate Pit Fight, le mode de jeu multijoueur et le concept de la carte est cool pour un live caritatif il me semble. D'ailleurs c'est vrai qu'on n'a même pas lu son qu'est-ce texte. Qu'a fait la carte qu'est-ce qu'a fait la carte. Alors, attends je la mets en énorme. Alors au début du tour de chaque autre héros, choisissez un de ses effets. Soit il pioche une carte, soit il gagne une ressource, soit il gagne un point de vie, ou leur prochaine attaque gagne un point de dégâts. Mm-hmm. Et au début de votre tour, vous détruisez cette carte. Et si un autre héros a pioché une carte grâce à cette carte, vous piochez aussi une carte, puis vous répétez l'effet pour les ressources, etc. En gros, tu vas récupérer, donc tu files aux adversaires la possibilité de récupérer des trucs, et à la fin, en fait, tu récupères tout ce que tu as donné. Tu c'est détruis très la carte et tu récupères tout ce que tu as donné. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que quand on donne, on reçoit. Ah, c'est ça, incroyable. Impeccable. C'est beau, c'est beau. C'est très beau. Donc, reçu, Diop demande. Bien. C'est quoi l'œil d'Ophidia, c'est ça? Ouais. L'œil d'Ophidia. Exactement, PH, ça doit être quelque chose comme alors, ça. Alors, Geoff demande si son don a bien été reçu. Et ben, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite, les amis. Alors, attention, on va mettre à jour, effectivement. Geoff qui est donc en Guadeloupe, hein, au chaud. 971. Ah, alors attends, il faudra peut-être. S'il est en Guadeloupe. Si on les envoie, on va prendre des douilles. Si, hein. Ouais, il faudrait qu'il rajoute 10 balles. Oui, pour il a 180 balles. Voilà. Bon, c'est bon, c'est passé. Merci Romain et la team pour les enfants avec un cœur. On a Geoff. 180 balles. 7981 qui vient d'exploser du coup cette cagnotte. Mais qui du coup, qui est déjà pas loin de la il va falloir qu'on se le note. Pour s'en souvenir. Oui. Parce que la carte, elle est à qui l'a actuellement. C'est eux. C'est Ophidia qui l'a. D'accord. En gros, c'est... Et on va faire un petit mot où tout le monde va, tout le monde va écrire ouais, sur, la, sur le ouf, petit mot. De ouf. Exactement. Ouais, ou alors que l'œil d'Ophidia. Rob, tu vas écrire au moins. Non, mais il y a des chances qu'en fait, elle parte de chez eux, la carte. Donc elle va même pas transiter par, par nous. Ouais, Allez. On essaye de faire au plus simple, parce qu'après, c'est moi qui tape les envois. On essaye de régaler, mais voilà. Je ne cache pas que bon. Booster suivant, Rof. Et ben puisqu'on était sur des boosters un petit peu uniques, il y a pas longtemps. Oh, je le fais maintenant. Ok, ceci est un booster Magic de Lord of the Ring et pas n'importe quel booster, c'est un booster collector. Ça veut dire que déjà de base, le booster vaut à peu près 40 voire 50 balles. Oh, ça, ah oui. Oui, voilà, on est sur vraiment des sur un gros booster. À l'intérieur, il peut y avoir une carte sérigraphiée qui vaudrait plusieurs centaines d'euros. C'est qu'en anglais, mais en même temps, encore une fois, ça n'existe qu'en anglais. Et en gros, ça m'a été offert par Asmodée, qu'on remercie. J'ai fait un unboxing sur ma chaîne, etc., etc. Et j'ai gardé celui-ci exprès, alors que franchement, il y en avait 12 dans la boîte et que j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir ça. Ouais. J'ai gardé exprès pour ce live. Je vous demande de tout donner pour ce booster de Magic, quand même le meilleur des TCG, on peut tous en convenir. sur donc, ce booster de collector, booster des Seigneurs des Anneaux. Et on a déjà Ted Etienne qui met 50 balles, ainsi que Relax. Marie Grandjeu 46, tu es bien en dessous, 60. Ça m'intéresse pour Marie Palot, qui a mis 60 balles. 61 pour Psychodina. On est sur un bout 80 balles. Oh, 80 balles. Attends, il est beau. Marie Palot, il vaut on il vaut fout, il vaut 40 fout. Balles. On s'en fout. Non, j'ai donc, préféré l'eau. Il peut y avoir une énorme dinguerie à l'intérieur. Ça peut vraiment valoir plusieurs centaines d'euros. Donc c'est cadeau, limite, il faut vraiment. Si vous mettez moins de sang, je ne comprends pas. On est pour l'instant à. Vaut mieux l'ouvrir ou pas, tu penses? En vrai, si jamais
Si jamais vous le gagnez et que vous voulez, que je vous l'offre scellé, je peux le faire. C'est, on ferait pas ça sur tous les boosters parce que le but c'est quand même de ça. Mais sur celui-ci, si vous voulez, il y a le petit côté un peu 81 balles pour Relax qui pour l'instant passe devant Marie. Duel. Marie Palot 82, Marie Palot qui ne lâchera rien. 85 pour Nimpo qui pour l'instant l'emporte. Marie Palot 90, va-t-on c'est arriver clair. Aux 100 balles? Est-ce que quelqu'un va lâcher 100 balles pour 100 un balles. Booster collector, je rappelle. Allez, Zano, allez, si vous aimez bien, le sien à Zano. 10, 9, 95 15, pour Nimpo. 10, attention, on y est prêt. 100 balles pour Marie 10, Palot. 9, 8, 7, 6, 5, 105 10, 9, 8, 7, 6, 5 10, 9, 8, 7, 6, 105 10, 9, 8, 7, 6, 120 120 à 20, c'est l'autoroute. Ah, c'est l'autoroute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 120 balles vendues à Marie. 120 balles pour Marie Palot, Marie Palot qui... Est-ce que tu le veux scellé ou ouvert? Non, j'ouvre. La drogue. Est-ce que tu veux l'ouvrir toi? Évidemment. Bon, bah, pour 120 balles. On va... Attends, on sait pas parce qu'il peut y avoir des trolls dans le chat, on va attendre que le don soit bien passé. On sait jamais, tu sais. Une douille peut si vite arriver. On sait jamais. Ce serait con de l'ouvrir et hop, dans le cul. Marie, sponsor. Moi, j'attends presque sur leur canard, je suis prête là aussi. Hein. Mais on a compris que vous voulez du Lorcana. Oui, on veut du Lorcana. Jeu là. Oh, c'est pas possible ça. Tout pour tout le monde. Ouais. J'ai mis des thunes sur des trucs auxquels je joue pas. Ouais, mais voilà, moi je veux bien mettre de la thune, mais. Ou je sais, il faut que ça te rapporte. Marie Palot, je te fais confiance pour ton don, évidemment. Tu peux aller sur Marie, du coup. Et alors, 120 euros, combien de cadeaux, Ted, pour 120 euros? 120 euros, bah, c'est facile, Marie, à un moment donné. Ah oui, c'est 10 cadeaux. Je me retourne vers toi. Bah non, c'est 8. Non, c'est 8. C'est 150, 10 cadeaux. 100, en fait. Non, mais c'est 15 euros le cadeau. C'est 15 euros le cadeau. Continue à faire des dons, Marie. Laisse-nous gérer. C'est que nous, on récupère, toi, tu donnes. Ouais. Alors, il est assez dur à ouvrir. Est-ce que tu veux des ciseaux ou est-ce que tu vas y arriver avec tes petits doigts musclés? Mais non, mes petits doigts musclés. Tu vois qu'ils sont assez durs à ouvrir. En tout cas, t'es à la caméra. Et il y a combien de cartes? Mettre le nom. Mon nom sur le. Ok. Je vais mettre ton nom. En Twerkan, bien sûr. Ah, est-ce qu'on a bien vérifié le don avant qu'elle l'ouvre? Ouais. J'ai tendance à faire confiance aux gens de la table. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est une blague. Marie Palot Yankli. Comment il est écrit? Et ça se trouve, elle va se refaire. Marie Palot avec un E et après PA, deux L. Pardon, un LOT. Je l'ai ouvert vraiment très salement. Ah ouais. Je l'ai ouvert salement. Ah, c'est sale. Ouais. Et sachez qu'on est actuellement c'est à 850. Hein. C'était combien que t'as misé là? Non, mais les 1500 sont atteignables. 120 balles, ouais. 120 balles pour Marie. Dans 20, qui dans 6 va 7 donc peut-être ouvrir des belles choses. En tout cas, les cartes sont belles. Tu vas pouvoir nous montrer ça, Marie. Ah, c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est vrai que c'est sensuel. Moi, j'ai envie que tu me le lises avec ton accent. Ah oui, ah, c'est, si. Un, oui c'est un anglais. Pour le divertissement. C'est vraiment parce que t'as mis 120 balles. Tu vois. C'est vraiment, et je veux que tu t'appliques. Ok. Alors, c'est parti pour la première. Vas-y. Cast into the fire. Oh, c'est beau. Nasty land. End. Conceal deliberation. Mm-hmm. Barrow blade. Pas mal, pas mal. Ah, c'est bien, pas mal, hein. Pippin bravery. Il y en a combien des cartes? Pippin, je pense. Il y en a. Hara Dream Spearmaster. Qui est holo, ouais. Il est foil. Tu nous dis qu'on s'excite, hein. Ah, vas-y, je vous dirai. Halls of the Brennen. C'est vrai qu'il y a combien de cartes dans le booster? Il y en a 15. Strider Ranger of the North. Elle est belle, hein. Et oui. C'est grand pas, pour information. Oh, c'est excitant, ça. Oui, c'est un land, c'est un terrain. C'est un land. Oh, waouh. C'est excitant. C'est toute une montagne. C'est la Lorraine. Ok, c'est maintenant que ça commence. C'est la montagne de la Lorraine. Mountain. C'est maintenant que ça commence à rigoler. Attention. C'est pas mal, ça. Mais c'est pour tous les rares. C'est une spatule en or. C'est une spatule. Ok. Sauron, pour the Necromancer. C'est pas le bon Sauron. Pourquoi des gens d'Harry Creature. Si tu veux slow roll, oui. Tu slow roll sur ce côté-là. Parce qu'en fait, regarde, la rareté, elle est là. Okay. Donc ça, c'est rare. Nous, ce qu'on veut, c'est peut-être une mythique. Okay, mythique okay. Qui serait. Bah, alors, c'est ça, c'est. Ça, c'est quoi? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un. Ça vient du Commander, ça. Vas-y, c'est laquelle?
Boromir. Boromir Gondor. Oh. Allez, tu peux faire mieux, Marie. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Ah, c'était le Seigneur des Anneaux. Oui. Attends, il y en a une qui a l'air très sympa dans le fond. Hein. Je viens de voir là, c'est sympa dans le fond. Hein. Ok. Okay. Il n'y a pas les bords. Isengard et quoi? Allez. Il y a un anneau doré là. Ouais. Moria Marauder. Pour l'instant, c'est pas Dingus, mais je crois que c'était la fin. C'est ça? C'est Moria Marauder. Ah, une mythique, bravo! C'est mythique? Oh, waouh! Helm Deep. Deep. C'est bien ou pas? Helm Deep. Et une petite... Temple Discovery. Et un token bouffe, la bouffe pour Tadétienne, bravo. Exactement. Marie. Et aussi en bas avec les C-U-M. Ah, tu rigoles. Alors, on est sur quoi? Un petit... même plusieurs. Ah, des sleeves, oui, c'est vrai. Tu peux mettre des sleeves. Ah, bah je vais regarder ta mythique éventuellement à combien elle est, fais voir. Tiens. C'est une petite... Ah, c'est Sinca, ok. En fait, en gros, je vous explique rapidement. En fait, ils ont sorti cette carte-là. En fait, elle existe déjà dans une autre version, Sinca, tu vois, donc ouais. C'est un land. Et en fait, comme c'est un truc du Seigneur des Anneaux, eh ben, ils lui ont redonné un nom qui vient du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, cette carte-là, elle est balles. À la place de celle-ci. 10 balles, bon, j'arrondis à 100 balles, bravo Marie. Magnifique. Ah bah c'est le jeu du booster hein. Ah c'est la fouille de la rareté. Je suis ravi. Bon les amis, je vois que l'heure tourne. Ouais. Effectivement, nous prenons notre temps et que c'est marrant. Bah oui. Et ce serait bien qu'on en envoie une chier. Ouais. Car il faut. Ouais. Là on enchaîne. Allez go. Bah ouais, il est 17h. Allez et nous. Et bah donc il est 17h15 même. On peut très bien. On peut très bien dire qu'on. Et dans 15 minutes on décolle. Bah dans ce cas-là, on retourne sur l'Orcana. Ouais à fond. J'ai soif. T'as du thé? Le chat, vous voulez quel jeu? Est-ce qu'il y a des nains qui attendent un jeu particulier? L'Orcana, on mettra de la thune. C'est quoi? L'Orcana va mettre de la thune, nous. Moi, j'ai envie d'ouvrir un booster. J'ai envie que quelqu'un ouvre au moins un booster Dragon Ball, qu'on puisse, de toute façon, qu'on puisse après, le faire. Même si eux, ils partent du Oui, on peut continuer. Vous savez ce que je vais faire? On continue. Après. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ah oui, non, parce qu'ils ont prévu des trucs. Donc, non, on peut pas. Quoi? Vous, mais on joue après, si, mais on joue après, mais après, au pire. Oui, on peut rester un peu, mais bref. Ah, en fait, c'est je pour pense les que... enfants, quoi. Bah, oui, d'accord, mais on a déjà bien rincé, là. Bah, viens, on fait 72 heures. Voilà, à un moment donné. Bah, je pense que c'est bien si. On peut rester un peu plus, quand même. Je pense que c'est bien si on se fixe qu'à 17h45, on arrête. Il nous reste 30 minutes. Pour ça. On va essayer d'être efficace. Chacun va prendre le booster qu'il veut, d'accord? Si vous voulez du Lorcana, vous prenez Lorcana. Si vous voulez du Dragon Ball, prenez Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du Flesh and Blood, si vous voulez du Flesh and Blood. Bref, je vais prendre du faites bien ce que vous voulez. Moi aussi, je pense que je vais prendre Dragon Ball. Je prends du Lorcana. Ouais, moi aussi. Je crois que je vais... Oui, parce qu'en vrai, allez. On en a ouvert combien des boosters? Pas tant. Pas beaucoup. 16, même pas... Ouais, même pas 20. Mais non, mais... J'ai essayé un peu de vous le dire au début, en mode, les gars, va falloir qu'on trace. Mais on va aller vite. Moi, je dis, on peut pousser jusqu'à 18h30. Mais oui. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Effectivement, tu as raison. Est-ce qu'on peut tenter une mécanique? Est-ce qu'on peut pas en faire deux en même temps? Est-ce qu'on peut pas tenter, genre, on l'unpack, mais on montre pas. On s'excite entre nous. Ouais, on peut tenter. Et les gens pourront enchérir sur un des packs où il y a... Faites, si vous voulez, maintenant, si vous voulez improviser, faire des trucs différents, allez-y. Tu vois, je pense. Ouais, mais alors, pense toujours à un truc, c'est comment tu fais, comment ils sélectionnent le truc, enfin, tu vois. Ouais, pénible, que ce soit long, simple, pénible. Hein. Allons-y, c'est parti. Faut que ça aille vite, là. Ouais. Non, faut que ça aille vite. Allez, j'ai un booster coup, à vendre. Deux, quoi. C'est allez, j'ai un booster à vendre ici. Qui est, donc, on a dit, là, ça pue la légendaire, l'enchanté, pardon, puisqu'il y a eu un petit il problème dans la presse. Il a pris toutes les rayas. Exactement, voilà, là, j'ai un moment donné. Dans un de ces boosters, Raya, il y a une enchantée, on le sent bien, tu vois. Donc c'est parti, on ouvre les enchères maintenant et tu choisiras le booster que tu veux parmi les trois que j'ai dans les mains, comme ça c'est ta chance face au reste du monde. 1, 2 ou 3. Alors c'est parti. Allez, c'est parti, on envoie. Faites des lots avec un minimum de 2 boosters, 15 balles minimum. C'est ce que j'allais dire, ouais. Peu si vous voulez. Allez, je n'offre. Allez, c'est parti. 2 boosters, non, 15 balles minimum. Oh, Ted, il a mis 110. Non, mais quel connard. Mais elle est folle. 110 balles pour Ted. 110 balles. Non, mais tu veux pas donner pour les enfants, Ted? Tu veux pas donner? Calmez-vous. J'ai eu Ursaf avant. Ça fait 100 cadeaux, je te signale. C'est bon, 5 pour Ilac. 2 boosters avec une possibilité d'enchanter très grande. C'est le moment, c'est tout de suite. Marie Granger, là, 40, c'est quoi? Elles sont dans les mains. Là, 45 pour Timoy. Eh oui, 45 une fois. 50 balles pour Marie Palo. Marie Granger, 55. Il y a des possibilités d'enchanter très fort dans 60. Ces boosters-là. Putain, mais fais chier cette Marie Palo là. Allez, c'est 70.
On enchaîne. Jérém, pour l'instant, toujours 75, 80. Relax, 80 également. On le rappelle, il reste combien de secondes? C'est le duo de boosters. Ouais. C'est les trois, là? Non, 85. Ils deux boosters parmi les trois. Et, ils choisiront. Ouais, non, ils choisiront pas. Allez, ouais. C'est ceux-là. Allez. Des mécaniques. 85 une fois, là. On est à combien, là? 85, il reste 22 secondes. 20 secondes, il me fatigue, Ted. On en s'en bat les couilles. Allez, on y va, on enchaîne. 85. Vous allez choisir. 85 bullish ici. Moi, je vais gagner. Qui le ok, j'ajoute une règle. Celui qui met 100, il a le troisième booster. S'il met 100, oh, allez, parce que quelqu'un veut 100, j'ai le troisième booster. Pour avoir le troisième booster qui aurait pu être oublié par Ted. Voilà. 100 balles pour lui. Relax, 3 boosters, c'est 3 parti. Boosters. C'est parti. Il nous reste combien de secondes là? Il nous reste en fait, ça fait 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, et bien Relax, tu viens de remporter ces 3 magnifiques boosters avec une grande possibilité d'enchanter. Donc là, on va se régaler. On attend que tu appelles au 06 et que tu fasses ton don et on se régale ensemble. Ok, qui veut enchaîner? Eh bien, moi, j'ai mes 2 boosters et je les mets directement à 50 balles moi-même. Ah ouais, ok, 50 balles. Allez, voilà, pour 50 balles. Mes propres boosters. J'arrive. 50 c'est bien, balles ça se vend bien, ça se vend bien. Ça. Bon, hein. Ouais, 25 bien. Balles le booster. Laissez-les moi comme ça. Hop, je gagne mes boosters. Ouais. Je les ouvre moi-même. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, Olivier. Quoi? Je l'ai appelé Olivier, il sait que c'est un truc important. Oui, du coup, j'écoute. Faut qu'on ouvre une association. Loi 1901, tous les profits sont redistribués parmi les membres. Oui. T'as pas lancé le chrono, mais il y a un bug, je crois, dans le chat parce que j'ai mis 55 au chat. Du coup, j'ai gagné. Ouais. Alors, effectivement, on a un petit. Ah, on a plus internet. Oui. Ah, ça veut dire qu'on nous voit plus? On nous voit plus. Alors, attends, dites pas de dinguerie parce que ça enregistre sur YouTube. Attends, mais si. Dites pas de dinguerie. Bonjour. Je suis censuré le numéro. Après, je sais pas si on fout. C'est sur YouTube. Bon, ça peut être cool en vrai. Ah ouais. Ouais. C'est bien de voir. Enfin, il y a 1000 personnes là. Non, ça a du bah, 904. 600. Et du coup, il n'y a plus que 10. Ah, bon. 700. Bah merde. Ok, c'est en train de se remettre, tu penses. Même la pub a fait. Je vais aller voir ce que je peux faire. Pour le moment, Et voilà, j'ai gagné. Vas-y, viens. Ah, j'ai mis ça. Trafique, c'est une enchantée. On trafique. Bon, ça va, ça vous plaît. C'est cool en vrai. Bah oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est très bien. Faire ça de temps en temps, ça peut être sympa. Le fait que ce soit sur caritatif, ça aide à pouvoir vendre plus facilement en disant mais vas-y, donnez tout, merde. Bien sûr. J'ai acheté un booster. Non, mais c'est surtout que tu vois, en fait, c'est pas ça. C'est avec une valeur de 10, bien joué. Ils participent, ils donnent. Et en plus de ça, ils ont l'animation et le cadeau qui va avec. Et puis on sort nos meilleures vannes en plus. C'est vraiment l'occasion pour ça. Ça, c'est gratuit, ça. Putain. Non, il y a un truc qui m'amère dans cette histoire, c'est que bon, bah nous, on n'est pas payé, quoi. Quel gros chien! C'est vraiment la reine des sas. C'est caritatif. Mais oui! Enfin. C'est une blague, Marc. Toi, tu. Donne-moi la tête, t'es trop pur. 500 balles, très c'est très bien. Hein. Combien? Bah, je prends 500, moi. C'est pour ça que je file depuis tout à l'heure de l'argent. C'est l'argent de façon que Max n'aura pas à me donner. Exactement! Ouais, on déconne sur le fait que c'est sympa comme live caritatif, mais on n'était pas payé. J'ai dit, bah attends, 500 c'est hyper bien. Et là, il y a eu un silence de pardon. Quand même, Max nous file 500 balles par personne. Non, pas vous. Ah là là. Bon, alors du coup, t'as soufflé dessus? J'ai relancé. Qu'est-ce que je fasse? T'as fait le fameux. Tu croyais que je peux aller faire pipi? Tu peux aller faire pipi, Marie. Est-ce que je peux me faire un thé? En fait, faites votre vie pendant 5 minutes là et on y retourne. Hein. J'arrive. Peut-être mute-les par contre si tu veux les garder le. Voilà, Marie casse pas tout. Oh là c'est ce là que j'envoie, je suis en vrai, attends, ça, c'est, je suis c'est dans le piège, une escape room ou quoi là ouais, c'est le piège. C'est ouf. Jimmy, on fait pipi pendant la pause. Est-ce qu'on fait le. Oh putain, on fait le tri ici ou pas? Ouais. Ah. On fait le tri, ouais. Là-haut, et t'as deux poubelles, c'est celle de gauche du coup. Ouais. Okay. Ah oui, mais attends, mais c'est ouvert là. Bah oui, c'est pour que ça rafraîchisse. Mais il fait moins 1000. Ah ouais. Bah ouais, mais pas dans cette pièce. Ouais, ça chauffe. On apprend à Marie le principe du courant d'air. Quel micro là? Bah moi déjà. Ah oui, il reste le 4. Ouais, et 5. Non, et 6. C'est moi l'éléphant de dos en fait. 3. Je sais. C'est le meilleur, on le mérite pas. Hein. Alors, du coup, oui. Je l'expliquerai après à Marie, mais. D'accord.
si un jour vous faites un live avec des gens, vous pouvez pas dire oh mais si on reste 30 minutes de plus comme ça, parce qu'en fait effectivement qu'on peut, enfin nous on peut, on s'en fout, mais ça c'est pas très grave, sauf que tu sais pas ce qu'ont prévu les gens derrière. Et en plus quand t'es sur un live caritatif, bah en gros tu prends les gens en otage, les mecs ils sont en mode ah bah moi en fait je comptais partir et du coup là maintenant si je dis non bah je passe pour un connard. On ne peut pas. Moi ça me dérange pas de passer pour un connard, ce qu'il y a c'est qu'en fait comme le live va, enfin, là, on a une bonne ambiance de groupe et tout, c'est cool. Je pense qu'il faut dire, une fois qu'on a tous fini, c'était très cool, au revoir. Si on a trois qui restent et qui font, il nous reste des boosters. Je suis d'accord, les bonnes choses ont une fin. Et franchement, ça ne me dérangera pas de le refaire. On peut tout à fait se dire que de temps en temps, on se refait ça, machin. Oui, pour une occasion particulière. Une occasion particulière. C'est quand vous ouvrez votre asso. C'est une bonne occasion. L'asso. Tous ensemble pour notre compte en banque. Merci, Jursa. Les petits cœurs de Rof. On a hâte que ça fonctionne. Oh, putain de merde. Bon, ça remarche. Je suis content parce que... Alors... Oui, le carré vert. On est de retour. Coucou. Le carré vert, on est de retour. Fuck Orange. Voilà, on sera donc pas partenaire de cette marque. Oh, la foutre. Ah, d'accord, et pourtant Orange, c'est les meilleurs. Hein. Non, mais oui, mais c'est juste que avoir des ça fait mille ans que j'ai un... Pour avoir fait la pub de tous les opérateurs. On voit ton... ton tel. Bref. Ah, je sais pas si... En fait, le retour, c'est pas le truc de gauche, non? C'est celui-là, le retour. D'accord, ça marche. J'attends pour aller faire pipi, moi, également. Okay. On est de retour, le chat, est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous voyez, mettez des messages, spammez le message maintenant, s'il vous plaît. J'ai fait le tour, les guys. Salut. Oui, impec. Désolé, on a eu une coupure. Petite coupure. Oui, c'est bon. En plus, je sais pourquoi je suis con et. Et je suis con. En fait, j'ai expliqué, j'ai un souci de Wi-Fi. Hein. En gros, je surcharge ma box et comme vous êtes tous en Wi-Fi avec votre téléphone. Oui. C'est bah, d'ailleurs, je vais le couper, le mon Wi-Fi. Je crois qu'en fait, je vais vous demander de faire ça pour. D'accord. Et ben, on coupe le Wi-Fi. Voilà, c'est. On va laisser les gens. Faire la moula. Tu peux couper celui de Marie et tout. Ouais, je vais la foutre dans le brouillard. Non, mais je sais, hein, c'est décevant. C'est dur. C'est décevant. On se croirait chez Webedia. ouais, mais en fait, j'avais oublié, mais c'est vrai que. Wow, mais raccroche tes vêtements, chat du futur. Ouais, non, là, qu'est-ce que c'est que ces affaires? La chatte du chasseur. On est vraiment en live. Tu sais que ta maman est sur le live. Elle est partie. C'est bon, tu peux te mettre à poil. Tu peux couper le Wi-Fi de ton téléphone. En gros, mets-toi en absent total. Bon, je vais aller au toilette, moi. Mais du coup, je peux pas renchérir sur mes propres boosters. Ah, c'est vrai. En fait, moi, j'enchéris pas. Non, mais dis-le à la voix. Ouais, à la voix, j'avoue, à la voix, ça marchera très bien. Pour 1000 balles, Marie se déshabille. J'enlève le film en mode avion, quoi. Ouais. Tu te mets en mode avion comme ça. Les maris se déshabillent. Eh bien, je suis prêt à mettre 500 balles dans cette proposition. Et moi, j'en mets 500. Ah, ça fait 1000. C'est fait. Ah, il y en a là. Si, derrière toi. Mais j'avoue qu'il fallait le deviner. Hein. Fallait le deviner. Ouais. À gauche. Ouais. C'est pas évident. Pourquoi tu sais que Marie n'est pas là pour que je puisse gagner mes propres boosters, qu'elle ne les gagne pas? Eh bien non, tu vas attendre que Marie arrive. Non, tu vas attendre qu'elle soit là, on va attendre qu'elle arrive. Allez, le micro qui frotte. Ah, Ted. Non, en fait, c'est pas ça, c'est Ted. Ok, j'ai tout coupé. Voilà. Et on c'est bon. Disait quoi on est là, Marie on qui est voulait tricher contente. Sur le principe je du live. Je voulais pas tricher. C'est juste que on ne l'arrête pas. Ouais, bah, moi j'ai envie de pouvoir. Elle a thune infinie. Bah oui, mais voilà, moi j'ai pas thune infinie. Quand t'as thune illimitée, c'est beaucoup. Bah, plus c'est ça. Moi j'ai pas thune illimitée. Donc l'idée c'est que j'aimerais bien. On chérit plus. Oui, bah, c'est pour la bonne cause. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on a donc rapidement ce qu'on va faire là. Donc on a vos boosters leur canard. On a bien compris que c'était ça qui vous intéressait. Max a récupéré des petits boosters de Dragon Ball Super Card Game. Ouais. Et moi je vais faire un pack de 5 comme ça. Ouais. Ça. Et bah, justement, je parlais de toi. Et moi en fait, mes petits amis, parce que là j'ai il y a que Marie qui a ouvert un booster Magic. Moi je vais mettre en lot pareil 5 boosters, mais cette fois-ci de Dixalan, des boosters d'extension en français. Vous allez pouvoir enchérir là-dessus. Ça me fait plaisir c'est une de grande vous offrir idée, ça, hein. Ça. Ah, j'avoue que les Kit Kat. Je mets 10 balles pour les Kit Kat. Ah. Ce qui est bien, c'est que ce sont des Kit Kat caramel beurre salé classique white noisette. Je vais bien un white moi. Cacahuète. Donne-moi un white. Non, mais je crois que tu préfères les blancs, Marie. Voilà. Oh la vache. Hop. Et on remercie, c'est Wonder qui nous régale. Merci Wonder. Ouais, je classique. Le paquet classique. Oh, saleté de carte. Ouais. Des trucs avec plein de KitKat. Est-ce qu'il y en a pas un qu'on vendra aux enchères? Non, mais
dans ce ça va fondre. Peanut butter. Nourriture par correspondance. Bon, ça se fait. Hein. Bon, alors, les 100 balles sont passées. Les 100 balles sont passées. Je mets 20 balles pour le paquet avec les papiers à l'intérieur. On a Marie qui va débarquer. Et on va pouvoir... Oui, 100 balles, Lilith Succubus, pardon. Oh, Lilith Succubus qui a lâché 20 balles, merci à toi. Amélie qui a lâché 10 balles, merci à toi. Et Relax qui a bien lâché ses 100 balles. Alors c'est parti, on fait tout de suite l'ouverture, comme ça on est pas mal. Relax est le top donateur de cette année. C'est vrai, c'est vrai qu'il est bien là-dessus. Ok, on en était donc, on était sur l'ouverture de tête, donc est-ce que tu... Il veut que tu ouvres le troisième booster. Le troisième paquet, on peut l'ouvrir, je peux ouvrir ce que tu veux. À cette table. 8. Ok, on commence tout de suite par une super rare Docteur Facilier. C'est normalement c'est Alors, très rare. Mais par c'est une super rare, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien parce qu'on ne peut pas redescendre en terre. C'est vrai. Ah, soit c'est ça, ça sera une super rare, soit c'est une légendaire. Oui, tout à fait. Je crois que c'était Alors une bluff. On y va, c'est parti. Ouais. On y va. Est-ce que c'est quoi c'est une super, autre super rare. Double super rare. Tiana qui est une des plus belles super rares. Et attention, c'est parti pour la dernière carte de ce booster. On y va avec douceur. Ah, c'est une, commune, une petite Madame commune. Tremaine. Excusez-moi, mais faire doigt. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les taux de drop de l'Orcana sont très élevés juste pour faire kiffer les gens qui ouvrent. Bah, c'est Wonder qui a. Entre 2, il y a eu un bug. Non. Vraiment non. Bah, écoute. Il y a des displays, il y avait 9 légendaires. Mais pas tes merdes. En fait, non. Alors. Avec deux enchantés. Ok. Attends, vous entendez pas. Attendez, je vais revenir sur ce que tu disais. Vas-y. Parce que j'ai fait une soirée avec JB de Ravensburger et les gens de Ravensburger et on en a parlé. Ouais. Et en fait, c'est complètement possible car il n'y a aucun taux de légendaire ou de truc dans les displays. Il pourrait même y avoir 3 enchantés dedans. C'est qu'en fait, c'est des taux sur tous les boosters qu'il y a. Mmh. Et c'est pour ça que tu peux avoir des displays avec 2 légendaires ou 9 légendaires, car c'est au booster les taux et pas par display. Donc en fait, la légende urbaine qui dit que quand tu as un carton de display, t'as forcément une enchantée, c'est faux. Et en fait, du coup, on en a beaucoup discuté et il disait au Ravensburger que c'est les gens qui, à force d'ouvrir, faisaient des trucs, des blabla. Et alors qu'en fait, c'était juste par rapport au booster. Tu peux avoir 5 enchantés dans un display. Tu pourrais. Mais en fait, comme c'est par booster et que la probabilité pour que ça arrive, surtout, elle est quasiment faible. Tu peux acheter 2 cartons et en avoir 0. Voilà. Ah oui, ça aussi. Donc alors, grand coquin. On est encore mute, nous, visiblement. Non, ça y est, c'est bon. Hercule. Allez, un bon. Et une commune, Virana. Bon. Je vais te montrer comment ouvrir un booster, ça a été demandé dans le chat. Ah bon? C'est moi qui ouvre ton troisième booster. Eh bah alors vas-y, c'est parti, mon petit loup, éclate-toi. D'accord. Je vais tuer sur moi du coup. J'ai eu l'impression que tu l'ouvrais fort, je t'en demande attention. Oh non, c'est pas le ça a été mon métier d'ouvrir des boosters. Ok, attention, je vais te montrer comment on ouvre un rebooster. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poubelle. Mmh. Ouais. Non mais poubelle, c'est quoi. Poubelle, carrément. Chacha Yurt. Ouais. Super. Français aussi. Bon, on préfère celui-là. Oui, c'est encore. Attention, une rare. C'est ta bête. Et allez. Voilà. Et surtout, une légendaire. Allez, vas-y, une légendaire serait pas mal. Ce serait bien payé. Voilà. Ah, tu es là d'enfer. Bon alors, attends, parce que j'étais en train de balancer tes papiers, mais en fait, faut les garder. Oui, bon. Je sais bien. On peut enchaîner. Bien joué, ou pas merci Relax pour le don. On va te faire un petit message avec Ted et moi. Ouais, on va te faire ça. Un petit big up. 4 boosters à 80 euros. 4 boosters à combien, 80. 80 balles pour 4 boosters. On est à 20 balles toi, de boosters. Tu fixes les prix maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est fixe. Le nombre de boosters, les prix. Ça va, les gars, on vous dérange pas. Est-ce qu'on peut voir le chat pour nous pour si je 80 boosters, c'est toi qui mets les 80 premiers euros. C'est moi qui mets 80. Ah, il y a 80 balles. 81 pour Marie. Marie donc Marie, grand jeu. Peut-être Wonder, si je peux te déranger, est-ce que tu peux bouger la chaise pour que le tableau soit devant le logo des gens dimanche dont on a rien à foutre et qu'on laisse le chat. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas bête. Hein. Il est intelligent. C'est pas bête. Salut Coco. Donc, parfait, on est donc du coup. Alors, s'il y a une enchère au-dessus de 150, je me tatoue le chat du Cheshire. Dit à Timoy, et bah écoute, libre à toi ou libre à de surenchérir. Pour l'instant, on est à 82 pour Relax. Relax. 83. T'as trouvé ton âme sœur, Marie. Relax, il y va. Hein. Il y va. Hein. 83 pour Marie Grandjeu. 83 pour Marie Grandjeu. Alors, je vous le dis, 90. À partir de maintenant, c'est de 55 parce que vous avez fait chier avec vos 80. Bah, attends, c'est le plaisir des gens sœurs. Bah, oui, mais il est rabat-joie. Le plaisir de Marie, il est 17 30 en fait. Oh là là, bah, en fait, c'est une coupure internet. D'accord. Bah, bien joué, Marie. 80. 3 heures de live. Bon, allez, j'accepte 91 balles pour 92. D'accord, ok, personne.
crois que les gens s'en ouais, vraiment, je n'ai aucune autorité. Quoi. Non, ouais. Bon, 92 euros pour l'instant pour Marie Palot qui achète ses propres boosters. Ouais. Est-ce que quelqu'un va surenchérir? Bien frotté, bien frotté. Oh, bien frotté, bien frotté. Bah, je peux vous dire qu'ils sont bien, bien, bien. Ils sont bien chaud. Frottés, les boosters de Marie Palot. Est-ce que quelqu'un veut enchérir vous sur ça? Vous savez quelle est ma attention. Chance. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, Marie. Allez, tu viens de dépenser 92 balles pour 4 boosters, Lorcana. Incroyable. C'est surtout, évidemment, pour les gens. Eh bien, moi, je vais vendre mes boosters à moi-même. Ah oui, mais je peux pas. Ben, je mets déjà 60 balles. 60 wow. balles pour 2 boosters. Attends, mais est-ce que le but n'est pas d'assommer les autres? D'accord, d'accord, pardon, excusez-moi. 40 euros pour 2 boosters, ça fait 20 euros le booster. 40. Ok. Marie, qu'est-ce ouais. que tu disais? Non, moi j'ai mis 92, je fais mon don. Il fait son, elle fait son don. Magnifique. 41 pour Relax. 41 pour Relax. Relax, 45. 45, petit bisounours. Eh bien, okay. Ça m'embête. 50. Jean-Bapt, Jean-Bapt, il a compris qu'il voulait acheter. C'est qui voulait acheter. Jean-Bapt, il a. J'ai bien vu. Il a compris. Relax, c'est à 51. Je mets 55. 43,99, malheureusement, ce n'est pas... Je ne sais pas qui c'est, mais vas-y, je mets 55. 56 pour Jean-Bapt et Relax, 57 pour Relax. Oh là là. Allez, je lance le chrono, c'est parti. En fait, j'ai ultra envie de les acheter, mais je me dis, ils ont envie d'acheter des boosters. Bisounours, c'est à 60 euros. 60 euros pour Ti. Ti Bisounours, qui est un habitué de ma chaîne Twitch. Que on te rappelle tous les matins, hein, évidemment. Tu, exactement. Voilà, ouais, fais ta pub sur la carrière. Fais ta pub sur la carrière. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Vous êtes vraiment gonflés parce que jamais je passe dans ma promo. Bravo, bravo. Bravo, hein. Bah, je suis en live Twitch demain, c'est ouais. super. Moi, je lance sur TikTok. Moi, chez vous, je repartirai à 20 balles. Oh, coco. Non, non, c'est pas grave. On a pour l'instant Ti Bisounours à 60 euros. C'est 4 cadeaux. Faire 4 cadeux, 60 balles. Donc lui, il compte. Et si jamais on va jusqu'à 100 euros, on rajoute le troisième booster. Comme ça. T'es à 60, ça n'arrivera jamais. Bah, ça non, n'arrivera bah, jamais, bah, je pense que. Rendez-vous compte qu'on avait 4 boosters à 92, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est moins. Ah, ouais, c'est vrai. Erreur. Mais, oui, mais là, c'est moi. Mais c'est Marie. C'est moi. Alors, Marie, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Attends, il y a un marchand de tapis là. On fait à 75 et 3 pour toi, Relax. Non, exceptionnellement pour 80, toi. 80, non, 75, putain de merde, on est bien là. Ok, prend. Ok, 75 et 3, d'accord. Mais on est où là, les gars? D'accord. On n'est pas au marché au plus. 75 et 3, non, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mais c'est pas Relax qui va encore la faire. 80, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 80 pour nous. Ah ouais. Non. Je pense qu'on a validé Ti Bisounours. Ouais, 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 ouais. Je m'en fais pas pour Relax, il va. Ouais, il va se ralasser dans 2 minutes. Tu peux checker si c'est passé, s'il te plaît. Bravo, il y a eu une erreur, mais PayPal me dit que c'est OK. Il y a une erreur, mais PayPal me dit que c'est OK. Non, ouais, dans le doute, refais ton don, Marie. Moi, je m'en c'est pas passé. C'est pas passé. Merci, Marie, infiniment. Et Papi Kawa aussi qui a fait un don 10 balles. Ah, merci, Papi. Petit don, mais pour une bonne cause, il n'y a pas. Merci. Petit don, il y a. Des dons. Il n'y a pas de bonne cause. On n'a pas dépassé les. Non, si, papi. On vient de dépasser les 1000 balles. On vient de dépasser là. Alors, c'est 1000 balles. Bravo! Bravo! Avec vas-y, le don carré. Si, avec le don carré, ça allait passer 1000 balles, les frères. 1000 balles! Bravo! Plus que 400 balles. On va chercher les. On va les chercher. On va les chercher. On va les chercher. On va les chercher. C'est petit bisounours, ça a passé? Attendez, excusez-moi. Bah, du coup, je vais ouvrir les miens. J'ouvre les miens, ok? Ok, Marie ouvre les siens pour elle-même. Ouais, ouvre les siens pour elle-même. Non, mais attends, est-ce qu'on vend pas comme des salopes là? C'est le moment là. Bah, ça va arriver, ça va arriver. Ok, tête tout droit avec moi. Oui, si tu veux, j'en ouvre un. Alors, au plaisir. Est-ce que je peux t'en ouvrir un? Allez, vas-y. Hop, donc allez, ça, on va. C'est celui de qui, m'en ouvre s'il vous plaît. C'est les 4 boosters que Marie a ça, fait. Ça, c'est pour Marie. Donc, on va aller vite parce que c'est pour Marie. Donc, c'est les 8 premières, on s'en bat les couilles. Premières, on s'en bat les 8 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 8. On va voir qui a le plus de jets parmi vous. Peut-être que dans celui-là, il n'y en a que 11. Oui, ah merde, t'as donné à Marie, c'est pas fou. Allez, vas-y. Donc, allez. Moi, là, j'ai Rah. Diablotin des Enfers. Oui, mais non, ça, c'est pas bon, c'est ça. C'est de la merde. Ok, le chasseur. Là, moi, j'ai comment Merlin. Comment c'est Mulan, moi. Attends, vas-y, Wonder. Gaston. Tiens, allez, on va. C'est les quatre. Pour Marie, on a essayé de casser les couilles. Oui, oui, on va okay. vite. Ensuite, j'ai Pièce Géniale de Ratigan. Oh, j'ai un chat. Et moi, de j'ai super rare. J'ai votre roi. Non, Marie, regarde, c'est toi. Oui, c'est moi. On préfère celui-là. Attention,
Et j'ai ray comme une folle. J'ai comme une réponse. Oh là là. Les 92 balles, les moins. Rentabiliser de l'histoire. Merci beaucoup, Marie. Mais c'est pas que pour les cadres. C'est pour les enfants. On rappelle qu'on est ici réunis autour de l'association Tout le monde contre le cancer. Oui. Qui fait des actions, notamment pour donner le sourire aux enfants et aux parents aussi, à qui on pense. Notamment aux enfants qui sont atteints du cancer et qui vont passer Noël à l'hôpital, et ils sont là pour leur offrir des cadeaux, des animations et pour essayer de leur redonner le sourire dans des périodes qui sont censées être des périodes de joie. T'as pris la côte du coup pour des périodes difficiles. Okay, bah ouais. Voilà. 4000 enfants par an. Je regardais le parfum que t'as pris. Ils disaient en moyenne l'association. Terrible. On est de cœur avec eux, et pendant ce temps-là, du coup, Marie, est-ce qu'on peut vérifier le don de Tibisounours, est-ce que les 80 sont bien arrivés de façon à ce qu'on puisse ouvrir. C'est bon. Oui. Allons-y. Allez, vas-y. Tibisounours. Ah non 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 non. Attends, les ours. Mais oui, on va aller plus vite. Marie, 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 on va aller devant là. Ah, l'égoïsme. Oh là 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 là. Mais c'est pour Tibisounours. Non, mais on va vite, on va vite. Oh là 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 là. On n'est pas là dans le but de régaler là. Oui, mais Bisounours. Alors attention, petit merci pour votre sub également. Vous êtes des boss. Alors, c'est, je vous économise un envoi parce que je le vois une fois par mois, petit Bisounours. Donc, je pourrais lui donner ma. Ah, voilà. Ah, c'est un Bisounours. C'est Ludovic. Oui. Voilà. Ah, bah on l'embrasse. Salut Ludo. Et du coup, on fait les boosters un par un quand même pour lui. Ludovic. Oh, il a la meilleure carte. Winnie l'ourson en 1, vas-y, continue. Attends, on parle de Ludovic, Ludovic. Non, 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 non. Ah, oh, Cendrillon, un super attends, rare. On voit pas, je crois. Ah, si, on voit. Ok, moi j'ai la Cendrillon, un super rare et. Eh bien, oh le chat du chef. Mais putain, ils l'ont laissé les trois fois. Mais c'est toi. Mais c'est moi. Tu l'as dédicacé. Oui, tu peux la signer carrément. Allez, hop, c'est bon. Ok, allez, on est sur la bonne fée, d'accord, c'est j'espère que tu vas avoir un bon truc. On est sur Kronk. Ah, on voit Marie. Oh là, Mickey en super rare. Mickey Mouse en super rare. Oui, oui, oui. Et comme une Jaffa. Bon, on peut avoir une vraie folle, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'on voudrait une légendaire, putain. En fait, les légendaires, si, au début. Alors, Tibisounours, c'est pour toi. J'espère que là, il y a quelque chose. Tu l'as merci frotté ou pas, Marie ? D'avoir participé. On commence avec Mini. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Les légendaires sont chez toi, Wonder. Ah, ah, bah, justement, tous les légendaires sont chez Wonder. Là, les gars, c'est parti comme des sassas. Wonder, combien les gars, tu mets. Je t'offrirai un booster en plus. Combien tu mets sur la table, Wonder ? Tiens. Moi, je mets. 4 bêtes. 4 boosters. 4 boosters de la bête. Pour... Est-ce que tu fixes un prix ? Et je fixe déjà, dans un premier temps, à 80 euros. 80 balles. Ah oui, pour voilà. Bah 20 euros. 81, c'est parti. Relax, 80, c'est parti pour 80. Relax, t'as déjà mis 100 balles, y'en a rien à foutre. Tout les à l'heure. Gars, on va montrer que les enchantés sont pas que dans les rayas, mais également dans les bêtes. Il les reste amis. Après 3 boosters leur canin pour let's terminer go la boîte. 4, hein. 4. Let's go. 4, bon, on fera ça. 100 euros. Let's go. 101 euros. 105 pour Relax. 105. Allez. Allez, on a mis qui a 110 balles. Allez, Dream! 120, let's go! 125, 130! Vous êtes des 135! Les gens ont tant! Il y en a 4, les amis, là, on est sur 4 boosters, 4! On rappelle, si vous êtes 4 boosters! Si vous voulez faire des petits dons, ça marche aussi. Ça marche aussi, ça, évidemment! C'est déductible des impôts à 66%. On lira tous vos dons. Je rappelle que les 4 miens sont partis à 92 euros. Mais c'est bon, vrai! Après, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! 145! Alors, il a s'y régale, il sait que les légendaires. Allez, les amis, les légendaires, il en reste plus beaucoup là, forcément, elles sont quelque part! On va bien nous arrondir ça à 150! Il en reste forcément! 15 secondes, 145, 150 pour 150, Noah. Let's go! C'est vrai qu'on a eu que deux légendaires. Mais oui, oui, oui! 155! 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et bravo, Relax! 5 balles! Relax qui ne laisse rien passé. Et il nous reste 4 derniers boosters. Regardez, sur cette boîte. J'ai juste à rajouter le montant. C'est ouais vrai. Ah non, mais petit Bisounours, tu l'as même pas mis. C'est vrai. Ouais, mais est-ce qu'il a mis 165 balles? Mais il a mis 80. À moins de 3 chiffres, on prend pas. C'est bon, c'est donc fini. Donc, il nous reste exclusivement 4 boosters sur l'intégralité de la boîte qu'on vient d'ouvrir du 7 ouais Lorcana. Ouais. Et on va commencer à les mettre en vente à 80 balles également. Et on essaye d'atteindre ces 1500 balles. Là, il nous reste. Là, il faut les 1500. Il nous faut les 1500. Je mets 85. Donc, 85 balles, c'est parti. Je mets 100 balles.
Allez, let's go. Combien? 100. 100 balles. 100 euros. 100 balles. C'est reparti. Allez, pour ce sont boosters. Les derniers boosters 110. De l'Orcana. 110 balles pour 110 Marie. Pour Kellen. 110 pour Marie. 120 pour moi. 120. Allez, on ah, est ah bah relax qui revient relax, 120. 125, relax, je relax. On rappelle que tu nous dois 165. 130. 150. 150. 150. Régalez, régalez. Est-ce qu'on va faire les 200 balles? 200 balles. 200. 165. 165 balles pour Jean-Baptiste. Allez, c'est les derniers là. Oh, on essaye d'avoir 1500 avec cette dernière enchère. Allez. On était à combien pour avoir 1500 Là, on n'est pas loin. On n'est pas loin. 170 pour Marie. 170 pour Marie. 170, je lance un chrono. D'accord. Allez, c'est le chronomètre qui est parti. 170 balles. Et bah, c'est les derniers. 175 oh là là là. Est-ce qu'on ne ferait pas un 10 alors, on est parti. Ça y a pour Jean-Bat. Allez, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donnez à Jean-Bat 175 euros. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça fait plaisir. 175 balles. Allez, vas-y. Je te souhaite 12 enchantés. 12 enchantés, frérot. De voilà. Toute façon, obligatoirement, il y a des légendaires dans ce qui tombe. Il y a forcément quelque chose. Donc, est-ce qu'on a le don de Wonder pour déjà ouvrir. Ah, mais toi, il te reste aussi du. Ah non, c'est ce qu'on va mettre en main. Okay. Bon, ne confondez pas. Enfin, attention à bien. Ouais, ouais, bien sûr, ça, c'est relax et ouais. Ça, c'est Jean-Bat. Donc, relax, ouais. Est-ce que le don ouais. A été fait. Parce qu'on rigole, mais faut envoyer les trucs derrière. Donc, relax, c'est bon, il a fait son don. De 100 et quelques. Merci beaucoup. Et quand même, il dit. Au moins une légendaire, s'il vous plaît. Parce que je vais le lâcher 500 balles, on parce que c'est une légendaire. Tiens, si tu veux, ouais, vas-y. Ah, ok. Mais redonnez-le après ici, comme c'est ça relax. On peut. Okay. Ouais, sans okay, mélange. Relax, pas. C'est pour toi, il y a une légendaire de garantie. Sinon, Marie. Monte ses seins. Allez. Je monte mes seins. Attends, Jordan, c'est bon. Dit, attends, c'est pas bien. Oh là là, bah, pas de légendaire. Les gars, le lien pour faire les dons est sous le live. Normalement, vous avez une petite bourse avec écrit « Donne-moi ta bourse ». Eh bien, vous cliquez ouais, là-dessus. Donne-moi bien la bourse. Et ça vous permet de faire un don directement. Attendez, attendez. Et parce nous, que on voit vos dons. C'est vrai que j'ai une petite bourse. Je crois que la cam, elle n'est pas sur celle du haut. Alors. Elle est pas. Okay. Oui, les petites noms communes. Là, allez-y. Commune. Moi, je suis prêt. Ok, je suis prêt. La bête. 3, 4, 5, allez, par pitié, une légendaire. 7, ouais. Ah, bah, ah, ouais, là, forcément, il y en a moins une, je pense. Ouais, mais là, ça peut être dans les 4 derniers boosters. Là, mais, alors, on y va. Il n'y a que 2 légendaires sur le. Ah, sur 3, 2, 1. Moi, j'ai le macabre et la terreur. En rare. Waouh, même pas okay, de machin grand. Bibidi Bibidi Bibidi. C'est parti, on enchaîne. Allez. Super rare. Super rare. Oh là là là, il n'y a même pas de légendaire, les gars. Il n'y a pas de légendaire sauf peut-être derrière. Ah, le ventre est rare. Et non, c'est une horreur. Oh là 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 là. Mais c'est connerie. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on lui... Et bah Jean-Bat a son. Alors mais attends, Jean-Bat il a récupéré tout quoi là. C'est pas Marie qui devait montrer. Il y avait pas un truc. Oui, il y avait. Il y avait pas une compensation ça. Marie, je peux pas. Peut-être juste pour lui. Pour une photo. J'ai fait. Tu m'envoies. Tu m'envoies un nude, d'accord. Et je lui envoie à lui comme ça, on est sûr. On est sûr. Relax. Relax avec nous. Reste avec nous, ouais, ouais. Je vais me défoncer. Attends, j'avoue que relax le prix. Relax a mis combien? 165. 165, relax. Je te donne mon paquet de Flesh and Blood. En plus, ah oui, il y avait pas mal avec de, quand même de la Majestic voilà. À l'intérieur. Il y avait la Majestic et bah, c'est sympa de ta part. Je te c'est gentil de sympa. Wow, c'est gentil. Ouais, wow. Attention parce qu'il y avait Marie, le numéro de Ted dedans. Merci il y a le Marie, numéro de Ted dedans. Ah oui, ça le numéro de Ted dedans. Bah, Ted, tu me remercieras après. C'est vrai que c'est un détail. On va faire sur Ted. J'avoue qu'on pourrait faire des sortes de lots de consolation. Bah allez, on tue ça. En plus, on est sympa. Oh l'enfer. Bon alors, normalement, tous les légendaires, donc du coup, c'est, ah bah, c'est chez elle. C'est Jean-Bat. Est-ce que, Jean-Bat, c'est bon? On a bien reçu également le don de Jean-Bat. Ouais, parce qu'il n'y arrivait pas. Alors, le lien est soit sous le live, si t'es sur ton téléphone, normalement, on peut te remettre le lien sur le chat. Il n'y a pas de souci. Oh putain, on vient d'avoir un don de 300 balles. What the fuck? Oh, wow. Mais attendez, on peut lui offrir un truc pour 300 balles. Bah, non, bah, il a pas joué. Mais what the fuck? Désolé, il y a un peu très pour moi-même. Alors, Jean-Bat, t'as bien filé 175 alors, oui. Et putain, Sir Oak, 300 okay. Balles. On a aussi Sir Oak qui a lâché 20 balles. Merci, merci beaucoup, Sir Oak, ça fait plaisir. Schmoll. Oh putain. Dis-nous ce que tu veux, on va s'arranger. Ouais, voilà. 300 balles, ouais. On peut s'arranger. 1800, là. Attends, on peut pas les amis, filer. Nous sommes arrivés à 1800. Bravo. Est-ce que Schmoll, on peut pas le faire? Ouais, on peut le faire. Il a dit dans le chat, non, je ne veux rien, bisous. On peut lui offrir la display, mais vide. Non, bah il veut rien, il veut rien. C'est quelqu'un de minimaliste et riche.
Merci pour ces 300 balles. Bravo. Merci infiniment. Merci. Qui veut peut-être, c'est mon adresse PayPal. Voilà. Et ça fait 20 cadeaux pour les enfants. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses là? Allez, allez, allez. Alors, tout le monde contre le cancer. Je veux rappeler que sur ce display, nous avons ouvert actuellement seulement deux légendaires. Ah bah, on a. Tu penses bien que c'était un display qu'on filait, on a vraiment filé le pire. Donc, la probabilité est énorme pour Jean-Baptiste. Alors, il y a des gens qui ont déjà ouvert deux légendaires dans un display. Arrête de nous porter. Par contre, c'est sûr qu'il s'appelle Jean-Baptiste, c'est le pseudo. Jean-Bat. Non, peut-être pas. Alors, let's go. Vas-y. Donc moi sur la rare, j'ai une rare. Super rare moi. Ah, j'ai la reine femme. Ah bah donc toi ça sent bon toi. Ouais. Okay, okay, attends, dans l'ordre. Vas-y Ted. Moi j'ai après. Oh, elle est là, c'est Donald. OK, garde comme ça pour l'instant. Dans Marie à la fin parce que c'est sûr que t'as un bon truc. Cette Marie là, vas-y. 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 Attends. Allez, trois. Un autre de la merde. Non, merde. Y'a de la merde. Et attention dynamique. Derrière ça. Oh, 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 la chatte. Relax en PLS. Oh non. Relax qui met des points. Oh, relax. Le pauvre. Le pauvre. Relax qui a donné le plus d'argent sur cette chaîne. Oh non. Et alors, retirez celle-ci. Et alors, du coup, est-ce que cerise sur le gâteau, il y a une fois intéressante. Est-ce qu'on s'enchaîne? Alors, c'est parti. Toi, tu as quoi? Moi, c'est une commune. L'enchantresse. De la merde. Et... Oh, c'est de la dumps de zéro. Bon, d'accord. Et bah, trois légendaires. Trois légendaires. Ah, ça régale. GG à toi. Alors que relax, désolé, il n'y a pas de justice. Faut mettre une sleeve dans ce bas monde. Oui, des sleeves, vous en avez là si ouais, vous voulez. Allez-y. Bon, Bref, qu'est-ce qu'on offre, nous? Ben nous, excusez-nous. Moi, j'ai 5 boosters Dragon Ball. Bah voilà, en fait. Si vous voulez changer un petit peu de licence, je vous propose autre chose. On va finir, je pense, là-dessus. Moi, j'ai 5 boosters Magic de la toute nouvelle extension qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ce sont des boosters d'extension en plus, donc c'est un petit peu mieux. En français, pareil pour Dragon Ball, toi, c'est sur quelle extension? Je ne sais pas trop. C'est en français, c'est sur l'extension Wild Resurgence. Attends, mais en fait, on peut les montrer. Attends, regarde. Vu que c'est entre nous deux, regarde, je vais faire hop. Tiens, bah, voilà mon bon off. Tiens. Tac. Ah non, je vais mettre un bon. Voilà. Et on est à tous les deux. Allons-y. Du coup, effectivement, là, j'ai 5 boosters de Dragon Ball Wild Resurgence. C'est 12 cartes pardon, par booster. Et en gros, ce qu'on va chercher là-dedans, c'est d'avoir, a priori, des SR, SPR. Et si on a une SCR, alors là, on se coupe une couille. Ah ouais? Et ben, bah, des SCR, bien. Alors, je ne sais pas exactement dans cette collection-là ce qu'il y a. Mais moi, je peux dire que, effectivement, dans ma collection, j'ai des cartes. En vrai, est-ce que j'en mettrais pas une en jeu après? Ah là là, peut-être. Parce que je crois que ça me ferait plaisir de le faire. Ah, genre, j'ai des cartes qui valent 200 balles, tu vois. Ah oui, quand même. Mais est-ce que t'as les gens prêts pour les acheter aussi, tu vois? Relax. On va déjà commencer. Ah bah, je suis pas un con, je vais la mettre à 200 balles. C'est-à-dire que s'il y a personne pour l'acheter, je vais la garder. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à mettre des thunes pour avoir des cartes vraiment très rares du jeu Dragon Ball, il y a pas de souci, je suis là pour vous. Eh bah, tu sais quoi? Moi-même, j'ai un don à faire. Tu nous as offert très généreusement des displays Lorcana la dernière fois qu'on est venu. J'ai eu une enchantée Simba. Et ben, je veux bien la mettre aujourd'hui aux enchères s'il y en a que ça intéresse. Oh, wow. Monsieur, t'es des tiens. Ok, on va faire durer cette émission quelques minutes de plus, s'il est vrai. Bon, par contre, il fallait pas que tu partes à 18h. Si, ben on va commencer par ça. On va commencer par ça. Vraiment, tu tires la couverture vers toi d'une façon déplorable. Ouais. Mais bon, c'est pour, la bonne cause. On a l'air malin avec nos boosters à côté. Oui, bon. Désolé. Alors Simba, est-ce que tu peux peut-être l'afficher ou c'est chiant? Je ne sais pas. C'est un peu chiant. Un petit peu chiant. Très bien. Alors il me dit, Gigi te l'a réservé, je crois. Oui, mais à un moment donné, frérot, pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète. Gigi attendra. Ouais, on s'organisera. Avec Gigi qu'on voit dans 10 minutes, je vais tout balancer. Simba, comment elle s'appelle cette... Elle s'appelle... Simba, c'est... Simba. Simba enchanté. Ouais. Carte market directement. Ouais, tout à fait, je regarde un petit peu ça. Sur ton tête. Je pense qu'elle est à 175 à peu près. 175 balles, je crois. Ah, je suis un beau cadeau. Hein. Donc là, si tu lâches 175 balles, très bien. Eh bien, écoute, ça fait partie. C'est un petit peu un don de toi. Oui, c'est un bon. C'est un don de moi-même. Voilà. J'en propose 10 balles pour commencer cette enchère. Est-ce qu'il y a C'est exactement 175. C'est ça. C'est 175 Alors, balles. Est-ce qu'il y a des gens prêts à lâcher 175 putains de balles? Bah, au déjà, début, c'est ça. On la met à 140 en attire. On attire le chaland. Okay. Donc, déjà, celui qui commence à 140. J'avoue.
Alors Gigi, tu es en live sur la chaîne de Maxildan. Je suis désolée de te déranger, mais il me semble que tu as réservé une carte Simba enchantée à Ted. C'est bien ça? Ouais. Ted va la mettre aux enchères pour les enfants. C'est pour les enfants, Gigi. Sache que la mise de départ est à 10 euros par Olivier Rovellos. 140 là. 140 dans 140. Le chat. Si tu veux participer, je balance. Voilà, n'hésite pas. Tu peux aussi enlever tête ce soir et je prends. voilà, non, mais, bah, il peut renchérir au téléphone, il y a ça. Je pense que tête n'est plus invité ce soir. Non, non, mais Gigi, renchérit, il y a 150. Tu peux renchérir au téléphone, c'est sache-le. Ah, tu le prends en otage, quoi. à une personne de gauche. Mais sache que si on est en retard, c'est sa faute. Allez, à tout à l'heure, bisous. Bisous, putain. Ah, le boss. Gigi. Quoi, tu donnes quoi pas pour les enfants? Il est là. Attends, je prépare une émission. Ça bon, on a 150. Alors, 155 pour relax. Moi, je te le dis. J'ai un compte sur Card Market. Je vais pas tarder à revendre du Lorcana. Je t'en offre 170 balles. Ça marche. Bah, c'est très bien. 170 wow balles pour Rofellos. Je fais une plus-value de 5, pour l'instant, c'est OK. Hein. Et relax, qui a dépensé 175 pour des boosters. Et là, il a 155. Regarde comme elle se moque. Mais ouais. Non, mais c'est... Oh là là. Bah, je me moque pas du tout. C'est que je me dis, regarde, t'aurais pu lui laisser. C'est contre j'avoue relax que t'as surenchéri, quoi. J'avoue que moi, je l'aurais laissé à relax. Bah, moi aussi. Je veux moi, je acheter cette carte à 170 balles. 170 balles. La vendre à 175 à Jiraya. C'est bon, c'est noté. Est-ce que quelqu'un veut enchérir ou est-ce que vous me la laissez? Allez, ça me c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, si tu veux, je te passe les 20 balles en plus, relax. 4, je te donne les 20 balles en plus, relax. 2, 1, 0. C'est parti. Attends, ils vont peut-être t'enchérir là, enchérir. J'ai peut-être pas spécialement 170 balles. C'est trop tard. C'est trop tard. Putain, ça a coûté combien? 100. Putain, 170 balles. Je suis très heureux de te vendre ma carte. 170 euros. Elle est propre, bon, ta carte. Elle est magnifique. Elle est sous blister. Parce qu'après, moi, j'ai des frais d'envoi. Ah bah, on peut peut-être s'arranger. 140. Non. Je te la donnerai. Prends le virement tout de suite. Hein. Bon, c'est vendu. C'est des types, c'est ça, les propos. C'est quoi votre histoire? Tiens, mets un petit mot pour les trois gros. Rof, tu veux un petit mot aussi? Putain, je veux bien un petit mot là, parce que. Ah oui, ouais, Rof, on attend le don là sur le Rof back, ouais. Non, on peut faire des Rof back ou pas? Non, là on attend le don. Hein, on attend le don. Bon, bon, les amis, allez, on va essayer de passer. On est à combien? On est à combien que je dise pas de bêtises? On est à 1823 euros. Ce serait bien qu'on arrive à 2000, un chiffre rond. Ça me ferait. Bah là, avec mes 170 balles, bah, tu vas arriver. Avec 170, t'arrives à 2000. Hein. Tu vas arriver. Ouais, ouais, c'est bon. Eh bah, go 2005. Eh bah, go 2005. Go 2005. Allez, dans 7 minutes avec Marie, on est parti. Le prochain chiffre rond, c'est 10 000. Voilà. Ok, c'est parti. Les amis, il nous reste que quelques minutes. Je vous propose de faire du coup les mises en vente des boosters que j'ai devant moi et des boosters de Rof. Et puis à la limite, on fera l'ouverture, même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Mais au moins qu'on hype les gens sur cette ouverture. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient chauds pour du Dragon Ball tout à l'heure dans le chat. Je vous mets ces 4 boosters là. Vous n'en avez pas 5 d'ailleurs? Non, j'en ai 5, ouais. J'en ai 5. 50 euros. 50 balles pour des boosters de Dragon Ball. 50 euros pour 5 boosters Dragon Ball Wild Resurgence. Vous pouvez y aller. On a du Bou, du Sangoku, du Freezer et du Cell, les amis. Je vous laisse enchérir là-dessus. Je lance à 50 euros et je lance le chrono. Vous avez une minute désormais. On est type. Je vais peut-être commencer à regarder moi ce qu'il y a dedans pour essayer de voir si. Ouais, tu si peux. En vrai, tu peux commencer à utiliser. Je vous laisse teaser pour ça. Moi, j'essaie de trouver comment faire mon don. On est d'accord que sur téléphone, tu peux pas vraiment le faire via l'application Twitch. J'arrive pas à avoir accès au panel. À propos. Je suis peut-être un boomer, hein. Ouais. 55 avec cards. 55 cards. Vas-y, attends. À propos. Donne-moi ta bourse. Bah, j'y vais. Hein. 60 avec Robin. Ouais, tous les dons sont envoyés. Tous les dons sont envoyés et. Yes. Ouais, j'en ai tout cassé. T'inquiète, à qui c'est fait déjà. Moi j'arrive pas à l'ouvrir tellement il est vénère. Donne. Vas-y. Je suis à toi. Ça va? Yeah. Comprenez pourquoi je veux dire. N'oubliez pas d'enlever le 06 de tête dans le booster. 65. Il reste 10 secondes. 65, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! 65 balles, cards. Attends, j'essaie de te hyper sur un premier. Juste pour voir un peu si tu t'es fait douiller ou pas.
Ouais, commune. Non, mais quel enfer. Il est infernal. Ah, il est enfer. Je suis désolé, mais on est sur une très belle selle. Désir de perfection, mais ce n'est qu'une rare. J'ai pas plus rare. Il y a une unco quand même. Ah, il y a des unco, mais j'ai pas eu mieux. Écoute, on va ouvrir les autres boosters après. On va voir si tu arrives à avoir. Quelqu'un qui dit en plus, miak, désolé, j'ai une réunion relou, j'ai loupé les DBZ. Eh bien, tu viens de le louper non. À 10 secondes près. Bon, s'il y a que ça, on en a d'autres. Hein. Ah oui, il y en a d'autres. Il revient du DBZ, vas-y, il revient du DBZ. J'en ai une grosse à mettre en jeu, mais faut qu'il y ait des gens intéressés, parce que je t'avoue que si je mets une carte à 200 balles et que les mecs ils sont en mode 10 balles. Bah, tu l'avances à 50. Ça fait un peu mal. Ouais, je peux démarrer à 150. Eh ben voilà. C'est vrai. On peut commencer ça, effectivement. Je vais déjà aller la chercher. D'accord, bah en ce temps-là, off, tu fais la vente de ça. Je suis en train de payer mes thunes. Ah, c'est bien. Alors, on s'occupe alors, de la c'est vente parti. Magique. Marie, la vente. 5 magnifiques boosters Magic. Mise à prix de départ pour les packs. Mise à prix de départ, ce sont des boosters à peu près 5 balles. Il y en a 5. Allez, 30 balles. 30 balles, c'est vraiment, c'est donné. C'est donné. Je les mets. J'espère qu'il y en aura quand même plus. L'édition vient de sortir. Et c'est 30 balles pour. 35. Ce sont des boosters en français. 38. 38 balles pour. Il y a 45 ici, moi je les prends à 45. Allez, c'est 45. Pour moi. 50, ça monte déjà. 55, c'est bien ça. Non, mais, j'adore ce qu'on parle entre nous, mais il y a des gens qui ouais, ont jamais mis ça à côté. Des gens, c'est nous qui 60 actuellement. On a 60 balles. Les Dragon Ball sont déjà partis. On va en remettre des Dragon Ball. On va en remettre. Je mets est-ce que, du 60 coup, euros et on lance un timer. Il y a 60 balles pour Marie pour 60. Des boosters d'Ixalan. Marie. Pour 10, 9, 65, 10, 9, 8, 76, 70, 10, relax, il ne faut rien avoir, il est prioritaire. Oui, il est prioritaire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est Rilax. C'est parti. 70 pour rien avoir, c'est possible. Alors on va voir, ouvrez un booster chacun, allez-y. On va alors faire c'est ça. En partenariat avec Jurassic Park. Oui, effectivement, vous pouvez avoir dans ces boosters des cartes Jurassic Park. C'est vrai. Ça ah, je l'ai laissé. Ah bah oui. Tu l'as laissé. Oui, généreuse oui. Comme tu es. Max, est-ce que tu peux voir si mon don est bien passé? Ce qui est vrai. Que j'étais pas sûr. On fait confiance à Rilax parce que là, ça c'est bien ou pas? C'est de la merde ça. Vas-y, je crois que normalement c'est bon, pas de soucis, c'est bon, c'est parti Ted. Il a acheté 17 euros. Ah merde, la virgule. Oh non, mais non. J'ai dû, non, j'ai dû oublier un zéro. Rajoute les zéros, c'est tout. J'ai dû oublier. Bon, ça a merdé, je sais pas, mais je t'inquiète pas, je vais compléter. Non, mais sinon, elle est pour Gigi, hein. T'es malade. Non, mais ça va, je vais compléter. Quoi là, faut que tu complètes là. Bah évidemment, j'ai refait un don, ça va, c'était pour la blague. Bon, allez, on y va. Ouais. Ok. Vous avez tout le monde un blanc quand même. un petit froid. Alors, on y va. Bon, il y a rien que les enfants, mais est-ce non, que mais non. Tu veux pas être là, truc de ça gros pour. Ouais. Attendez, c'est du magic, on respecte un peu là. Quoi oh. Attends, il voit pas là encore. Il n'y a aucun respect aussi, déjà pas. Ah. Relax quand même. Ok, vous pouvez passer les communes. Regardez, les communes, c'est ce qui est noir au départ. Sur la droite. Ok, très bien. C'est pour. Relax. Ouais, ok, les unco, c'est argenté. Vous en avez normalement. Attends, c'est argenté. Ça, c'est unco, ça ? Ouais, unco, c'est argenté à droite, effectivement. Normalement, vous en avez deux ou trois. En fait, ça dépend. C'est des boosters où il y a pas mal de variantes. Donc là. Et enfin, vous allez avoir. Donc là, moi, j'ai une unco spéciale. Toi, tu as une rare. Ok, très bien. Moi, c'est quoi ça ? Oh, il y a une mythique là-bas ! Oh, joli ! Comment il s'appelle ? Le souverain Ockner Ao. Très bien, bien joué. J'ai une unco foil et sinon c'est une rare. Très décevant, Maxildan, on va voir. Moi j'ai Écopélagie qui est une rare uniquement. Oh, j'ai une rare foil. Oh, rare foil, c'est Marie. Très 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 bien. GG à toi et enfin. Et moi c'est quoi ça ? C'est bien ça ? Ce maintenant c'est une commune, c'est pas terrible. Vous allez peut-être avoir une ça, carte de The List. C'est bien ça ou pas ? Oh, j'ai une Jurassic Park. Oh, une carte Jurassic Park, c'est un token. C'est pas forcément la meilleure des cartes Jurassic Park, mais tu pourras quand même avoir un magnifique token. Bravo pour la mythique de Marie, pour la rare foil de Marie l'autre. Et on peut avoir un. Encore une fois, un grand merci à toi, merci, mon cher, parce que tu es un boss. Normalement, il y a les. Et tu nous. Je suis sur le coup depuis tout à l'heure. On était sur le coup. Nous, faut qu'on décolle. Merci beaucoup. On profite. Est-ce que vous avez une sleeve ou pas ? Allez-y. Mais il est pas là le paquet ? D'accord.
Ted et Marie vont devoir nous quitter puisqu'ils ont une émission. On vous laisse faire vos au revoir à votre promo, les amis. Bah, retrouvez-nous dans, à 20h chez Jiraya, à moins que vous ayez une émission, vous, ici ou pas ? Non, c'est pas grave. Okay, d'accord. Donc, on est à 20h chez Jiraya avec le copain Genius et Yannou pour une soirée de Noël. Et sinon, retrouvez-nous sur nos réseaux. Donc, moi, c'est Ted Etienne sur TikTok, Instagram, surtout sur TikTok, parce que je viens de me lancer il y a une semaine. Ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, je te suis sur TikTok. J'ai même liké tes posts. C'est vrai, arrête. Dès que tu parles, j'ai l'impression que tu veux qu'on t'adule. Oh là là. On soit en mode bravo, Marie. Je soutiens le travail de mes copains. C'est bien, exactement. Tu me suis sur TikTok ? Bah non. En tout cas, donc on a fait combien ? On a fait combien de tunas, mon max ? Ça dépend avec ou sans le rough back de rough. Non, mais ça va, je vais rajouter un peu là. Un peu. Bah, En tout cas, Cards a bien lâché 65 balles. On va ouvrir pour toi, mon ami. Relax a bien lâché ses 70 balles. Parov qui ouvre les cartes, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Un peu tard, hein, on vient de lui ouvrir. Ouais, désolé. Peu déçu. On attend le don de Rof et nous sommes à. Eh ben, c'est bon, on est à 2000 balles. On est à. Bah, avec le rock. On est à 2100 balles. On est à 2000 et quelques. Quoi. 2100 balles. Bravo. Exactement, ça fait combien de cadeaux ? Ça fait 2100 balles. Ça fait 25 cadeaux. Attends. Non, on a régalé. Attends, c'est 2000 divisé par combien ? Par 15. Non, c'est 15. C'est un produit en croix. Donc tu dis 1500, ça fait déjà 100 enfants qui vont se régaler grâce à nous. C'est ça. Voilà. Ensuite, tu remets 150 pour 10 enfants de plus. Je suis perdu. Plus 300. Voilà. Plus 450. 1000, alors là, on est à 1950 pour 130 enfants. Et surtout, donc là, on arrive. Tu sais que 1500, c'est 100 cadeaux. Bah oui. Du coup, tu sais qu'un tiers de 1500, c'est-à-dire 500, c'est donc 25 cadeaux. Oui, là c'est 133 cadeaux. Là, avec les 2100 euros, ça fait 140 cadeaux qui seront offerts aux enfants pour Noël. Et on peut se féliciter de ça. Bravo. Voilà, bravo à nous. Bravo à vous. Bravo, bravo. Merci à tous les dons qui ont été faits. C'est trop gros, GG. Bravo. Merci à vous d'avoir organisé ça aussi. C'était super. Ouais, merci, Max. Qu'est-ce qui. Tu pleures ? Bah oui, je viens de lâcher 150. Non, 153. Ouais, j'ai même rajouté des intérêts parce que bon, je suis sympa. J'ai mis 153,10. Comme ça, on me traitera pas de bref. C'était vraiment très cool cette émission. C'était cool qu'on l'ait fait. C'est bien Max qu'effectivement, tu as été approché notamment par d'autres associations pour faire des trucs et c'est cool de se dire bon bah ok, si nous on faisait notre propre truc à notre sauce, à savoir bah c'est cool les événements caritatifs, mais c'est encore mieux si c'est dans notre univers, en l'occurrence, la première fois, les jeux de cartes. Un test, Et vous avez tous et toutes joué le jeu, aussi bien ici que dans le chat. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas donné, franchement, c'est très cool, n'hésitez pas à liker, partager, bref, faites bien. Vous avez beaucoup de façons gratos de nous soutenir. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors que Maxilan sort son petit classeur on a remercié Card de notre pour le don de 65 euros. Eh bien, comme si ça, c'est pas le cas. Attends, mais. Il était gratos. Non, c'est pas. Je crois qu'il a gagné quelque chose. Mais non. Qui ça ? Ouais, c'est qui ça ? Si, je crois. Ah ouais ? Ah non, c'est, c'est les cartes. Dragon Ball. Dragon Ball. Faudrait pas que tu l'oublies, celle-ci. Je crois que c'est celle-là qui vaut le plus, si je ne dis pas. C'est Miak Miak qui voulait enchérir sur ta carte super. Ok, c'est soit celle-ci, soit. Je crois qu'il y en a une autre qui valait. Au gonfiloche. C'est celle-ci. Wow. Tu veux laquelle, frérot ? Dis-moi et on la met aux enchères. Je vais pas mettre les deux, je t'avoue, mais. Les gars, dans quoi je peux emballer mes cartes ? C'est pour toi, c'est ça ? Ouais, c'est pour moi. On va te filer une petite deck box de Game Genic. Ça me paraît pas mal. Tu veux tout l'argent que t'as dépensé Ouais, on va pouvoir te faire ça. Ouais. Il est en PLS. Il le fait en merde. C'est pas la carte que quand tu joues, tu win. Oui, c'est vrai que celle-ci, elle est plutôt forte, quoi. Elle dit ça, tu la joues, tu win. Ouais, bah c'est ultimate, tu ne peux en avoir qu'une seule dans tout ton deck, mais à la frappe de la victoire, lorsque cette carte inflige des dégâts à votre adversaire en attaquant, vous remportez la partie. Donc si elle te touche, t'es perdu. C'est genre Exodia, quoi. Incroyable. Faut pas jouer. Oui, faut toucher quand même. Mais incroyable. Oui, effectivement, c'est. Wow, merci. Oh, c'est plutôt fort. Un peu grand, mais on a que des grands. C'est plutôt fort. Super. Je crois que celle-ci était très très jouée aussi, effectivement. Bref, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de carte, dites-moi. Et sinon, il n'y a pas de souci, je les garderai pour un autre live où là, je sais qu'il y aura des gens qui seront prêts à se buter pour. J'avoue que je ne vais pas les lâcher pour 40 balles. Voilà. Merci énormément, les gars. Si les gens sont intéressés, dites-moi. Merci énormément, les copains. Hein. Yes. Merci le chat d'avoir été généreux donateur. Et oubliez pas, c'est pour encore une fois Rala ses enfants, et ça c'est bien bien sympa. Donne-moi une vierge.
pour. Juste le carnet en dessous. Bon, bon Ted, je te fais des bisous. Marie, des bisous aussi. Nous, on arrive quasiment au bout. Je vais juste finir d'ouvrir les Dragon Ball qui étaient là pour l'ami Cards. Et on sera pas mal. Putain, mais parce qu'en fait, j'arrive pas. Il faut que je capte pour avoir pour envoyer autant de thunes. Ouais. Et du coup, ça. Ça je... C'est belle, on peut lui dire mal à passer. Oui, bah les 150, c'est plus long. En fait, il m'a envoyé un code, mais je l'ai pas reçu parce qu'on est dans une cave. Donc bon, ben. Ah oui. On va se débrouiller. Pendant tes affaires, ma chère Marie. Merci Marie, merci Ted. C'était très cool. Ciao. Bon retour à vous, et puis de toute façon, on va se revoir, puisque toi, tu as très envie de jouer à l'Orcana, et je crois qu'on va essayer de te convertir à d'autres jeux aussi. Et comme ça, tu... Magique, hein. Ouais, mais carrément. Ouais. Comme ça, tu vas dépenser plein d'argent. Commandeur, moi, je joue. Commandeur ? Ok, y a pas de problème. Allez, on fait ça. Tout est bon. Ciao. Ciao. Bon live. Identité confirmée, redirection. Ah, je crois que malheureusement, ça va fonctionner. Je crois que malheureusement... Eh merde. Alors attends, compte perso. J'aurais été chaud pour du Yugi, malheureusement j'ai pas de Yugi, hein, j'avoue. Ça revient quand une émission Dragon Ball. Ça dépend plus des éditeurs que de nous, j'avoue, mais on en fera peut-être bientôt dans nos émissions TCG qui vont arriver en 2024. Je crois que c'est passé, mon cher Maxildan. J'ai payé moi aussi ma part. Ah, t'as voulu jouer, hein. J'ai voulu jouer. Je vais essayer de la revendre à 175. Ah, voilà. Avec les intérêts. 153,10. On est d'accord. 153,10 plus 17 après, euros, ça fait bien 170,10. J'ai même payé si bien te plus manque, que si ce te manque des trucs de cartes, tu peux peut-être trouver même des échangeurs. Hein. Pour avoir un peu plus de légendaires, de cartes. En fait, ce qui va se passer, c'est que les cartes légendaires, tout ça, etc. Nous, ouais. Ben, moi, mais Max, ouais. Monsieur à ce niveau-là, je pense, on n'a pas d'intérêt de les. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment pas l'intérêt de les garder. Mon but, ouais. Ça va être de récupérer un maximum de cartes de l'Orcana ouais. Qu'on va pouvoir jouer. Oui, voilà. Et donc, du coup, on va les revendre. Oui, c'est pour ça que j'ai légendaires pas enchantés, c'est ça que je veux dire. Tu peux peut-être utiliser cette carte pour trade, pour avoir des légendaires, d'accord. Des légendaires, des super rares, des cartes jouables. Ça va être exactement le bail, tout à fait. Alors, tu nous fais. Un tas d'éléphants de dos là. Oui, bah on fait des petits mots pour les gens, on a dit. C'est gentil. C'est bien, Marie. Voilà, c'est on bien. Fait les choses correctement. Et tu es royal. Très bien. Royal au je fais ma petite ouverture Dragon Ball. Vas-y. Allez, frérot. Vas-y. Donc là, c'est à. C'est oui, quoi donc, le nom de ce mec là Ah oui, c'est Card. C'était Card. Card. 5971, je crois. Non, 971. Card 971. J'avais déjà ouvert un booster, je vais te montrer ce qu'il y a dedans, je pense que tu vas être content. Parce que du coup, ici j'ai Unco, commune. Ah oui. Commune. Il a non. Dit que tu vas être content. Hein. Ouais. Et SR. Non. Ah, ouais. Ça, c'est l'équivalent. Super rare. Très rare. Au-dessus de très rare, il y a quoi sur le canard Légendaire. Légendaire. Oui. Et bah, légendaire, c'est l'équivalent des SPR. Okay. Là, c'est une SR, donc c'est très rare. Et après, t'as les SCR. En fait, alors, c'est un peu différent parce qu'en vrai, SPR. C'est la même chose qu'une SR, juste c'est un art alternatif. Mmh. Okay. Donc en fait, elle a le même effet, mais elle a une gueule différente. Donc en fait, SPR, c'est un peu comme une enchantée. Et là, c'est un peu de passe pour Max. Et derrière, il y a les SCR qui, en plus d'être assez uniques, sont en général très très puissants. Ok, ouais. Mais je fais quoi avec ça? Ah oui, qu'en plus, ah oui, donc contrairement à l'Orcana, c'est-à-dire que les enchantées, elles sont un peu machin, bling bling, tout ça. Là, c'est en plus, les SCR, elles sont jouables. Ah ouais, d'accord. Mais quand t'as une SCR en général, alors ça peut arriver qu'elle soit pas jouable parce que trop chère ou des trucs comme ça. Ok. Mais là, elles ont des effets d'enfoiré. Quoi. Ok. J'ai beaucoup de mal à ouvrir ces boosters, les amis. Tu veux que j'en ouvre un ou tu veux que je te les ouvre? Je fais assistante, ouais, je les ouvre bien. Proprement. Je suis un andy. C'est vrai que les gens disent tu peux pas récupérer un micro? Ah, si. Ah, ça, c'est une très bonne c'est idée. Très bonne idée, tiens, regarde. Mais de toute façon, on est bientôt sur la fin. Alors, non, tu veux pas, de quoi? Ouais! Est-ce que tu as un casque à lui prêter? Elle a une trop grosse tête. Ouais, j'arrive. Et il arrive. Et pendant ce temps, on va vous ouvrir les cartes. Qu'est-ce que c'était que ça? DBZ pour Card 971. Merci en tout cas à toi d'avoir donné les 65 euros. Je vais t'ouvrir un booster et je vais essayer de comprendre. Vas-y. Est-ce que tu as un quelconque idée de ce que c'est Dragon Ball? Alors oui, parce que j'en ai vendu quand je travaillais chez Play-In. Ah oui.
Donc j'avais à peu près l'idée à l'époque, mais voilà. Ouais. Déjà, où est-ce que c'est marqué Déjà, c'est où là? C'est où le truc? C'est on comprend rien. C'est où? C'est où le petite commune, question, est-ce que cette extension vaut le coup car elle est bradée dans un magasin actuellement? J'ai très peu de cartes DBZ, juste des decks préconstruits, nous n'en savons absolument rien. On nous a filé ça. D'ailleurs, merci à Asmodé qui, quelque part, a participé un petit peu aussi au live, puisqu'il y a pas mal de cartes qui proviennent de chez eux, notamment donc, ouais, Flesh and Blood et Dragon Ball. Qu'est-ce que je disais ouais, donc je ne sais pas trop. C'est vrai que Dragon Ball, on va sûrement refaire quelques petits contenus l'année prochaine, mais on a quelques années de retard. Oui. Il n'y a pas grand-chose de bien dans celui-là. Il n'y a que des CC, communes, machin. Mais on a une rare qui est Sangoku, fils de je sais pas quoi. Non, c'est le personnage principal. Oui. Ah ouais. Tiens, essaye de lui ouvrir celui-là. Peut-être que tu auras plus de chance que moi. Ah oui. Sur l'ouverture. Sur l'ouverture. Ah, c'est bon. Et si tu comprends mieux. Ah, j'avoue, le cadrage est horrible. Ouais, mais on n'y peut rien du coup. Là, on attend. Ah oui, pardon. C'est je sais pas comment on fait. Ah oui. Attends, faut se mettre où? Ici, tu nous vois? Ouais, vas-y. Ici, tu nous vois. Ici, tu me vois plus. Là, tu me vois. Tu me vois un peu. On me voit plus. Donc il faut que tu te mettes par là. Non, mais juste que je comprenne, c'est où là, ici, là. Avant d'emballer les gens, tu sais. Là. Ok. Donc Unco. Ok, ok. Unco. Commune. Okay. Commune. Non mais c'est commune. Un enfer. Hein. Commune. C'est horrible quand tu dis ça. Et une rare Ginger Technique à deux épées. Oh non mais attends, il n'y a que des communes en fait dans les boosters. C'est que des communes. Mais c'est du Dragon Ball Z, mais oui. Il sera content. Il sera oui. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Alors. Merci pour les enfants. Je suis là, regarde. Hop. Voilà. Alors. Franchement, t'es dans une bonne position là, ouais. Pour rien là. Commune. Est... Commune. Il vient encore même un commune. Peu plus moins. Ah, Krilin, il est mignon. Commune. C'est quoi ça? Ah non, c'était une commune depuis tout à l'heure et là c'est commune. Commune. Et du coup, Unco c'est mieux que commune. Et c'est devant du coup. Oh, Krilin encore. Bah. Et une rare. Une rare. Très bien. Bien joué les gars. C'est-à-dire qu'il crie en armure. Eh bien, merci à toi, GG. Garde. Elles sont belles les cartes en vrai. 961, on va te faire un petit pack, un petit colis, on va te mettre un petit mot dedans, tu auras un éléphant dessiné de dos. Ouais, une dédicace personnalisée de ma part. Voilà, Rof a fait vraiment une dédicace personnalisée pour chacun d'entre vous. Alors, tout à fait, c'est minimaliste. Pas... Oui, des rares. Des rares, Des rares. J'aurais bien voulu des SPR. Non, pas de SPR, mais on est en train de ranger, on lui a fait un petit mot, faudra que tu les signes après, Maxilda. Je vais tout signer. Je vais tout signer. À la fin, je peux avoir le stylo, s'il te plaît? Je vais bien... Faire nos amis. Bien tout. Quel live, c'était cool à refaire. Ouais. Je pense que, de toute façon, on refera des lives ouvertures comme ça, on refera... des lives, on va jouer d'ailleurs. Je crois que maintenant vous allez gagner. Ça te dit? Voilà. Bah ouais. On va aller sur ma chaîne effectivement. Et ouais, sur la tienne. Que tu t'en vas ou tu restes avec nous? Je sais pas. Bon, tu t'en vas. Vous allez game et puis nous on va dans le jacuzzi, c'est bien ça. Ah bah du coup on va pas game du coup. Faites bien ce que vous voulez. Nous on va game un peu sur du Lorcana. Ouais. Effectivement, ça te permettra en plus de tester un petit peu. Franchement, vous stop, avez. Stop, j'ai oublié un truc. Oula. Il y a quelqu'un qui avait mis une donation à faire et je vais la faire parce qu'il m'a demandé de la faire, je lui ai dit oui et donc je dois la faire. D'accord. Je dois la faire et je lui donnerai le nom de celui qui a gagné. Ok. Alors attendez, bougez pas, laissez-moi une seconde. Laissez-moi. Card dit des enfants heureux, ça me suffira. Oh, ok, vous êtes prêts? Oh, c'est sur gentil, Card, c'était un amour. Et bah, on te les enverra quand même, tu vois, je suis en train de te préparer tes petits boosters avec un petit mot. Mais merci pour les enfants. Tiens d'ailleurs, peut-être Marie, tu peux... Ça, c'est les autres boosters qu'on a eus. Et du coup, il y a peut-être des noms qui sont les mêmes. Et comme ça, on fait des envois. Enfin, on fera des envois groupés, évidemment. Et vous êtes ready. Je vais vous afficher. Ouais, alors c'est sûr que Relax, on va lui en envoyer. Hein. Alors, JeuJVFR m'a dit que ça valait 60 euros. Ouais. C'est un jeu Switch. Donc, ce n'est pas du tout un TCG. OK. Mais je vous montre ce que c'est. Ne bougez pas. Ouais, on m'envoyait pas. L'image qui allait bien dessus. Et... Il faut juste que je la chope, quoi. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je l'ai enregistré où? Je suis un sac. Excusez-moi, c'est très long. C'est très long. ok, je sais pourquoi. Bougez pas. Tu nous as ramené quoi de beau comme deck, mon cher Tu verras. Il y a du rouge-bleu qui est beaucoup dans le contrôle. Et Il y avait... Avec une petite patte personnelle, ouais. Il y avait ça. Yeah. Hop toi. Regardez. Tout, ouais. C'est relax, c'est ça Ouais. Joe JVFR sur Twitter
Que vous connaissez peut-être parce que bah, il raconte un peu les pérégrinations de sa boutique, de parce que lui en gros il vend des jeux, tu sais, il vend des jeux un peu rares, des jeux un peu rétro, des trucs comme ça, et il explique un petit peu comment ça fonctionne sur Twitter. Il a vu qu'on allait faire ce live caritatif et du coup il était chaud pour amener sa participation, et donc il vous propose ce jeu The Great Ace Attorney Chronicles qui semble-t-il vaut une soixantaine d'euros en magasin. Donc je vous propose qu'on commence en chair à 30 euros. 30 euros. Allez. Ça me semble pas déconnant. Le jeu est incroyable, il est vrai. Eh bien, si vous êtes prêt à enchérir, vous pouvez y aller, évidemment. Et si vous n'avez pas de Switch, eh bien, achetez-en une. Ça vous permettra de jouer à Ace Attorney Chronicles. Si vous êtes prêt à enchérir, ce sera la dernière enchère de ce live. Let's eh bien, go. Je vous invite à lancer vos paris. On commence avec 35. Pour Relax, et vous avez une minute. Relax qui est le gars de ce live, tout ça, c'est un endroit Relax. Relax, wow. tu es un exceptionnel donateur. Alors, on va essayer de Ted. C'est Ted. Il avait trois rayas sur. Mais il en avait deux. C'était qui qui a gagné? Du coup, je sais pas qui a gagné. Il y a Ted qui n'a pas noté qui avait gagné sur. Enfin. Alors moi, j'ai tout bien fait. Regardez. Et vous savez quoi? On va vérifier les dons après et on va vérifier. Voilà, il y en a exactement. Forcément un gros don qui manque et oui. On va le retrouver. C'était 100 balles. C'était 100 balles exact parce qu'on avait dit à 100 balles, on le vend. Ouais, c'était 100 balles. Ok, c'était 100 balles. Si quelqu'un peut se rappeler qui on a va le voir, qui regarde, fait ça, c'est. On, ouais, ouais. Bon, on va le retrouver. Bref, alors en tout cas, on est sur ce jeu. Pour l'instant, on est à 35 balles de la part de Relax. Est-ce que quelqu'un veut enchérir sur un jeu? Oui, il y aura le replay du live. Switch. Ouais, bah bon, si on peut trouver le truc maintenant, c'est parfait. 15 secondes. Relax. 15 secondes. Relax qui a mis à 35 euros ici. 40 pour Kellen. 40 balles. Effectivement. Et on prend 45 pour Ali Dream, 50 pour Relax, 10, 9, 8, 7, 50 pour Kellen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 60 pour Ali Dream qui l'a dit avant Relax, 10, 9, 8, 7, 6, 65 pour Card, 65, 10, 70, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1-0. C'est Ali Dream qui l'emporte. Ah, parfait quoi. Jeu dispo physique en import, effectivement. Donc, GG, je vais évidemment, on va te contacter pour que Gio puisse t'envoyer ce jeu. Merci Ali Dream. Je t'invite à faire ton don maintenant. On va évidemment vérifier qu'il n'y a pas de troll. Mais franchement, il n'y a eu aucun troll depuis le début de ce live. Très bien. Je suis fier de vous. Merci. Merci à vous. Et surtout, merci pour tout le monde. J'ai tendance à vouloir dire tous ensemble. Ouais. En fait, c'est tout le monde contre le cancer qui vont pouvoir faire de belles actions grâce à ces donations. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous sommes arrivés à 2179 euros, plus le dernier don qui va arriver. On est à plus de 2200 euros. Bravo tout le monde, merci beaucoup. C'est beau. Merci beaucoup, vous êtes des boss. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit le Flesh and Ball de Wonder n'est pas pour Relax. Si, parce que c'était le... C'est celui de Marie, ça. C'est celui que Marie a offert à Relax. C'est celui-là, le mien, Gobema. Sinon, Gobema, il est bien noté, le tien, tout va bien. Il y avait juste celui-là. On a Cart qui dit, si ça peut éviter un envoi, je serai à la soirée pour reprendre mes hoodies. Trop bien. Effectivement. Bon, en janvier, mon frère. Eh bien, il est où Cards, du coup? C'est ça. Ok, tu peux mettre dessus soirée hoodie. Je peux faire tout ce que alors, tu veux. Alors, s'il y en a d'autres qui viennent à une soirée play-in, soirée hoodie, parce que le 23... C'est quoi, soirée hoodie? Alors, j'explique. Le 23 décembre, on fait une soirée de Noël où les gens peuvent venir jouer à play-in avec nous. Okay, ils peuvent venir jouer au TCG contre Rof, ils peuvent venir jouer aux jeux de société contre moi et peut-être contre Marie si elle est disponible. Tu peux venir si ça te chante. Et l'idée, c'est on vient, on mange, on boit, on rigole et surtout, tout le monde repart avec des jeux de société. Ah, trop cool. Et donc, a priori, c'est un moment assez cool. Okay. Il y a déjà plus d'une vingtaine de places qui ont été prises et je crois qu'il n'y en a qu'une soixantaine au max. Okay. Donc, maniez-vous le fiac. C'est le 23 décembre à partir de 18h. Ça, c'est pour la soirée de Noël. Okay, d'accord. Par contre, pour les hoodies, ça, ce sera en janvier, quand on aura reçu les hoodies, parce qu'on a un petit peu de retard, mais j'ai fait du merch. Okay. Et il y avait la possibilité de les prendre en main propre. Okay. Et donc, pour ces gens-là, eh bien, j'ai réservé du coup une soirée spéciale à play-in pour les gens qui ont réservé du coup ces hoodies pour venir les tirer en main propre et passer une soirée effectivement avec nous. Okay. Ça, ce sera
fin janvier, okay. Je pense, et je vous redonnerai la date. Yep. J'essaie de ne plus vous donner de date tant que je suis pas sûr. Parce que sinon, c'est chiant. On demande combien c'est la soirée de Noël. Donc, c'est le 23. 4 balles. 10 balles avec une conso offerte. Ouais. Et en plus, ils repartent avec un jeu. Legit. Au minimum. Et à manger, à boire et un cadeau. Un cadeau. Et on nous demande où c'est à Play-In Paris BNF, donc dans le 13e arrondissement de Paris. Exactement. Ça commence à 18h, je crois, jusqu'à 23h. Et ce sera le 23. Voilà, on y sera avec Max. Ça va être cool. Maxilène Kiosk, l'enlève caritatif, bravo pour le soutien. Effectivement. Écoute, pas de soucis. Ça s'est super bien passé, c'était trop bien. C'était un grand plaisir. Alors évidemment, il y a plein de choses que j'aurais voulu que soit. Enlève le jeu peut-être. Ah oui, pardon. Il y a plein de choses dont j'aurais aimé qu'elle soit, plus fluide, plus simple, etc. Je sais très bien, même si ça s'est globalement très bien passé, et merci à vous, que s'il y avait eu les petites alertes, ça aurait. Bien sûr, oui, mais différent. C'est la première. On va améliorer évidemment tout ça. On en fera d'autres. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci encore une fois à l'œil d'Ophidia qui a offert une très très belle carte. Merci également à Gio du coup qui a participé avec, avec ce jeu. Merci à tous ceux qui ont offert ici des boosters. Je pense notamment à Ravensburger sur l'Orcana. Orcana. Ouais, on est Asmodée sur Flesh and Blood. Asmodée sur Flesh and Blood et d'autres. Merci aussi à Ted qui a mis en c'est en vrai une belle ouais. Enchantée ouais. C'est vrai, je suis un peu scam mais c'est beau ouais, c'était, bon, c'était un bon moment c'était, c'était vraiment très cool. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent moment. Rof, je te laisse un dernier mot, on fait le tour et puis après je vous dis au revoir. Yes, bah moi comme je le disais, on va se retrouver après l'analyse des cartes de comme j'ai fini l'analyse des cartes de la série 2 de l'Orcana, on va se retrouver sur ma chaîne dans 20 minutes à peu près, ouais. Le temps de changer un petit peu tout ça, on souffle un petit peu et on va faire des games avec Wonder qui a ramené des decks ouais. Compétitifs et ouais ça, c'est ça cool. Des decks plutôt cool à jouer voilà. Et compétitifs donc, et je tiens à dire que bah, notamment ce genre d'émission là on est un petit peu dans un mood où ça balbutie un petit peu, on y va un peu empiriquement, tiens on pourrait essayer ci puis on pourrait faire ça machin. Ça permet aussi de tester en conditions, dans les conditions du direct des émissions qui seront comme tu le disais plus carrées, plus propres et plus pro peut-être l'année prochaine et donc c'est aussi pour ça le fait là, qu'on va tester ensemble on saura notamment pour du Lorcana ce qui va être propre à faire l'année prochaine. Voilà, donc du jeu de cartes et puis bon, on se retrouve nous dimanche pour un jeu de société Kaori. Qui s'appelle Kaori. Tu seras là, oui. Tu seras là, je serai là. Je crois qu'il y a Ted c'est, aussi. Non, c'est Loris qui sera là. C'est Loris qui sera là. Ted arrivera plus tard. Ah d'accord, c'est ça. Très bien. Voilà pour moi chaîne. Donc la chaîne sur laquelle on va migrer, c'est ROFE2LOS. Et encore merci à toutes et à tous pour avoir participé. C'est cool. Merci mon Rof. Wonder. Yes. On retrouve où? Bah après avec Rof. Ouais, sur ta chaîne. Non mais ouais non bah là en ce moment je vais être très souvent à Disney parce que là je suis à Disney et puis voilà moi je prépare aussi des petits lives prochainement sur Twitch en ce moment je m'y mets beaucoup plus parce que j'adore ça et sur le gameplay plus que l'ouverture parce que ouvrir ouais. 20 displays ça m'a saoulé au bout d'un moment en vrai je vais pas mentir. On veut game. Et que je trouve que le jeu est tellement riche, il y a tellement enfin il commence à devenir de plus en plus ouais. Riche donc c'est trop cool. Et puis je suis trop content d'être venu, vraiment, c'était trop cool, donc merci encore une fois. Quoi. Ta chaîne, comment ça s'écrit ? Wonderhook. Voilà, Wonderhook, sinon tous mes diminutifs, Wonderhook, Wonderplouk et Wonderlorcana, voilà. Wonderplouk. Oui, oui, mais c'est drôle, je trouvais ça drôle pour ma chaîne secondaire. Enfin, voilà. Secondaire ouais, c'est drôle. Marie ! Eh bien, merci. On peut te retrouver cool. Au Pays des Merveilles. Voilà, avec Alice. Eh bien, moi, c'est marie.grd.jeu sur Instagram principalement. En ce moment, sur Twitch, tous les jours, entre 10h et 22h, wow. Ça dépend. Un peu comme les plages Ikea. Tu vois, on vous livre du 10h à 22h. 10h à 22h. Ah, c'est pas une blague, c'est un radio. Tu peux vérifier, Max. Que je ne sais pas. Oui, tu peux vérifier le don d'Aledream, demande si c'est bien passé. Ouais, ouais. C'est, en fait, comme je ne sais pas encore quand je sais. On sait que c'est entre 10h du matin et 22h le soir. Voilà. Ouais, faut pas camper devant quoi. C'est dans l'idéal, non, vous comment dire, vous abonnez à ma chaîne Instagram. À Instagram. Et je mets tout le temps en story, hey, regardez-moi sur là. Twitch. Très bien. Donc voilà. J'en profite quand même pour remercier Robin qui a lâché 20 balles, Salen qui a lâché 10 balles, Beat des Break qui a lâché 10 balles, les époux Balkany qui a lâché 10 balles. On les embrasse. Les pour la bonne cause. Ils vont se racheter. C'est drôle. Et Ali Dream aussi qui a lâché 70 balles. Merci pour les enfants. Bah merci à vous. Et merci du coup, à vous les gars. Et du coup, on est à combien? On est à... On doit avoir dépassé les... 2250 ouais. Euros. Voilà. Wow. Je rajoute l'euro. Allez, sinon, allez, c'est cadeau. Putain, c'est bon euro. Ça, c'est très bon. Merci à toutes et tous, c'était très agréable à faire. Trop bien. Max, on te retrouve où?
Bah, je sais pas, j'ai peut-être joué avec vous. J'ai besoin de souffler un peu là. Ouais. Parce que j'ai la tête qui explose. Mais j'ai la tête qui éclate. Vous avez pas la ref? Aucune. Non. C'est vrai? Ouais. Stone, le monde est Stone. Ouais, le monde ah, c'est ce que j'ai dit, ouais, parce qu'en fait, peut-être que l'intention. Je pensais qu'il y avait une autre rêve quelque part, mais sinon. J'étais bon. Même, ouais. Je vais seulement dormir. Bref, vous l'avez d'accord. Starmania. Starmania, ouais, d'accord, oui. D'accord, Starmania. J'avais pas. Non, 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 il l'avait. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci à toutes et à tous. Merci à vous surtout d'avoir été présents, d'avoir donné de votre temps et de votre énergie. Merci à toi, Rof, d'avoir supporté mon humeur difficile due au manque de sommeil et aux problèmes techniques. L'important, c'est qu'on ait ramené des thunes pour les gosses. Et ça, c'est Relax qui dit j'ai ajouté l'euro qui manque. Relax, il aura vraiment pris frais, il allait rajouter un bal. Le mec, il aura vraiment fait tout jusqu'au bout, quoi. Relax, t'es en région parisienne ou quoi? Relax, on est à 500 euros du deuxième palier. Ouais, c'est vrai, 2300 euros, on le voit. Ah oui, mais... Ah non. C'est qu'un mec a rajouté 50 balles, en fait. Mais il a arrondi à combien? Attends, mais là, il y a des mecs qui sont en train de faire des... De toute façon, je vous le dis, le truc de donation, il est en vrai ouvert jusqu'à ce soir minuit. Donc s'il y en a qui ont des regrets à 23h qui disent « Oh, c'est pas impossible. » On regardera demain et on vous remerciera. C'est pas impossible que du coup... Ouais, ça peut être une très bonne idée parce qu'en fait, il y a des gens qui vont peut-être revoir le live en replay et qui vont se dire « Bah vas-y, un mec qui arrive ce soir et qui regarde le live... » Tu veux que je laisse ouvert plus longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on laisse ouvert jusqu'à dimanche et dimanche quand on ouvre le truc? Ok, je vais laisser ouvert. Et effectivement, au prochain live, on regardera régulièrement s'il y a eu des dons et on remerciera. Mais reclique là pour voir. Je suis pas sûr que les gens le fassent, mais je vous le mets au cas où. Je pense que ça. Pour voir, c'est qui nous a mis ? C'est Aledream qui a lâché 50 balles en mode on arrondit. Merci Aledream, c'est très très cool. Merci Aledream. Allez, 2300 balles, c'est magnifique. En tout cas, c'était très chouette. Est-ce qu'on s'est tout dit ? Oui, je crois qu'on s'est tout dit. Je pense qu'on s'est tout dit. Moi, juste, t'es sûr que tu veux rien me dire de plus? Non, juste que je vous déteste parce que la fois vous avez fait un live sans moi pour ouvrir du Lorcana, mais à part ça, je vous aime. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, on est liés. On est obligé de faire les openings. Non, mais attends, mais là, sachant que ces displays-là, tu les as achetés. Je me rappelle de ce live parce qu'on avait dit qu'on prenait des gens intéressants. Je me rappelle. Donc vous étiez que tous les deux. Très bien. Mais moi, je me souviens qu'on avait dit. On te promet qu'il y a une émission Lorcana où on aura l'ouverture notamment de la display qui était la tienne. Ouais. Et je demande évidemment que tu seras là. Il nous reste deux displays. Ok, oui, d'accord. Il nous reste deux displays. En plus, j'ai besoin de les ouvrir. Okay. Mais attends, il n'y a pas un monde. Tu veux en garder pour du scellé? Bah, en fait, ça aurait été bien qu'on fasse une émission. Ça. C'est juste qu'on ne l'a pas organisé. Ouais. Bon, on va avoir des discussions. Quand je suis là, non, mais parce que quand même, vous avez acheté cette display en disant ne t'inquiète pas, Marie, on te promet, on fera ça avec toi. Et j'ai vu quoi faire maintenant? J'ai vu. Franchement. Faites votre vie. Ouais. Quoi? Tu sais quoi, on peut en regarder une. Ouais, quand même. On en regarde une. Ouvrez-en une. Il y en a une, tu sais quoi, on l'ouvre juste après là sur ma chaîne. Ça te va? Ok, moi je suis chaud. T'es chaud? Bah, en fait, c'est surtout qu'il me manque des cartes pour ma collection, moi. Ah bah attends, parce que. Attends, qu'on soit bien d'accord, quand tu ouvres. Notre c'est boîte. C'est pour nous, hein, par contre. Et d'accord, mais si jamais il y a les cartes qui me manquent, je vous fais un petit sourire. Et, attends. Bon, bah, alors, les sourires sont loin de nous suffire. Eh ben, vous n'aurez que ça. Non, mais attends, on est d'accord que toi, tu fais la collection de tout en fois. Oui. Donc, les doublons, tu t'en fous. Oui. Donc, en fait, on va te compléter ce qui te manque et tu vas nous passer tous tes doublons. Oh, tous mes doublons, t'emballes pas, frérot, mais on fait des échanges. Donne-moi ta main. On fait des échanges. Ok, très bien, vas-y, on fait ça sur ma chaîne dans 10 minutes. Tu sais quoi, on jouera. D'accord. Et puis toi, pendant ce temps, tu ouvriras, tu feras. Ah oh, mais tu m'as pris pour. Tu gâches une boîte. Non, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je sais qu'on ouvrira, c'est on ouvrira tout ensemble, les gars, si jamais. On ouvrira proprement et après on jouera. Voilà. Okay. T'es contente? Oui. Allez. Bisous tout le monde. Et ciao, ciao. Ciao. Ciao.